Voici Omar Sharif. Omar Sharif, le prince Ali de Laurent Zarbi. Ça vous fait quoi quand vous écoutez cette musique là? Ça m'énerve. Ah. Voilà. D'accord, mais comme ça j'ai déjà gagné mon goût tout de suite. J'ai tellement entendu. En plus, ça me rappelle ma jeunesse, que je cherche à oublier absolument. Alors, en même temps, Omar, Laurent Zarabi, c'est le film qui marque vos débuts de comédien international en 1962 et qui fera de vous la première et la seule star arabe d'Hollywood. Autant, c'est Clark Gable, non? C'était du temps de Nasser. Oui. Ça veut dire, c'est comme si aujourd'hui, quelqu'un du pays de Saddam Hussein, donc un Irakien, voulait devenir une star. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'à l'époque, les relations entre les États-Unis et Nasser n'étaient pas terribles. Pas terrible, oui. Alors après Laurent Zarabi, il y a eu Docteur Jivago, Marco Polo, Meyerling, vous avez incarné Gengis Khan, Che Guevara, Nicolas II. Alors, aucun de vos films ne vous satisfait vraiment, avez-vous déclaré. Vous dites finalement 10 secondes dans un film, 10 secondes dans un autre, mais globalement, il n'y en a aucun qui vous plaît vraiment. Il y a des films qui me plaisent, mais je ne me plais pas moi-même, je veux dire. Ouais. Par exemple, j'adore Laurence Zarabi, mais je trouve que j'aurais pu faire mieux. Voilà. Ah oui, d'accord. Alors, ça ne vous a pas empêché d'être récompensé au Festival du film de Venise, puisqu'on vous a décerné un Lion d'or pour l'ensemble de votre carrière, donc pour tous ces films que vous n'aimez pas tellement. Ça recommence à Hollywood, à l'American Film Institute, pareil, encore une récompense. Oui. Un email pour dire « ça sent le sapin ». Oui, exactement. C'est bon, c'est bien déjà de ne pas les recevoir de façon posthume. Oui, c'est bien déjà de les avoir de son vivant. Oui. Mais il faut arriver à mon âge pour arriver à avoir ces prix-là. Oui. Il faut avoir 71 ans et avoir tourné 50 ans. Cette année, c'est le 50e anniversaire de mon premier film. Voilà. Alors, j'aimerais qu'on voit un peu votre histoire. Donc, vous êtes né à Alexandrie. Oui. Voilà. D'une famille de commerçants aisés. Ils étaient dans le bois, d'origine libanaise. Hein. Syro-libanaise. 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 Soyons précis. Parce qu'il y a des fiches, j'aimerais qu'on les utilise. Syro-libanaise.
Alors, vous êtes fils unique, votre père voulait que vous preniez sa succession, mais vous avez refusé. Et un jour, dans un salon de thé, vous rencontrez Youssef Chahine. Exactement. Grand réalisateur. Et vous faites en 1953 votre premier film, Ciel d'enfer, qui fait de vous immédiatement une star en Égypte. Le film est sélectionné au Festival de Cannes en 1954. Et là-bas, vous dites, j'ai été accueilli comme un sex symbole par l'aristocratie homosexuelle. C'est vrai. Je l'ai su très tard dans ma vie par un copain à moi qui était très vieux, qui est mort l'année passée, je crois, qui était, si vous voulez, le président général, le roi des homosexuels de France. D'accord. Celui qui était l'autorité absolue sur tout ce qui se passait en France. C'était qui ? C'était un monsieur qui s'appelait André Manus, qui était un homme très riche et très gentil. En même temps. Non, mais je dis son nom. Mais parce que c'est un homme célèbre, c'est un homme vraiment. C'est un homme exquis d'ailleurs. Donc M. Manus vous décrète sexe symbole. Voilà, il avertit la France entière qu'il y a une bombe atomique qui arrive d'Égypte. Ah. Alors j'ai eu Cocteau comme président du jury. J'ai eu Philippe Erlanger qui était dans membre du jury. Et puis alors. Et Michou au vestiaire, pour te dire. S'il y avait du monde. Vous n'avez pas eu un prix avec tout ça ? Non, pas un prix. Non, mais j'ai failli. Alors à ce moment-là, donc vous devenez aussi en France, tout le monde s'intéresse énormément à vous, et pas seulement l'aristocratie homosexuelle, comme vous dites, mais vous faites la une de Cinémonde, et vous refusez, alors ça c'est incroyable, vous refusez un script à Claude Chabrol. Écoutez, j'ai fait beaucoup de mauvais films, énormément de mauvais films. Mais je n'ai jamais voulu faire un mauvais film, en le sachant que c'était mauvais, avec un grand metteur en scène. D'accord. Ça me semblait un tel gâchis. Alors, c'est à l'époque, Omar, que vous rencontrez Faten Amama, qui est la star absolue à l'époque. On dit Amama. Non, Amama. Ah, c'est pas français, mais tant pis. Qui est la star absolue. C'est Maître Capello qui est en moi. Je l'adore. Qui est la star absolue donc, du cinéma arabe, mais qui est mariée. Oui. Ça fait un scandale. Ça fait un scandale, et puis on est tombé amoureux, quoi. Ouais, il n'y avait rien à faire, c'était plus fort que vous. Il n'y avait rien à faire, là-bas où j'avais 21 ans. Ouais. Et donc, elle a divorcé. Ouais. Et moi, j'ai embrassé l'islam. Alors oui, parce que vous, ce qu'il faut dire d'abord, c'est que ce n'est pas votre vrai nom, évidemment, Omar Sharif. Votre vrai nom, c'est Michel Chaloub. Oui. Et d'ailleurs, il y a certains films où vous apparaissez sous le nom de Omar El Sharif. C'est ça. Au début, je m'appelle Omar El Sharif. C'est dans mon passeport. Ouais. Mais pour les films américains et Omar Sharif. Français, Omar Sharif, on a même vu Omar m'a tué sur un générique. Ouais. Oui, une fois. Avec ER. Et donc, changer de nom et vous convertir effectivement à la religion musulmane. Voilà. Oui. Aujourd'hui, vous êtes dans quel état d'esprit par rapport à ça ? Moi, je suis, en réalité, je suis tolérant, je suis agnostique. Oui. Donc, je ne crois pas, mais j'ai le doute. Je ne suis pas certain. Je n'ai aucune certitude, d'ailleurs, dans la vie. Je suis prêt à douter de tout. Alors, votre premier film, Omar, sur les écrans occidentaux, c'est La Châtelaine du Liban. Et en 62, après Laurence, vous signez un contrat de 7 ans avec Columbia. Et là, vous arrivez à Hollywood. Alors, ça a dû être pour vous... c'est le miel et les abeilles, là, non ? C'était terrifiant parce que, vous savez, j'arrive à Hollywood en 62. Ouais. Donc, j'arrive du Caire à Hollywood direct. Ouais. Bon, en 62... C'était la révolution culturelle et c'était surtout la révolution, le MLF, le mouvement de libération de la femme. Ouais. Alors, c'était en 62 qu'elles ont enlevé tous les soutiens-gorge et qu'il y a eu les discothèques. Je suis arrivé en même temps que les Beatles, les Rolling Stones, cette décennie extraordinaire. Bien sûr. Vous savez, je l'ai connu. Hein. Et alors, pour moi, c'était arrivé à Sodome et Gomorre. Ouais. Parce que j'arrivais du Caire où j'avais plutôt jamais Sodome vu... Plutôt Sodome ou plutôt Gomorre alors, tous les deux. Sodome et Gomorre. Donc, Gomorre, plutôt. Mais enfin, les femmes que j'avais jusque-là, en Égypte, les femmes étaient très, 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 très couvertes. Ouais. On ne voyait rien. On ne flirtait pas. Mm. On se tenait à peine la main quand on avait une petite amie. Ouais. Alors là, d'un coup... C'est... Là, tout le monde était pratiquement à poil, on peut dire les choses. Quoi, oui. Hein, c'est ça. Ah oui, vous puis draguer... tout le monde était camé, tout le monde sniffait. Marquez, le hashish en Égypte, il y en a aussi, non ? Il y en a beaucoup. Oui. Non, mais je veux dire, là-bas, c'était plutôt la coke et les drogues plus... À l'époque, c'était la mode, la coke. Ah, d'accord. Bien. Et alors là, vous sentez que vous allez craquer et vous dites à Faten Amama, à votre femme, enfin Madame Sharif à l'époque, séparons-nous avant que je te trompe. Oui. C'est extraordinaire, ça. Non, ça veut dire que je sentais la tentation. Ouais. Je n'avais pas vu tout ça. Donc pour la première fois, j'ai commencé à ressentir vraiment une envie forte de tromper ma femme. Bon.
Il est vachement gentil. Alors, c'est vrai. Prévenant. Ah, c'est, vous êtes prévenant, cas, exactement. Non, en plus, alors, chez nous, donc, à l'époque, on pensait que les femmes, à partir de 40 ans, ouais. c'était des vieilles qui ne pourraient plus trouver un homme. Ouais. Alors, j'ai eu peur, comme elle avait deux enfants, ouais. je la laisse pour Trop une temps. Autre, ouais. pour une starlette quelconque, et qu'elle n'ait plus une opportunité de refaire sa vie avec un homme. Donc, j'ai décidé qu'il valait mieux c'est vachement bien. Prévenir. C'est pas vachement bien si, parce, si, parce si, que... Si, parce que de toute façon, vous l'auriez trompé, vous le savez. Et là, vous dites, plutôt que la garder avec moi, je donne la possibilité de refaire sa vie. Elle a refait sa vie, Fatena Mama ? Très bien. Bah, alors, en cette chose, j'ai eu raison. Ouais. Mais cela dit, moi, je ne suis plus tombé amoureux de personne. Ben bah oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous dites, depuis, j'ai beaucoup baisé... Non, mais j'ai pas dit ça. Alors, j'ai jamais dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Non, vraiment pas. J'ai d'ailleurs pas beaucoup baisé, ça c'est sûr. Non, mais un petit peu quand j'ai même. J'ai baisé beaucoup moins que tous mes copains. Oui, voilà. C'est ce que vous dites aussi. Il n'y a pas un copain. Ils ne doivent pas perdre leur temps, vos copains, quand même. Oui. Non, mais c'est vrai, vous dites. On n'a pas le nombre de coups tirés par, par l'artiste. Il n'y a pas beaucoup. Non, mais c'est vrai, vous dites, j'ai jamais aimé une autre femme et j'ai jamais vécu avec une autre femme. Oui, c'est vrai. Même pas une semaine. Moi, j'ai besoin d'être amoureux pour vivre avec quelqu'un. Je ne peux pas vivre avec quelqu'un dont je ne suis pas amoureux. Mais. Ce qu'il y a, c'est que moi, je voyageais tout le temps. Je suis le seul acteur au monde qui n'est pas, qui suis étranger partout. Ouais. Donc, j'avais ma valise et j'allais dans des hôtels. Et si une femme avait voulu me suivre et vivre avec moi, je ne l'aurais pas aimée parce que ça aurait été une femme qui ne travaillait pas, qui ne faisait rien, sauf de s'occuper de moi. Je n'aime pas les femmes serviles. J'aime plutôt me disputer avec quelqu'un, vous voyez, qu'avoir des arguments. Alors non, mais c'est vrai qu'on vous prête des aventures avec les plus belles femmes du monde. Non, mais c'est parce que j'étais célibataire et qu'on pouvait dire, quand chaque fois que je sortais avec quelqu'un, on pouvait dire, ils sont ensemble, voilà, puisqu'il est libre. On dit que les hommes mariés, c'est plus délicat. On les voit avec quelqu'un d'autre, on n'ose pas vraiment écrire dans le journal qu'ils ont une aventure. Alors, je dis les plus belles femmes du monde, il y a Barbara Streisand, c'est pas la plus belle femme du monde. D'ailleurs, la première fois que vous l'avez vue, vous avez appelé votre agent en disant « je peux pas tourner avec elle, elle est trop moche ». Des scènes d'amour, je peux pas tourner des scènes, je peux pas lui dire « je t'aime, elle est trop moche ». Alors, Anita Ekberg, c'est vrai ça quand même ? Non, bon. Absolument pas. Omar. Alors là, non, écoutez, il y a une condition que j'ai pour être avec une femme. J'ai besoin de ne pas me mettre sur la pointe des pieds pour l'embrasser. Et j'ai besoin de pouvoir que mes mains se joignent derrière son dos quand je l'embrasse. C'est vrai qu'elle, c'était un peu... Pas, c'est pas possible. Je peux pas faire comme c'est ça, pas possible. Comme ça, honnêtement pas. Alors, il y en a d'autres, je vais pas faire toute la liste, mais enfin, disons, il y a Anouk Aimée. Oui. Oui. Ah, j'ai une amitié amoureuse. Voilà. J'ai eu des amitiés amoureuses. Oui. Evelyne Delia. Evelyne Delia. Tu l'as pécho ou pas ? Ah non. Pas du tout. Sophie non. Davant. Non. Non. Non, j'ai pas non, eu. Non, c'est pas aucun. Vrai. Maïté. Non. Donc vous avez déclaré effectivement, quand j'ai quitté l'Égypte pour faire ma carrière internationale, j'avais un bel appartement, une belle femme, un gosse que j'adorais, et depuis j'ai vécu seul, d'hôtel en hôtel avec une valise. Alors quand même ça va, hein, hôtel en hôtel, l'hiver vous êtes au Sheraton du Caire, c'est ça en général oui, là, oui, hein, ça va. Juin-septembre, Royal Monceau à Paris. Oui. C'est pas le camping non voilà, plus. Voilà, pas le camping non. Mais alors c'est très marrant d'ailleurs parce que au Royal Monceau, vous ouvrez jamais les rideaux et vous savez même pas si la fenêtre est sur la rue ou sur la cour. Non, parce que vous dites j'ai vu tout, c'est terrible ça. J'ai vu tous les paysages et la seule chose dont j'ai besoin maintenant, ce sont des visages. Oui, c'est vrai. J'aime les gens. J'aime quand je vais dans un pays que je ne connais pas. J'aime connaître les gens. Et l'été, vous êtes à Deauville, au Royal Barrière. Au Royal. Ça va quand même. Très bien. Hein? Ah oui, c'est super. Mais le luxe, c'est pas tout. Ouais. Tu vois, je veux dire, les grands hôtels, tout ça, c'est pas tout. Il faut du confort aussi. Il vaut mieux avoir un endroit, avec quelqu'un qu'on aime. Vous n'avez pas de home, vous n'avez pas de maison, pas de foyer. J'ai pas d'objet, par exemple. J'ai aucun objet. C'est marrant, ça. J'ai pas, par exemple, je peux pas transporter mes livres d'hôtel en hôtel. J'ai pas de livres, j'ai pas de disques. C'est marrant, j'ai ça. Pas Vous êtes, excusez-moi, un petit peu comme un travailleur immigré, quoi. Oui, c'est ça, oui. Tout à fait. C'est ça. Un nomade. Alors, vous êtes assez misanthrope, quand même. Vous êtes devenu, disons, joueur par ennui, justement, par misanthropie. Vous dites...
pour occuper le temps, en fait. C'est-à-dire que vous êtes seul le soir dans une chambre d'hôtel, voilà. Vous préférez aller dans un casino parce qu'il y a des jolies femmes, on peut dîner seul. Ouais. Oui. C'est le seul endroit où on n'est pas ridicule quand on va seul. Si on est un acteur de cinéma, qu'on va dans un restaurant tout seul et qu'on commande un repas, on est ridicule. On se sent ridicule comme ça. Dit qu'un casino, on peut aller. Tout seul. Le jeu est un vice solitaire, oui, effectivement. Oui, mais je ne suis pas passionné par le jeu, je peux m'en passer. Si j'ai rendez-vous à dîner ou si j'ai une petite amie, par exemple, par hasard, eh bien, je ne pense pas du tout à aller jouer. Oui, tout le monde croit que vous êtes accro au jeu et tout ça, pas du tout. Je n'aime pas ça, pratiquement. Ouais. C'est la dernière chose qui me reste quand je n'ai rien de mieux à faire. Votre plus grosse perte, c'est en 78, au Palm Beach, 80 millions de francs en une soirée. Non, j'ai perdu des grosses sommes. Mais une fois j'ai gagné. Et plusieurs fois j'ai perdu. Ouais. Mais moi j'ai. À la sortie, vous avez plus gagné ou plus perdu? C'est ça qui est important. Ah, beaucoup plus perdu. J'ai tout perdu. Tout l'argent que je gagne, je le perds. Ouais. Mais parce que j'ai une particularité, c'est que quand j'ai de l'argent, je suis obligé de le dépenser. Je n'arrive pas à garder l'argent. Les poches percées, comme on dit. Ouais. Mais ça ne me gêne pas de ne pas en avoir. Par contre, je vis aussi heureusement quand je n'en ai pas. Je change de restaurant, je vais dans une brasserie, je vais dans des brasseries, comment ? Faut juste payer l'hôtel avant. Je ne paye pas l'hôtel. Je ne paye pas l'hôtel, moi. Ah bon ? C'est gratuit, je peux me permettre. Non, mais sinon, vous auriez cru que j'étais riche si je vivais au Royal Monceau en payant. Je pensais bêtement que c'était payant, moi, les palaces. Non. Je suis l'invité du propriétaire du Royal Monceau, qui est un monsieur très, très bien, qui est syrien, qui m'aime bien. Donc, d'accord. Hey. Mais j'aime, moi aussi, beaucoup la Syrie. Et souvent, je cherche un endroit où dormir. Un pays très démocratique où les gens sont très heureux. Non, mais un soir, vous avez perdu. Je ne sais pas si c'est vrai, mais au casino, l'appartement que vous possédiez à Paris, c'est vrai, ça? Oui, ça veut dire que j'ai dû vendre mon appartement pour payer mes dettes de jeu et autres. Ah voilà. Oui. D'accord. C'est la seule fois où j'ai eu un appartement. Oui. Et ça n'a pas duré, finalement. Et voilà, ça a duré 4-5 ans, quand même. Oui, quand même. C'est bien. Et alors, vous appelez votre agent le lendemain matin en lui disant « Trouve-moi un film, n'importe quelle merde, ce que tu veux. » Demain, mais demain. Il faut que ce soit demain. Demain, voilà. Il fallait que ce soit demain. J'avais toujours un film de retard. C'est-à-dire que chaque film que je tournais, c'était pour payer les dettes que j'avais déjà Un peu comme Daricot, là. Galabru, il y a des gens comme ça. Et Jean Lefebvre. Oui, c'est vrai. Je ne vais pas les nommer. Vous êtes obligé de faire de la pub pour Tiercé Magazine. Oui, je le fais encore. Oui, je vous ai vu l'autre jour. Mais c'est bien parce que ça me fait... Moi, j'ai toujours eu envie d'avoir un salaire, d'avoir une rentrée nette, fixe, chaque mois. Voilà. Parce que le problème de l'acteur, c'est que chaque fois qu'on tourne un film, on ne sait pas quand est-ce qu'on va tourner un autre. Alors que le fait d'avoir une rentrée sûre, ça me rassure, ça me fait plaisir. Et ça beaucoup de gens. Alors dites-moi, il s'est passé quoi au casino d'Enghien le 5 juillet là? Vous avez mis un coup de boule à un policier quand même? Oui, exactement. Mais ce qui s'est passé, c'est que, je perdais pas mal. Et puis, un soir, j'étais seul à la table où je jouais à la roulette et j'ai insulté le croupier parce qu'il avait fait ou pas une connerie. Je ne me souviens pas clairement de la soirée. Mes souvenirs ne correspondent pas au film qu'ils ont tourné de ce qui s'est passé, parce qu'il y a les caméras. Parce que tout est filmé, donc quand ils vous ont montré le film, vous avez dit... Il tournait encore, quand il dit qu'il n'a pas tourné pendant 4 ans. J'ai raconté, quand on m'a mis en garde à vue, j'ai raconté à la police ce qui s'était passé. Mais après, ils ont vu que ce n'était pas comme ça du tout. Alors, ce qui s'est passé en réalité, ce qui est filmé, c'est que je l'ai insulté très gravement, avec des mots très violents, et que donc ils ont appelé le commissaire de la police des Jeux, qui est venu pour m'éjecter. Alors, pour me dire, monsieur, quittez le casino. Ouais. Et il est venu avec les deux ou trois videurs, avec lui, du casino, qui étaient des malabars. Lui aussi, d'ailleurs, c'était un malabar. Et il m'entourait pour me faire sortir. Et moi, j'ai une agoraphobie, j'ai peur des foules. Ouais. J'aime pas me sentir contraint par une foule. Alors... Et le film montre ça, je dis, ne me touchez pas, ne me touchez pas. Et personne ne me touchait. Ouais. Mais ils étaient tout autour de moi. Et alors, en me retournant comme ça, c'était une espèce de genre, je me débattais, quoi, dans ma tête. Ouais. Et je me retourne comme ça et je vois, c'était malheureusement, c'était pas un des videurs, c'était le commissaire de police lui-même qui était en face de moi. Ouais. Et je lui ai donné un petit coup de boule. Un petit coup de boule, oui, d'accord, enfin bon. Voilà. Mais enfin...
Il n'a pas eu. Je crois qu'il a eu un jour d'arrêt de travail parce qu'il est venu témoigner, parce qu'il est venu le lendemain. On a passé la journée à se témoigner à la police. Et souvent, quand on a les jetons, on met un coup de boule sans réflexe. Dans les casinos. Alors Omar, vous avez eu dans votre vie des hauts et des bas, hein, comme tout le monde, et on va faire une interview up and down. Omar Sharif, ce que vous préférez en vous? Ma chance, la chance que j'ai eue. Ouais. Voilà. C'est pas en moi, je suis né sous une bonne étoile, j'ai eu une chance folle toute ma vie. Vous n'auriez pas été plus heureux si vous aviez vécu au Caire, finalement, avec Fatah Hamama, en étant une star kérote, en étant une star égyptienne. Hein. C'est possible. Je ne le saurais jamais. Ouais. Je ne saurais jamais ce qui serait arrivé si on ne m'avait pas pris pour Laurence Darabie. Ouais. Il est fort possible que j'aurais été plus heureux dans ma vie. Oui, parce que vous ne seriez peut-être pas comme ça dans une chambre d'hôtel. J'aurais eu 10 gosses, j'aurais été un parrain, un patriarche. Avec une grande famille. Patriarche, j'adore ça. Ouais. Ce que vous haïssez en vous? Je ne hais rien en moi, parce que quand je hais quelque chose, si je haïssais quelque chose en moi, je ferais de tout pour corriger cette chose que je hais. Bien, votre plus gros coup de fric? C'était en 66, le fric. Mmh. J'ai gagné $1 million au casino. Parce que j'étais avec j'étais dans le nord de l'Italie, et il y avait une starlette qui était assise à côté de moi, qui était très très bien. On est allé à la discothèque, on a flirté et tout, puis je lui ai dit de monter avec moi si elle voulait bien prendre un verre dans ma chambre. Elle m'a dit non, j'étais fou de rage. Et j'avais bu pas mal et je suis allé au casino et j'ai joué le numéro que je ne joue jamais, c'est-à-dire le 29 à la roulette. Et c'est sorti 4 fois de fil. Oh là là, $1 million. J'ai dévalisé la banque, oui. Le lendemain, j'ai acheté toutes les fleurs d'Interflora, toutes. Ouais. Et j'ai envoyé un camion, parce que j'étais allé à Rome, j'ai envoyé un camion de fleurs à cette jeune dame, qui était dans le nord tout à fait, de 5 tonnes de fleurs, que j'avais payé très cher. Elle a fait une crise cardiaque, elle est morte. Non, elle est devenue floriste surtout. Je lui ai mis très inélégamment une carte qui disait « Vous auriez été le coup le plus cher de ma vie. » Oui, c'est un peu violent. Mais... Votre plus grosse perte, c'est quand vous avez été obligé de vendre votre appartement? Oui, j'ai aussi, c'était dans ces ordres-là, dans ces sommes-là. Et c'était tout l'argent que je possédais au monde à ce moment-là, en banque, que j'avais en banque. Le plus grand moment de votre vie? C'est difficile, le plus grand moment, je ne sais pas. Peut-être, je sais pas, la naissance de mon fils, probablement. Et... J'adore mon fils, je suis vraiment fanatique de mon fils. Et je l'admire aussi. Et le pire moment? Je ne sais pas, c'est tous les moments de déchéance physique quand on est malade et que les nurses doivent s'occuper de vous et vous accompagner à la salle de bain, tout ça, c'est des moments atroces. Vous avez été malade, vous? J'ai fait un pontage, j'ai eu une hanche, j'ai changé une hanche aussi. Ah ouais? J'ai une prothèse. Vous ne fumez plus, là, quand même? Non, je ne fume pas. Ah bon. J'ai arrêté. Avec une prothèse, c'est faux. Non, j'ai eu un miracle pour arrêter de fumer. Ouais. Parce que je fumais 100 cigarettes par jour, et un jour, j'ai eu mal à la poitrine, et j'ai compris que c'était quelque chose de cardiaque. Alors, comme je ne savais pas qui parlait, j'ai regardé le plafond et je lui ai parlé. Je lui ai dit, écoute, je t'ai jamais parlé avant, je vais te dire maintenant, si tu me fais vivre jusqu'à demain matin, j'arrête de fumer. Bon, et puis j'ai arrêté, et puis j'ai pris une cigarette pour rallumer, et j'ai eu un choc électrique. Et quand je l'ai mise dans ma bouche, j'ai été très malade, j'ai vomi, j'ai eu des nausées terribles, et depuis, je n'ai plus pu toucher une cigarette. Mais il vous a aidé, alors? Et je ne lui ai plus jamais parlé. J'attends. On applaudit Dieu. C'est peut-être la seule émission où on applaudit Dieu. Ouais. Votre plus belle histoire d'amour, c'est Fatah Hamama, j'imagine. Oui, sûrement. Hein, sûrement. C'est ma seule. Et puis toutes les autres qui sont marquées. Sophie Davant, Evelyne Delia, Marie-Ange Nardi, oui. Et la plus minable? Marie-Ange Nardi, vous savez qu'elle me... Non, mais... Attendez. Un jour,
un jour, quand elle était à la pyramide, qu'elle faisait la pyramide. Bien sûr. Vous regardez les pyramides, c'est normal. Il y a eu une question sur moi. Oui. Donc on a dit, qui a joué Docteur Zhivago, un truc comme ça. Ouais. Elle n'a pas su répondre. Quelle conne. Et après on lui a dit, mais c'est Omar Sharif. Bien sûr. Elle a dit, mais j'ai jamais entendu parler. Oh voilà, alors tu vois, j'ai pas Marie-Ange eu d'aventure avec elle. Marie-Ange Sharif. Non, Marie-Ange. Ou alors j'ai eu une aventure avec elle qui a très mal marché. Oui, c'est pas comme Sophie d'avant. Oui. Bien, alors votre plus minable histoire d'amour. Tiens, on vient de ma le dire. Ma plus minable histoire d'amour, ça a été avec Rita Hayworth. Non. Oui. J'ai eu une aventure absolument stupéfiante avec elle, parce que je l'admirais beaucoup depuis que j'étais très jeune. Et un soir, elle avait assez bu, et je l'ai raccompagnée chez elle. Elle habitait sur les Hauts de Cannes, on tournait un film ensemble. Et moi, j'habitais à Nice. Et quand on est arrivé, elle m'a dit, est-ce que vous voulez prendre un verre? Je descends, on avait une voiture de la production avec un chauffeur. Je vais avec elle, elle avait un bar qui était en bas, elle m'a dit, vous aimez le vin blanc? J'ai compris que c'est ce qu'elle voulait que je boive. Ouais. J'ai pris un verre de vin blanc, deux verres, et puis on a flirté. Ouais. On a flirté très bien et tout. Et puis au moment où on était au point culminant de notre relation, elle me dit, mais vous croyez que vous allez me sauter, vous? Je lui dis, ah non, ça ne m'est pas, oh, pas effleuré. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, madame? Alors je ramasse mes habits, tu vois que mes habits qui étaient partout, qui jonchaient la tête, je les mets comme ça. Elle me dit, allez, sortez, vous croyez que vous êtes arrivé, vous avez tourné un film au Laurence d'Arabie. Elle vous avait laissé aller jusque-là? Oui, mais elle était saoule, la pauvre. Après, le lendemain, bref, elle me dit, sortez. Alors je sors, il n'y a pas la voiture. Alors je lui dis, mais où est la voiture? Elle me dit, je l'ai renvoyée, marchez. Et j'ai fait de l'autostop à 5h du matin. Avec un livre de vitesse à la main. Bien. Alors, en général, elle boit, hein. Ouais. Parce que Ava Gardner, elle buvait aussi, hein. Oui, mais elle était adorable. C'était vraiment ma copine. Ce que vous préférez dans le sexe? Les préliminaires. Ah oui, ben là, c'était le cas, d'ailleurs. Ouais, avec... Voilà. J'étais très content qu'elle m'ait viré avant le moment critique. Ce qui vous dégoûte le plus dans le sexe? L'après-sexe, quand ça se passe mal. Ah ouais. Quand on se retourne chacun de son côté et qu'on s'endort. C'est affreux. Ou qu'on doive se rhabiller et partir. Ouais. C'est affreux aussi. Et qu'il n'y a pas de bagnole. Il n'y a pas de bagnole. On marche à Alpha. J'accueille Michael Youn, Elsa Pataky, Caléo Magloire. Cadet Olivier Magloire. Tout le monde connaît Michael, Cadet Magloire. Je vais quand même un petit peu présenter notre amie Elsa Pataky, qui est vraiment extraordinaire. Je me demande si je vais arriver à faire l'émission. Tu crois? Mais je vais te regarder toi, peut-être. Hein? Voilà, oui. C'est vrai, ça. C'est sympa. Elsa. Comme ça, t'es sûr de ne pas déraper. Voilà. C'est peut-être la bonne idée. Oui, je te la conseille, d'ailleurs. Oui, on ne sait pas. Si tu dérapes avec Magloire, c'est plus dangereux qu'avec Elsa. C'est vrai. Alors, Elsa Pataky, qui est Pretty Woman dans le film. Alors, vous avez été élue, Elsa, la fille la plus désirée d'Espagne. C'est-à-dire que vous avez été élue par des hommes et par des femmes, ce qui est très bien, parce qu'en général, vous vous plaisez plutôt aux hommes. Oui, c'est vrai que je préfère que les femmes disent ça que les hommes. Les hommes, c'est plus facile. Moi aussi, d'ailleurs. Mais j'aime pas trop quand c'est les hommes qui disent ça. Je parle de femmes. Je sais qu'avec les hommes, c'est facile, plus facile. Ouais. En France, ça serait pareil. Ah oui? Ah oui. Oh, j'espère. Ah oui, je suis sûr. Moi, je suis le Français le plus chanceux, alors c'est bien. Ouais.
Alors, vous êtes né à Madrid en 1976, père espagnol, mère roumaine. Alors, votre grand-père était comédien et il vous montrait toujours des albums avec des photos de tournage. Ouais. Et quand vous étiez petite, vous voyez ces photos et vous avez dit, c'est ça que je veux faire, quoi. C'est vraiment... Ouais. Voilà. Hein? Oui, c'est comme ça. Il a fait beaucoup de théâtre en Roumanie. Mmh. Et oui, dès que j'étais petite, il a joué avec moi et fait des personnages, des rôles. Moi, toujours la princesse, ouais. C'est vrai. Et il est très heureux de faire ça. Et comme je joue avec lui, que je dis, je veux faire avec la même ouais. que mon grand-père. La même chose. Je vais dire un truc, je comprends pas tout ce qu'elle dit, mais j'adore son accent. C'est charmant. Alors, mais je t'avouerai, moi non plus. Mais c'est pas grave. Je me demande, il y a quelqu'un qui est capable de répéter ce qu'elle vient de dire. Non, on te comprend très bien. Ouais. Si t'arrivais déjà. Hein? Déjà, Michel, parle espagnol comme elle parle français déjà, on verra. Je parle mieux espagnol. Il parle très, très bien espagnol. Je voulais parler à toi. Si c'est les problèmes de traduction, oui. J'assure la traduction. Du moment que c'est pas du Nietzsche, ça va. T'es gusta la fellación? Non, c'est la Bafi, vous connaissez pas Bafi, c'est lui, il m'a appris deux mots. Ah oui, ça va. Non, c'est dit la fellación, c'est dit la paella, non? Pajas. Las pajas. Ouais. Las pajas. Las pajas. ¿Te gustan las pajas? Yes. Poli. Más educado. ¿Y dónde está la mamá de Pedro? C'est l'autre chose qui m'a appris. C'est bien. Bah oui, c'est fini. Ah, tu peux aller en vacances à Ibiza, voilà. T'es prêt. Vamos a la playa. Voilà. Voilà. Et vamos ecstasy. A tomar ecstasy. Tu sais, Ibiza, il faut que ça... ouais. Ouais. J'apprenne à dire ecstasy. Un bocadillo de jambon. Ok, y hijo de puta, te mato como una mierda de Zaragoza con negros que tiene el cine que te dan por el culo, salchichón, la sodomización y con mi puerta puta madre, gilipollas, cabrón. ¡Wow! Non mais tout le monde en parle et regardez en Espagne, bien dans sûr. La rue, on va l'arrêter, on va bien faire sûr. Ah, todo el mundo habla, que bien ouais. Alors je continue la vie d'Elsa Pataky que nos ouais. amis ne connaissent pas encore très bien, mais ça ne va pas tarder. Donc d'abord de la télévision, ensuite du cinéma, hein, mm-hmm. pas mal de films. Et oui, la première bien. Rencontre avec Michael, c'était... La première rencontre, non moi je l'ai vue en photo la première fois dans ouais. le bureau de Patrick Braudet. Ouais. Et j'ai dit, ah elle est bonne. Mais le pire, c'est que je suis pas le seul à avoir dit ça. Mais oui. Moi, au moins, je suis reparti avec. Et voilà. Et voilà. Alors, tout le monde veut savoir quelle technique de drague tu as choisi, Michael. C'est quoi? Je me suis fait passer pour Vincent Cassel. Ah, ouais, ça c'est bien. C'est-à-dire qu'encore maintenant, elle pense que je m'appelle Vincent Cassel et qu'en France, je suis l'incarnation du mal, le mal avec un accent circonflexe. Ouais. Elle ne sait, ouais. sait pas que j'ai fait Morning Live et c'est pas que je me prends mettre ouais. un poil, tout ça, non, donc là, elle ne comprend pas. D'accord, ok. Hein, ma chérie. Non, voilà. Non, je ne comprends pas. Michael Youn, la comédie française. Oui. La comédie française, oui. Bien. Alors, ce qu'il faut dire quand même, Elsa, c'est qu'avant Michael Youn, vous aviez déjà eu affaire à un exhibitionniste, donc à l'âge de 13 ans, vous avez été attaqué par un type... Exhibitionniste ouais. T'as rencontré des collègues à moi. Ouais. À l'âge tu connais de 13 Marc ans... Non, mais là, je sais pas. Le type qui vous a poursuivi jusque dans l'ascenseur. C'est quoi, de l'ascenseur? Est-ce qu'il y a un monsieur qui est venu tout nu dans un ascenseur oui, avec oui. toi? Oui, il s'est approché. Ah oui ah. Quoi? Ouais, je la prends maintenant. Je ne le dis pas. Ça, non, c'est quand j'étais petit. Moi, en petit, j'avais du sens. Pour moi, c'est. Mais tu mettais déjà des jartel. C'est pour ça, ça l'avait. Oui, bien sûr, je l'avais. Mais oui, c'est un ascenseur que c'est la première fois que j'ai vu un homme. Un homme. Un homme. Un homme. Ouais, un homme. Ça l'a marqué. C'est vrai. Alors, tiens, une question intime là. Est-ce que c'est vrai que dans l'intimité, contrairement à la télévision, il montre jamais ses fesses? Jamais. Ah, voilà. Jamais, c'est pour ça que je... Comment ça se fait que vous ayez choisi Michael Youn parmi tous les acteurs du film, pas Cadéo, pas Magloire? Bah, regarde. Pas Magloire, je peux répondre à sa place. C'est un génie quand même, t'es au courant? Oui. C'est le mec qui est devenu star le plus vite ever. C'est-à-dire qu'en 3 ans, il avait déjà fait de la télé, du cinéma, de la radio. Hein? Et d'ailleurs, c'est ce que dit assez souvent Kad. Il me dit, bah maintenant, il faudrait peut-être qu'il t'arrive quelque chose pour que ça s'arrête là, que ce soit bien. Hein? Non, je dis... Si, c'est ce que tu m'as dit l'autre jour. Il m'a dit, pour que tu restes une légende, il faudrait que tu disparaisses. Ah, si tu pouvais mourir, ouais, ouais. Non, sérieux. Bah oui, oui, bah oui. Bah, vous êtes d'accord? Oui, ouais. C'est qui? Bon, ben, hé. J'ai déjà entendu, oui. Oui, oui, oui. Bon, voilà.
je fais une parenthèse, pour les relations de travail que nous avons avec cette jeune femme, d'abord, c'est une grande professionnelle, très sympathique, et voilà. Et mais j'ai progressé en français parce que... C'est vrai. Elle progressait un peu. Le premier jour, lorsqu'elle est arrivée, il était évident que ça allait foutre la merde, parce que c'était un film de mec avec que des hommes, et quand elle est arrivée, la première fois que je l'ai vue... Oui, oh, bah, excuse-moi. Eh bien, justement, je reste un tout petit peu frustré. Et quand j'ai vu... Le petit paquet, le petit lot arrivé, Miss Pataki, je me suis dit, oh là là, ça va être le merdier, maintenant ils vont tous se taper sur la tronche. C'est vrai que ça a été un petit peu le... Pendant trois jours. Pendant trois jours, les coques. C'est vrai. Nous sommes des gens, des adultes, des gens responsables. Non, mais en tout cas, vous qui êtes tous les deux mariés, vous n'étiez absolument pas dans cette affaire. C'était uniquement entre Franck Dubosc et moi. Mais bon, quand Elsa a vu le papier d'identité de Franck et qu'elle a vu qu'il avait 65 ans, elle s'est dit... Et Franck Dubosc s'est rattrapé sur les masseuses. Sur les... Ah oui. Masseuses, on appelle ça masseuses. Voilà, à Marrakech, on appelle ça plutôt des putas. Hein. Non, c'est pas bien. Des professionnels. Voilà. Ce sont des professionnels du massage, mais qui ne massent pas que comme ça. Parfois, elles massent aussi comme ça. Elles ont les mains qui dérapent. D'ailleurs, il me l'a dit, Franck, il en a marre. Ouais. Il m'a dit, arrête de dire à la télé que je tape des putes. C'est vrai. Eh ben non, j'arrête pas. C'est pas des putes. C'est à toi d'arrêter. Ce sont des masseuses. Excusez-moi, il y a mon téléphone qui sonne pendant l'émission. C'est pour Sam Carman, tiens, c'est pour toi. Oui, attendez, oui. C'est pour Louis Figo, tiens, c'est pour toi. C'est pour Nelson Mandela. Merci. Pour Gloria Gaynor. Bibi. Bibi non. Patrice Carmouze. Je passe Thierry Ardisson, c'est ma mère. C'est qui? Ah. Allô? Non, il est très bien, madame. Mais est-ce qu'on peut passer des coups? Thierry Ardisson, il est très bien, madame. Il a... Moi aussi, je vous aime beaucoup sans vous connaître, moi. Ce qui est encore plus fort, parce que vous m'aimez en me connaissant, moi je vous aime sans vous connaître. Et alors, le problème, c'est qu'il a un petit peu les yeux cernés en ce moment, madame. Est-ce qu'il se masturbe beaucoup? Je te rappelle, maman. Mais sa mère ne sait même pas qu'il fait de la télévision. Sa mère pense qu'il est pâtissier chez La Durée. Merde. Mais oui. Elle veut que je travaille à la préfecture de Cahors. Oh. T'es dégueulasse. Mais quand on se masturbe beaucoup à la préfecture de Cahors. Oui, tu me diras. On l'a dit, c'est pas les derniers dans la poste. J'ai envie de faire une pause bisous. On m'a dit l'émission a pas commencé depuis un quart d'heure. Écoute, vas-y, mais tu sais pas ce qui va t'arriver. Hein. Non, mais sur la joue. Fais gaffe, tu sais, t'as vu, maintenant je me fais beau gosse et tout, je deviens violent. Hein. Ouais. Bon, on fera. Ouais. Non, pas. Tranquille. Ouais, enlève ta main, toi. Tranquille. C'est comme ça toute la journée. Ah là là là. Bon, je tire les cheveux aussi, j'aime bien les cheveux. Tu sais qui est-ce qu'on lui tire les cheveux aussi? Clémentine Célarier. Anso. Ah, mais Clémentine Célarier, elle adore qu'on lui tire les cheveux. Ouais, Anso aussi. Ouais. Ah bon? Ouais. Oh! Clémentine, j'en sais rien, mais je suppose. Enfin, t'as une tête à avoir envie. Quoi? Moi, j'aime bien aussi qu'on me tire par les cheveux quand même. Ça s'est arrivé un petit peu trop souvent. Une fois, en 1830. Tout ça va? KDO, on dirait les deux vieux du Babette Show. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Il dit qu'on est des vieux, il dit ça. Ah oui, il est bien. Qu'est-ce qui a tué Pamela Rose? Sérieux. Mon cul. À la fin du film, c'est un énorme cul qui est comme ça, guys. Ils sont jeunes. Qui c'est? Je réponds? Ah bah un peu, oui. Allô, maman? Ça va? Je suis en train de faire tirer Ardisson, ça t'embête si on se rappelle? Mais pourquoi on nous appelle pas, nous? On n'a pas d'amis, nous. Hein.
Est-ce qu'on a coupé le portable aussi, c'est possible? Non, moi, bah écoute, le mieux c'est que je te le passe, maman. Je te le passe, il veut te parler. Je t'emmerde, je peux pas vous appeler, ma mère, elle. Allô? Ça va? Eh, tu dragues pas mais ma comment, mère. Hey, comment vous l'avez fait celui-là? Mais comment vous l'avez fait celui-là? Mais il est extraordinaire, tout ce qu'il fait, il réussit, votre fils. Écoutez les gens, écoutez les gens. Oui, madame, il a les yeux un peu cernés en ce moment, non? Thierry. Vous pensez qu'il se masturbe beaucoup? Lui dis pas pour la soirée dans la boîte à... Non, non, elle est pas là ce soir, non, on peut dire ce que... Ah oui, ah voilà, ta mère m'explique que comme Elsa est en Espagne, t'es un petit peu obligé, voilà. Elle te connaît bien. Bon ben merci madame, je vous le repasse. Hein. Il a les yeux un peu cernés, voilà. Bon, maman, je te rappelle... Oui, je te... Oui, d'accord. Tout le monde t'embrasse, sauf Magloire. Non, ce qu'elle sait pas, ma mère, c'est que... C'est pas parce que Elsa est là que je me masturbe moins. Ah oui, d'accord. Ouais. Magloire, parlez-nous de votre personnage dans le film. Je fais le rôle de l'eunuque, donc... Rôle de composition, absolument. Je peux vous le prouver immédiatement, évidemment, oui. Que c'est un rôle de composition. Bien sûr. La demi-baguette de pain de seigle. Ah ouais, ouais. Ah, c'est la banette de Bamako. La troisième guibole. Je crois que c'est la première fois à la télévision que l'animateur touche la queue d'un invité. Je pense que c'est... Bien. Toutes ces émissions, Olivier. C'est Thierry Ardisson, oui. Il a touché la quéquette de Magloire. Ah, ouais. Et pourquoi il a pris la brouette? Les vampes sont de retour. Les vents. On va avoir du mal. Alors, Michael, c'est parti pour être un carton encore, cette histoire, non? Je ne sais pas. Monsieur. Non, je ne sais pas. Ouais. Il ne faut pas jurer que par le succès, Thierry. Le succès est une drogue absolument terrible. J'essaye d'en sortir en ce moment. Oui, le problème, c'est que ça va encore faire monter votre cote au box-office. On va dire que vous gérez mieux vos affaires que les autres. On va rappeler que vous avez fait des études marketing. Moi, j'ai jamais forcé... j'ai jamais mis un couteau sous la gorge des gens pour aller voir un film ou pour acheter un disque. En boîte, je leur fais pas prendre des extasies pour qu'ils dansent sur ma musique. En spectacle, je les force pas à rire. Donc, on peut bien sûr tout expliquer par le marketing, mais il y a un moment, si les gens rigolent, c'est peut-être aussi parfois parce que les choses sont drôles. Vous dites, Michael, on fait pas ça à Jean Reno, par exemple. Non, c'est vrai. C'est vrai que Jean Reno, on lui reproche pas de gagner beaucoup d'argent par film. Ouais. On lui reproche pas de bien gérer sa carrière, alors qu'il gère très très bien sa carrière. Mais peut-être parce que Jean Reno, il a pas fait d'études marketing. Moi, j'en ai fait. Voilà. Je peux rien. Ouais. Lucchini, on lui dit pas, t'es super bien coiffé dans les films. Ouais. Bah c'est normal, il était coiffeur. Est-ce que vous savez combien il gagne? Non. Vous avez vu le journal Capital, non? Non. Les chiffres de Capital sont... Je pense que c'est mieux si on n'en parle pas, parce que je suis un petit peu en litige avec eux. Parce qu'ils ont communiqué des chiffres qui sont absolument pas vrais, quoi. Ah ouais? Non. En particulier sur le One Man Show, même sur tous les artistes qui sont concernés, c'est des chiffres qui sont très très loin de la réalité. Si on pouvait gagner 5 millions d'euros avec un One Man Show, tout le monde en ferait. Quoi. Ouais. Non, c'est vraiment pas le moi, cas. Moi, j'ai commencé à prendre des cours. Cas. Cette dame est pas très très bien renseignée et elle va avoir des problèmes, pas qu'avec moi d'ailleurs. Vous savez qu'il y a la grande confrérie des comiques qui se retrouvent tous les vendredis soirs. Vous dites, j'ai tellement de succès qu'on finit par plus me considérer comme un artiste. C'est-à-dire qu'en ce moment, c'est vrai qu'il y a une petite période, là, depuis 6-8 mois, où on me parle surtout de « alors pourquoi ça a marché ? Est-ce que les autres vont marcher ? Combien est-ce que vous avez gagné ?» On ne me parle pas de ce que je fais concrètement, même si pour certains, c'est pas assez sûr, hein, c'est peut-être pas du Beckett ce que je fais. Vous croyez pas que les gens attendent maintenant autre chose de vous, après tous ces films ? Ils attendent un truc un peu comme Ciao Pantin pour Coluche ? Thierry, j'ai tourné 3 films. Ouais. C'est, Is No Good, c'est le 3e. Ouais. Enfin, je sais pas. Ouais. Il y a des gens dont on attend beaucoup. Donc c'est très flatteur, ça me fait plaisir en même temps, mais laissez-moi un petit peu de temps, j'ai tourné que 3 films. C'est vous qui avez déclaré au départ, je voulais jouer Molière, Shakespeare, Tchekhov, ouais. Mais j'en avais marre de bouffer du riz tous les jours. Donc voilà, c'est peut-être ça qui amène ça, non?
Mais moi, j'ai presque fait de l'humour par hasard. Hein. Ouais. J'ai fait de la radio et de la radio, je suis venu à la télévision. Et à la télévision, je ne savais pas quoi y faire à ce Morning Live. Donc j'ai dit, je vais faire ce que je fais depuis 30 ans, puisque je m'entraîne depuis 30 ans. Je vais faire le con, puisque c'est ce que je fais le mieux apparemment. Ouais. Et puis c'est trouvé que ça a plus marché dans cette voie-là que quand je faisais le misanthrope. Vous tendez des perches, vous dites, un jour j'aimerais m'imposer dans un truc sérieux, j'aimerais travailler avec Chéreau. Un jour? Oui, voilà, donc c'est vous qui tendez un peu la perche aussi. Non, mais j'ai que 53 ans, j'ai encore quelques années devant c'est moi. C'est vrai, c'est vrai. Donc, vous êtes encore jeune, oui. Non, mais si j'ai envie de durer dans ce métier, il faut que je me laisse le temps aussi de faire les choses. Et si je veux déjà faire des rôles dramatiques au bout de 4 ans, qu'est-ce qui va me rester après? Ouais. Une Légion d'honneur, peut-être. Un prix Nobel de la paix. Je voudrais être pape, mais bon, je suis même pas catholique, ça va être chiant. Jésus était juif. Ah oui, c'est vrai que ça a bien marché, sa petite affaire. Ça a bien marché. Alors, vous voyez comment je suis vachement plus calme quand je suis avec Elsa? Ah, t'es vachement bien, là. Non, mais tu m'as dit... Parce qu'après, elle me fait à la maison, elle fait, dis donc, pas très drôle, les blagues sur Anus, tout ça. Non. Alors, Michael, après votre passage chez Marc-Olivier Fogiel, vous m'avez dit, bon, à ce moment-là, le masque est tombé, et finalement, j'étais plus Michael Youn, j'étais redevenu ce que je suis au fond, c'est-à-dire Michael Benayoun. Mmh. Et finalement, les gens dans le public, sur le plateau, ont trouvé ça pas terrible, mais dans la rue, les gens m'ont... C'était ma meilleure émission de promo. J'ai jamais vendu autant de tickets pour mon spectacle qu'après cette émission. Et tous les gens, depuis que je rencontre dans la rue, font « Ouais, t'as bien fait !» Tout le monde devrait faire comme toi, être sincère à la télé. Ouais. Mais c'est vrai que, voilà, ce soir-là, j'avais pas forcément envie de combiner. Il faut quand même prévenir un petit peu les téléspectateurs. Dans la vie de tous les jours, on n'est pas toujours comme ça, à parler de cette façon, à s'exprimer sur tel ou tel sujet. Et là, l'espace d'un instant, j'ai voulu être Michael Youn, j'ai voulu être juste moi-même. Il m'a demandé d'être sincère, je lui ai dit, tu me saoules, ton émission me saoule et je me casse. Voilà. Et l'erreur, c'était que j'aurais pas dû aller dans cette émission. Quand on n'a pas envie de se faire pisser dessus, on va pas dans les urinoirs, c'est tout. Oula. Tout à fait. Donc les masques vont à nouveau tomber ce soir. On va faire une interview Michael Benayoun. Allô? Ouais, Marco. Mais non, c'était une blague sur les urinoirs. Mais non, je déconne. Allez, embrasse Guy. Oui. Alors, Michael Benayoun. Ouais. On va parler de Michael Youn. Est-ce que tu trouves qu'il a la grosse tête? Non, mais il a bien pété les plombs quand même, Michael Youn. Mais il a tellement pété les plombs qu'il a fait péter les plombs à tout son entourage. Ouais. Il a fait péter les plombs à ses parents. Ma mère, maintenant, elle est en permanence en contact avec mon avocat, mon agent. Elle fait ses courses en string avec un mégaphone. Mon père, c'est pareil. Il répond aux interviews des journalistes avec les bras comme ça sur la tête. Mmh. Mes potes, c'est pareil. Ils ont pété les plombs. Se contourner dans les 11 commandements. Maintenant, quand ils font des émissions de télé, ils veulent qu'on vienne les chercher en bagnole. Donc, voilà, moi, plutôt que dire que c'est mon entourage qui me permet de garder les pieds sur terre, moi, je permets à mon entourage de garder un petit peu les pieds sur terre. C'est l'inverse. C'est le même mec dans l'intimité à la télé où il joue un jeu quand il était à la télé? Non, c'est comme toutes les personnes médiatiques, toutes les personnes publiques. On n'est pas monolithique. On a... Si je te fais chier, tu me dis. Si je me fais chier, j'en sais rien, moi. C'est qui? Fais la promo du spectacle Anso. C'est prévu, Anso. Laisse-nous 5 minutes. Plus qu'à poil 2, Anso. Non, mais ils sont insensés, t'as vu, les attachés de presse. On n'est pas des personnalités monolithiques. Moi, je suis pas qu'une paire de fesses qui gueule. Je suis autre chose, mais comme tout le monde. De même que vous, Thierry, quand on vous rencontre dans la vie de tous les jours, vous n'êtes pas tout le temps avec vos fiches. Non. Il y a des moments... D'ailleurs, tu remarqueras, c'est pour ça que j'ai rien à dire dans la vie. Les gens disaient qu'il a pas ses fiches. Tu rencontres Thierry, il est comme ça, il cherche. Vainement, il est dans ses poches, il galère. Dis-moi, dans la vie, Michael Youn, c'est quelqu'un de sûr de lui? Michael Youn, oui. Michael Benayoun, non. Non, ouais. Mais Michael Youn est 10 000 fois plus intéressant que Michael Benayoun. Ouais. Et c'est Michael Youn qui donne de l'intérêt à la vie de Michael Benayoun. Ouais. Il a un beau cul, Michael Youn? La différence, Michael Benayoun a un cul assez poilu. Ah oui. Alors que Michael Youn a tendance à le tondre parfois quand il y a un petit peu trop de poils. Ah oui. Michael Youn est beaucoup plus coquet, il met des cravates. Ah d'accord. Alors que Michael Benayoun, on a rien à foutre. Non, hein, non. Tu sais. Tu penses que son succès est dû à quoi? Je sais pas, il doit y avoir une partie de des gens de ma génération qui se reconnaissent dans la même chose que moi, c'est-à-dire ceux qui sont ni très pauvres, ni très riches, ceux qui viennent vraiment du milieu,
qui sont un petit peu apolitiques, qui n'ont pas de convictions religieuses, pas syndiquées, qui sont un petit peu désenchantés, comme disait Mylène Farmer. Je pense qu'ils doivent se reconnaître un petit peu dans la violence de ce que je fais. Quoi. Tu crois qu'il va durer ? J'espère que non, parce que je suis crevé. Ouais. C'est quand la dernière fois que tu l'as vu pleurer ? C'est à cause de toi. Saleté. De moi ? Ouais. Non, c'est pas vrai. Si. Bah, c'est t'es toi, sûr? Qui... Et que toi qui peux me voir comme ça. Oh là là! Dis-moi, le spectacle de Michael Youn, Plus qu'à poil 2, le retour, tu me conseilles d'aller le voir à Lusso? Je te conseille d'aller le voir à partir du 15 février au Bataclan jusqu'au 15 mai. Ah ben d'accord. Alors, c'est tout ce qu'il y avait de bien dans Plus qu'à poil saison 1, plus tout ce qu'il y a de mieux dans Plus qu'à poil saison 2, c'est plus qu'un one-man show, c'est vraiment un spectacle, puisqu'il y a évidemment, il y a des sketchs, des personnages. Il y a des danseuses. Mais il y a des danseuses. Il y a Barbara. Tu l'adores, hein, d'ailleurs, Barbara, toi. Hein? Hein ouais. Je n'écoute rien. Qu'est-ce que t'as dit? T'as raison de te méfier. Il y a des chansons, il y a des happenings avec le public. C'est un peu un spectacle à l'armoricaine. Ouais. C'est comme un spectacle à l'américaine, mais avec les moyens de l'en avant Guingamp. Quoi. Elsa, c'est la meilleure meuf qu'il ait jamais eue, non? Michael Youn. En gratuite, oui. C'est bien. C'est mignon. Parce que après, si je réponds oui, ça fait, tu vois, présent du cœur, etc. Ouais. Là, au moins, je reste un peu moi-même. Ouais, ouais. Là, ça fait mec qui se tape des putes, tout ça. Ringué. Tu penses qu'il est heureux, Michael, malgré son succès? Michael Youn? Je pense que Michael Youn, il est plus heureux que Michael Benayoun. C'est plus simple pour lui. Ouais. Voilà. Si tu pouvais lui donner un conseil à Michael Youn, tu lui dirais quoi? Prends ton temps. Ouais. Prends ton temps. Voilà. Tranquille. Allez, ça va. Parce que j'ai toujours peur que le monsieur il vienne taper à la porte et qu'il vienne me dire hey, c'était une blague. faut tout rendre l'argent. Maintenant c'est pas l'argent, faut tout rendre. Mais la fille aussi, ah oui, la fille aussi. Puis elle rigole en plus. Connasse. Magloire, après ce rôle, tu es parti pour les Césars. Oh non, non. On va faire une interview César. Alors, tu vas finir mes phrases, c'est pas compliqué. Oui. Je voudrais remercier Michael Youn pour... Parce qu'il était là, parce qu'il est là et parce qu'il sera là. Ben, je me suis dit que pendant que t'embrassais Magloire... Rien à voir. Ça n'a rien à voir. D'accord. Fais gaffe, je suis complètement bourré. Box time. Tu arrêtes. Non, tu rentres. Non, arrête-moi. J'adorerais pouvoir faire ça en vrai. Faire une scène de ménage à la mais télé bien bourrée. T'es tout noir sur ton petit nez. Je voudrais remercier. Mais alors, c'est de la peinture. Je suis bien flot. Guy Carlier. On t'a reconnu, Guy. Enlève ta peinture, Guy Carlier. Bien. Oh. Je voudrais remercier mon dealer pour... De ne plus m'appeler. Depuis des années, de ne plus revenir. Merci. Voilà. Ça, c'est familial, voilà, ça. Ça, c'est très télé. C'est voilà, familial, c'est ça. Ils vont dire, ah non, qui ne m'appelle plus. C'est familial. Et t'as fini alors, qu'est-ce que tu fous? Attends, j'ai fait Ardisson sans coke, merde, comment je fais, moi, la prochaine fois? Là, tu l'as vexé, il va vraiment plus t'appeler, à mon avis. Je voudrais remercier Dieudonné pour... Non. Celle-là, elle est dure, t'en as une autre. Je voudrais remercier Dieu pour... Ah, c'est peut-être la meilleure partie de moi-même, donc merci, Dieu. Et j'ai touché, c'est vrai que tu peux le remercier. Magloire, je voudrais remercier Thierry Ardisson pour... Avoir pensé à moi de temps en temps.
Y croire, avoir cru en moi avant les autres. Ah, c'est bien les gens. Putain, c'est la raison. Voici Bruce Willis. Bonsoir. 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 Merci d'avoir choisi, tout le monde en parle. Nous sommes très heureux que vous soyez là ce soir. Je vous en prie. Est-ce que vous, vous êtes heureux à Paris? Yes, very oui, happy. Oui, super, super heureux. I love Paris. J'adore Paris. J'aime toujours venir ici. Les gens sont toujours très sympas avec moi. I could live here. Et donc je pourrais habiter ici. Je connais l'hôtel, l'hôtel où vous êtes installé, Bruce, c'est un très bon hôtel. Vous connaissez l'hôtel ? À Saint-Ouen, non ? Oui, c'est pas mal. Ouais. C'est un très bon hôtel, très bien situé, bonne cuisine. Voilà. Et alors, comment ça va avec les Parisiennes ? Slowly, going very slowly. Tout doux, vraiment tout doux, là, malheureusement. Oui. Qu'est-ce que vous faites après l'émission ? Moi, je connais des endroits, si vous voulez, je peux vous amener après l'émission. Good, all right. OK. Est-ce que vous pourriez vivre en France, Bruce ? Yes, oui, sans aucun doute. Je pourrais habiter à Paris, sure. Sans aucun doute. À Limoges ? J'adore Limoges. Paris. Limoges, non. You know Limoges, Bruce ? Limoges, Saint-Tropez. Ah ouais, notre Limoges. Non, non, non. Space. Vous apprendriez le français si vous habitiez en France ? Yes, oui. J'ai parlé solo un peu bien, français. Bien, bien, bien. Yes. Vous parlez ici, bien. À donde está la Tour Eiffel? Alors, si Bruce Willis habitait en France, il pourrait faire des films avec Laurent Baffy, he's a director. He's a... That's right. I give you my movie. Yeah. I give you. Card? Vous avez une carte? Non, I have my movie. OK, good. Assistant, mon film. It's true, c'est vrai. Bien, alors de toute façon, Bruce Willis n'a rien contre les réalisateurs français, puisque vous avez fait le cinquième élément avec Luc Besson, et que votre nouveau film, Otage, est réalisé par Florent Siri. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Florent Siri. Vous êtes l'auteur de Need Gap, sorti en 2002 avec Benoît Magimel, Samina Seri, Nadia Farès, qui est venue d'ailleurs ici pour en parler. Et ce film, Need Gap, Bruce Willis l'a vu à l'American Film Market, voilà. Et il a été intéressé par votre travail. Comment s'est passée votre première rencontre? Really well. Ça s'est really très well, bien yeah. passé, vraiment bien passé. Il m'a appelé tout simplement, il m'a laissé un message sur mon répondeur, je l'ai rappelé, on s'est vu à Los Angeles, et puis voilà. Ça s'est bien passé avec Bruce, il a été docile. Super, vraiment, j'ai rien à dire. Ça a été d'abord une superbe, comment dirais-je, rencontre. Mais ouais. Plus qu'une rencontre, c'est devenu un ami. C'est quelqu'un de très ouvert, très simple. Il m'a vraiment laissé faire le film que je voulais faire. Alors, c'est ce qui était important. C'est vrai qu'un jour, vous l'avez un peu poussé dans ses retranchements. Et il vous a dit, tu sais, Florent, j'ai fait 50 films. Et vous lui aurez répondu, moi, j'en retiens que 4. C'est pas tout à fait. Non. It's a good story, though. Non, c'est une bonne histoire, mais c'est pas la vérité. Yeah. No, we got along really well. Non, en fait, on s'est vraiment très bien entendu. Alors, la fille de Bruce Willis, Rema Willis, joue dans le film. Est-ce que vous pensez qu'elle va faire une carrière? Ouais, moi, je suis sûr qu'elle va faire une carrière, mais. Vous êtes content de votre fille dans ce film? Oui, elle veut en tout cas faire carrière. Yeah, she did a great job in this film. Elle a vraiment été super dans le film.
Comme j'étais producteur du film, je lui ai fait faire une audition et donc elle est venue, elle a rencontré Florent et donc c'est elle qui a remporté le rôle. Mais bon, elle est toujours, c'est toujours une gamine et si elle veut vraiment faire carrière, devenir actrice, eh bien je l'aiderai. Ouais. Alors, règle absolue, vos enfants n'ont le droit de faire du cinéma que si vous ou Demi Moore jouez dans le film. Quoi. Ils n'ont pas le droit de faire des films sans vous. Oui, effectivement, ils peuvent travailler avec leur père ou avec leur mère. Et pour nous, ça nous permet de les maintenir enfants. Mais bon, ils se sont vraiment éclatés en faisant ça. Ils grandissent beaucoup en faisant ça pendant les tournages, que ce soit avec leur mère ou avec moi d'ailleurs. Alors l'impression que vous donnez, en tous les cas, avec Demi Moore, vous êtes séparés, mais l'impression que vous donnez, c'est d'arriver à préserver très bien vos enfants. On n'a pas l'impression qu'ils souffrent de ça. Merci. Oui, effectivement, on est toujours amis avec Demi, on est vraiment de très bons amis. Et donc, quand on s'est séparés, on s'est mis d'accord pour essayer de faire preuve d'intelligence et de protéger nos enfants avant tout. Et pour l'instant, je veux dire que ça a fort bien marché, oui. On est restés amis et c'est vraiment une très bonne chose pour les enfants. Et donc, ça marche bien. C'est un demi-divorce, en fait. Exactement. Alors, depuis que vous êtes séparés, on vous prête, Bruce Willis, c'est normal, vous êtes très beau, on vous prête toutes sortes d'aventures. Et récemment, vous avez été obligé de démentir une liaison avec une starlette de 18 ans qui s'appelle Lindsay Lohan. Alors, oui, c'est vrai. Il y a très peu de choses qu'on peut faire quand on est... with the gossip, you know, with paparazzi. Quand on est aussi connu, parce que les gens vont toujours parler à un moment ou à un autre. Donc là, j'ai été un petit peu trop loin peut-être. Et donc, ils les ont poursuivis en justice et ils ont dû présenter leurs excuses. Mais bon, 18 ans, oui, c'était un peu trop jeune peut-être. Ouais. Alors vous dites, de toute façon, je suis devenu tellement difficile maintenant qu'il n'y a que 2% de la population féminine dans le monde qui peut me correspondre. Donc c'est très difficile pour vous maintenant de trouver une chaussure à votre pied, comme on dit. It is difficult. Oui, c'est très difficile, effectivement. Mais bon, je cherche. D'accord. Bah, les filles, maintenant, vous le savez. He's still looking. Voilà. Alors, vous dites que c'est difficile de savoir, en fait, quand on voit arriver une fille, quand on est Bruce Willis, parce qu'il y a écrit « jackpot » ici, et c'est très compliqué de savoir si la fille est honnête, c'est ça? Ah bon, c'est un pseudo, Bruce Willis? Jackpot, oui. Hein? I am a jackpot. Oui, je suis le jackpot incarné, oui. Écoutez, je ne sais pas. En tout cas, je pense que c'est une question de confiance. Mais tu n'as pas envie d'avoir une aventure avec une Maasai pour voir un peu un regard vierge, quelqu'un qui ne te connaît pas, ou une Inuit? No, you're right, I don't want that. Non, vous avez raison, mais non. Il ne veut pas. Alors, il y a un truc très, très drôle, Bruce Willis, c'est que récemment, dans le show de David Letterman à New York, vous avez sorti une DVD, cassette, avec la vie sexuelle autorisée. Yes. C'est quoi? C'est-à-dire que les bandes qui étaient sur Internet, vous avez décidé de les sortir en DVD, c'est ça? It was a set of 5 DVDs. Oui. La vie sexuelle de Bruce Willis, il faut 5 DVD. Merci. That was just the first year. C'était simplement la première année ici. J'adore cette émission, je trouve que c'est vraiment super. It's you singing. It was me singing, yeah. Oui, c'était moi qui chantais, c'est vrai, mais ça fait longtemps. Bien. Ça s'appelait là. Ça s'appelait Le Retour de Bruno. The Return of Bruno. Et vous ne chantez plus maintenant? Why don't you sing anymore? No, I still do. Si, je chante toujours. Je me produis avec mon groupe qui s'appelle les Accelerators. En 2003, on est allé en Irak pour amuser les troupes.
Mais c'est un petit secret, quelque chose que je fais toujours. Je fais de la musique tout à fait différente maintenant. Là, ce qu'on a entendu, ça remonte à 18 ans. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Alors, avec Otage, Bruce Willis, vous redevenez un héros. Donc, on va faire une interview anti-héros. Bruce Willis, est-ce que vous avez déjà fermé votre gueule devant un flic qui vous collait un PV? Oui. Est-ce que vous avez déjà fermé votre gueule devant un flic qui s'en prenait à un black? Ah. Ah, c'est un black qui appelle. Allô? Attends, excuse-moi, là, je suis avec Bruce Willis, OK? Est-ce que vous avez déjà fermé votre gueule devant un flic qui s'en prenait à un black? Non. Et devant un black qui s'en prenait à un flic? Ça, c'est une question piège. Est-ce que vous avez déjà fait semblant de ne pas entendre quelqu'un qui vous avait insulté? Yes. Connard. Oui. Vous êtes déjà évanoui? Ah! On va voir, parce que nous, ça nous arrange vachement que ce soit un anti-héros quand même. Est-ce que vous avez déjà porté des chaussettes trouées, par exemple? Oui. Yes. Oui. Et des slips sales? Non. Non, d'accord. Non. Est-ce que vous avez déjà exigé un cascadeur pour une scène pourtant sans danger? Non. Vous avez déjà demandé à des techniciens de sortir du plateau au moment où vous alliez vous mettre tout nu? Non. Vous avez déjà eu une panne sexuelle avec une femme très entreprenante? Non. C'est un héros! Est-ce que vous avez déjà serré la main de quelqu'un en sachant qu'il vous détestait? Yes. À Hollywood. Oui. Et qui sortait des toilettes sans se laver les mains. Est-ce que vous êtes déjà barré avant qu'une de vos conquêtes ne se réveille? Yes. Almost bit my arm, moi. J'ai failli me... Je m'en suis mordu les doigts. Est-ce que vous êtes à l'école le matin, ça va être quoi? Est-ce que vous... Est-ce que vous avez déjà dit à une fille que c'était la femme de votre vie pour coucher plus vite avec elle? Yes. Vous avez déjà profité qu'une fille soit bourrée pour coucher avec elle? Oui. Voilà, Bruce Willis. Pick up one card, Bruce, please. Florent. Vous devez vous laisser embrasser sur la bouche par Thierry Ardisson. You need to kiss Thierry Ardisson. C'est moi, ça me plairait. Non, you need to do it. You're not shaving. You can do it. It's not good. Thank you. Nice. I did it. That's right, folks. Il y a des millions de filles qui m'envient ce soir. And that'll be on the sex video. Vous êtes un vrai héros. Ça va être sur les vidéos classées X. Ça te vexe pas si je passe mon tour, j'attends Julia Roberts. OK, thank you for coming. Thank you very much. Thank you. Merci. Bravo. Merci. Thank you. Oui. Thank you. Voici Nadine de Rothschild.
Nadine de Rothschild, bonsoir. Ça va? Nadine, depuis la disparition du baron Edmond, votre époux, bah vous avez beaucoup de temps libre, hein, et comme vous avez beaucoup d'argent, bah vous visitez les endroits en Europe où ont eu lieu les plus belles histoires d'amour. Voilà, hein, c'est pas compliqué. Et vous en rapportez un livre qui s'appelle « Sur les chemins de l'amour » et c'est édité chez Robert Laffont. Donc on commence avec Sissi, donc elle faisait chambre commune avec François-Joseph, et à l'époque c'était une révolution ça. Absolument, et après non, parce qu'après il s'est passé tellement de choses où elle est devenue complètement une femme mystérieuse, une femme anorexique, car elle a eu de tels drames dans sa vie qu'effectivement elle n'était pas. Mais j'ai très bien connu cette impératrice à cause de ma belle-mère qui habitait le château de Prony, et Sissi ouais. venait régulièrement au château de Prony. Donc elle était une grande habituée, je dormais dans la chambre de Sissi quand je me suis mariée. Ah oui. Mais donc à l'époque, faire chambre commune, c'était mal vu. Je le suppose, enfin j'étais pas là à cette époque. Hein, ah bon pas Et puis alors aussi, Sissi, c'est elle qui choisissait la maîtresse de son mari, c'est super sympa ça. Mais écoutez, vous croyez que ça n'existe plus maintenant? Écoutez, les clubs de rencontres, qu'est-ce que c'est ça, non? Ouais. Bah, c'est pas les femmes qui choisissent les maîtresses de leur mari, quand même. Non, mais en grande partie, si, les femmes laissent faire aujourd'hui. C'est ça le drame, c'est que malheureusement, elles n'ont plus, si vous voulez, cette légèreté pour pouvoir dire « cette femme est charmante ouais. ». Aujourd'hui, on divorce, on balance, et puis c'est terminé. Tu ferais ça, toi? Choisir la maîtresse de mon mari? Non, les amants de ta femme. Ah, d'accord. Ça dépend si c'est une capricorne, ouais. en même temps, c'est une balance. Oui. Non, mais on dit que les hommes sont ou amants ou maris. Mm. Qu'est-ce que vous êtes? Mari. Vous êtes mari? Oui. C'est vrai? Donc cocu, donc. Ah, donc cocu, vous avez raison. Donc cocu, voilà. Ça vous est venu à l'idée, ça, de choisir les maîtresses de votre mari, vous? Non, c'est pas l'idée, c'est du trop. Vous avez posé une question une fois dans une émission, vous avez dit, vous rentrez chez vous un soir, vous voyez Dutron au lit avec une fille. Calmez-moi. Et vous m'avez répondu, je lui ai dit, qu'est-ce que vous faites? Vous m'avez répondu, je me joins à eux. Et oui. Ça m'avait beaucoup choqué, j'ai mis 6 mois à m'en remettre. Quel que soit son signe. Ouais. Ah non, mon mari disait une chose, je te verrai au lit avec un monsieur, je dirais que c'est pas toi. Ah, voilà. c'est ça l'éducation. Mais oui, mais est-ce que l'on a envie de savoir ou on n'a pas envie de savoir? Est-ce qu'on a envie de garder ou on a envie de voir la personne s'éloigner? C'est ouais, tout. Ouais. Moi, je ferais la même chose d'ailleurs. Ah oui. Je vous verrai au lit avec votre femme, je dirais c'est pas lui. Dans ce bouquin, il y a Sissi, il y a Lola Montes, la Pompadour bavaroise, donc qui était avec Louis Ier de Bavière, qui perdra son trône d'ailleurs. Alors vous dites qu'elle n'a pas su tirer profit de ses rencontres, c'est pas comme vous, hein, ça, elle est pas... Attendez. Moi j'ai eu très peu de rencontres, mais elles ont été très productives. Eh, super. Voilà. Super, Nadine. Mais vous savez, les femmes se galvaudent, elles ne savent pas choisir, c'est voilà. tout. Voilà, elles se donnent tout de suite à tout le monde. Non, mais il n'y a pas beaucoup de Rothschild non plus, c'est difficile. Mais on revient toujours à cette phrase, il n'y a pas beaucoup de Rothschild. Non, vous avez... C'est vrai, c'est non vrai, c'est vrai. Tout le temps, même dans la rue, les gens disent écoutez, ça. Écoutez, il y a quoi? Il y a 40 millions d'hommes sur la place de Paris ou en France. Bon, il n'y a pas non plus que des gens qui ne peuvent pas faire votre bonheur. Des hommes font votre bonheur, il ne faut pas être Rothschild pour ça. Vous parlez de Georges Sand aussi. Oui. Alors qu'il part donc avec Musset. Donc avec Musset, oui. Ouais. Et alors, ils font un ménage à trois, je savais pas. Avec le docteur, bien sûr. Avec Pagello, là. Ouais. Oui, non, tout à fait. Et alors, on parlait d'Ingrid Bergman aussi. Alors, Ingrid Bergman, c'est terrible ce qui lui est arrivé, parce que Roberto Rossellini est devenu fou d'amour pour elle. Il l'a épousée, il lui a fait un enfant, le fameux Robertino. Il l'a fait divorcer. Oui, il l'a fait divorcer. Et quand elle a eu cet enfant, après, il ne l'aimait plus parce que c'était la maman et... Oui, mais c'est normal, c'est logique. Les femmes s'imaginent toujours qu'elles vont être des maîtresses toute la vie. C'est pas vrai, on est maîtresse tant qu'il y a séduction, tant qu'il y a fantasme. Mmh. Après, lorsqu'il y a un enfant, la femme ne fait plus fantasmer. Mais c'est donc... une science exacte, ça? Bien sûr, c'est pas dès qu'un enfant, tu ne fantasmes plus. Mais d'ailleurs, non, mais comment voulez-vous enfants, avoir les mêmes adoptions. Fantasmes quand, votre enfant... quand le gosse est dans la pièce à côté, vous ne pouvez pas faire des galipettes, c'est normal. C'est vrai. Hein, c'est vrai. Mmh. Donc... Bah, chez vous, l'enfant à la pièce, elle va être assez loin quand même. C'est vrai, c'est vrai. Chez eux, il y a 2 changements de métro entre le salon et la chambre. Pour la chambre, tu descends à Châtelet. Non, mais je vais vous dire, monsieur Zolo, c'est pour ça que j'ai tenu Zolo, 40 ans. Zolo, monsieur Zolo. Ça va, monsieur Zolo? Bonjour les petits enfants. Laissez Nadine s'exprimer, Laure. S'il vous plaît, Laure. Nadine. Non, mais c'est pour ça que j'ai tenu 40 ans, sinon j'aurais pas fait 3 jours. Ouais, ouais. Et oui. Mais vous savez que François Hardy et Jacques Dutronc, ils font, vous faites toujours un appartement à part? Oui, bien sûr. C'est bien, moi je fais ça aussi. Oui, Nadine, c'est le comble du luxe, ça.
C'est encore mieux. Et alors, Nadine, vous arrivez finalement au Taj Mahal. Oui. Et là, vous achetez le Kama Sutra. Alors, ça, j'y crois pas. Ah, mais je savais que vous alliez m'en parler. Non, mais j'y crois pas. Vous n'allez pas me dire que vous avez attendu tout ce temps pour acheter le Kama Sutra, Nadine. Je vous donne ma parole. Et là, j'ai réalisé que j'avais tout faux. Ah bon? Mais tout enfin. Faux, enfin. Mais, et qu'est-ce que ça aurait été si vous l'avez tenu 40 ans sans Kama Sutra? Oui. Imaginez. Ben, j'aurais eu toute la famille Rothschild. Enfin, moi, je trouve, je vais vous dire, que toutes ces histoires n'ont rien... Quand on connaît la vôtre, c'est 100 fois mieux, votre histoire à vous, non? C'est vrai que je suis une des rares femmes. D'abord, je devrais être dans le livre des records. Et s'est mariée 40 ans avec un homme comme était mon mari, c'était pas facile tous les jours, vous savez. Nadine à la plage. Arrêtez. Ah oui, il y a les photos de Nadine partout. Ah oui, Nadine partout, c'est non, les albums de Nadine. Non, pas à la plage, s'il vous plaît. Non, mais il y a des photos Nadine de vous. Nadine au sauna. Oui, mais ce qui prouve, Laurent, c'est que j'ai fait ce tour du monde pour écrire ce livre. Bien sûr, c'est vrai. Oui, il y a des photos preuves, ça c'est sûr. Ça c'est certain. Ouais. Je me suis donné beaucoup de mal pour arriver à pondre un livre qui va faire rêver mes lectrices, parce que qu'est-ce qu'elles ont envie d'entendre, c'est parler d'amour. Ouais. Oui, votre épouse. Oui, j'allais dire c'est ça. Oui. Je pense pas qu'elle va l'acheter tout de suite, mais. Pourquoi? Non, mais vous allez lui acheter. Non, je ne pense pas. Pourquoi? Si, tu devrais. Oui, peut-être. Ah, oui, non, c'est la pure médisance. Non, c'est un très bon livre. Vous allez plutôt me le donner, ce qui me. Ah, mais il n'en est même pas question. En plus, c'est très. Tu sais qu'on sait comment ils ont fait fortune, les Rothschild. Oui, mais tu connais l'histoire de Nadine, non? Oui, vous étiez jeune comédienne et vous avez rencontré... Ça commence avant. Nadine est née en banlieue, hein, donc c'est bien avant d'être jeune comédienne. Ouvrière, dans un deux pièces, fallait chercher l'eau dans la cour, tu vois, donc c'était quand même assez... C'était quand même assez dur. Le premier amour de Nadine était chiffonnier, hein. Oui. Il allait vous chercher des fleurs dans les poubelles et vous les apporter. C'est une très belle histoire. À 14 ans, vous vous retrouvez en train de travailler dans une usine de housse de voiture chez Neuboyer. Et même pour faire un peu d'argent de poche le soir quand vous rentrez, vous lavez le marbre de l'escalier de l'immeuble. Je n'en ai pas honte d'ailleurs. Voilà. Non, mais attends, c'est un bonheur. J'avais une montée de Cosette là. Vous ne vous attendiez pas à cela. Hein. Non, c'est pas Les Misérables, attention. Non, c'est pas Les Misérables, mais quand même, il y a un côté Cosette quand vous lavez l'immeuble. C'est très bien sorti. Et alors, donc, vous commencez par rencontrer le peintre Jean-Gabriel Domergue. Pour qui vous devenez modèle. Hein. Ensuite, vous êtes effectivement danseuse, meneuse de revue, comédienne à l'âge de 17 ans. Et là. C'est à partir de là que je sais. Et là, Nadine se dit, j'ai pas le physique de la star, quoi. Je vais pas y arriver comme ça. Et elle se dit, il me reste une solution, c'est vrai. Elle se dit, il reste le mariage. Sauf que le mariage, ça sera un Rothschild, quoi. C'est ça. Mais c'est 10 ans plus tard. Hein, ouais. 10 ans de trac. Voilà. Ouais. Non, pas de trac, mon Dieu, j'étais charmante, j'étais tout à fait agréable pour un homme. Pourquoi est-ce qu'il y aurait été la trac de mon côté? Pas du tout. Ouais. Peut-être que c'était un animal rare dont vous faisiez la chasse. Il faut bien vous dire, quand vous rencontrez une femme, c'est pas elle qui vient vous chercher, c'est vous qui la découvrez. Ouais. Non? Mais d'ailleurs, la première fois qu'il vous a vu, Edmond Rothschild, il vous a dit, vous êtes la femme de ma vie. Absolument. Voilà. Absolument, je ne l'ai pas cru d'ailleurs, mais cela était vrai puisque ça a duré 40 ans. Et il venait de se marier en plus. Un an. Mais il t'a trompé, Nadine. Hein. Pardon? Il t'a trompé, hein. C'était dans des livres. Hein. Mes enfants, je ne sais pas. J'ai toujours, vous savez, connaissez les trois petits singes? Ouais. Ouais. Non, je confonds. Voilà, non, c'est vrai qu'on vous appelait la ruée vers l'or quand même à l'époque. Oui, on m'a toujours dit que j'étais faite pour avoir beaucoup d'argent. Et vous auriez dû le voir effectivement dans vos... Mais j'aimerais vous voir, vous allez me dire si mon passé... Vous prédire le passé, c'est bien. Je crois qu'Elisabeth Tessier sera mieux pour ça. Elle le fait bien, Elisabeth. Je crois qu'Elisabeth Tessier sera mieux pour, qu'il y a une grande pour ce en genre de choses. Donc je continue la légende de Nadine de Rothschild. Donc effectivement, vous rencontrez Edmond Rothschild, mais évidemment, il y a un handicap. Il vient de se marier avec une fille sublime d'ailleurs. Il est l'héritier d'une prestigieuse dynastie financière. Il est juif, pas vous. Ce qui ne simplifie pas du tout les choses. Après, vous êtes converti, mais ça... Moi, je n'ai pas trouvé qu'il y avait des problèmes. Vous savez, Jésus était juif, Marie absolument. Aussi. Absolument. Et Joseph aussi. Alors, je ne vois pas où est le problème. On peut s'arranger à l'amiable. Il y a pas de Et alors là, pendant 3 ans, vous êtes la femme de l'ombre. Hein. Vous êtes dans un appartement à la Muette, quoi. La Muette, d'où le nom. Parce qu'on n'avait pas le droit de parler à l'époque. Vous savez, aujourd'hui, toutes les femmes sont plus ou moins... comment dit-on? Ah, je ne sais pas du tout. Ah, vous n'avez pas, alors, non, mais je ne savais pas où vous voulez en venir. Donc non, je peux vous n'avez jamais été maîtresse. Non, je suis à preuve du contraire. Ou alors dans une autre vie, pas avec encore, un corabane peut-être.
Donc, et voilà, un jour, vous êtes enceinte et le baron vous épouse, voilà. Non, il ne m'a pas... Non, non, attention, ça, c'est pas du tout ça. C'est pas comme ça. Ça. Ah. Il a décidé qu'un jour, nous allions faire un enfant. D'accord, vous avez pris la décision ensemble. Ensemble. Mais comment lui pouvait faire un enfant dans la clandestinité? Vous savez, mais écoutez, aujourd'hui, le 5 à 7, qu'est-ce que vous faites l'après-midi entre 5 et 7? Je baise. Mais... Bon, alors voilà. Et là, voilà, donc finalement, vous rentrez dans la famille Rothschild, vous vous convertissez, tout va bien, vous devenez la baronne de Rothschild, et voilà. Et alors, vous mettez au point vos fameuses théories à ce moment-là, c'est-à-dire l'homme-roi, hein, l'homme quand même roi, l'homme est naturellement infidèle, hein, c'est... Et oui, le mot fidélité est un mot féminin, c'est pas un mot masculin. Voilà. Ça, c'est... Vous pouvez le dire à ma femme en regardant la caméra, là. Je vais lui dire en sortant, vous n'inquiétez pas. Non, la grande théorie de Nadine, c'est que le vrai féminisme, c'est de mener les hommes par le bout du nez, en fait. C'est ça, le vrai bien féminisme. Bien entendu, on a tous les pouvoirs, et c'est mais pour c'est ça Mais c'est un euphémisme, que... c'est pas au nez que tu penses. Il change pas, hein, François, excusez-le. Mais c'est l'histoire. Elle tirait le diable par la queue. Pourquoi la queue Pourquoi le diable, pardon. Ah, vraiment. Justement, Nadine. Ça recoupe des emails, Nadine. Une question qui arrive sans cesse, pourquoi la queue? T'as beaucoup d'emails là-dessus. Pourquoi la queue? C'est marrant. Et les gens demandent tous la même chose. Et à Nadine, pas ni à Françoise, ni à Bruno. Non, ça m'est adressé personnellement. Il y a sûrement une réponse, Nadine. Oh, mais sans aucun doute, j'ai dû la trouver d'ailleurs. Voilà, donc vous devenez une grande spécialiste de la stratégie amoureuse à ce moment-là, Nadine de Rothschild. Les règles de savoir-vivre, les bonnes manières, en fait, etc. La table, le plan de table. Exactement. L'étiquette. Laurent. Absolument. Et on va faire une interview dîner chez les Rothschild. Nadine, est-ce que le retard est tolérable? Je pars du principe que les gens qui arrivent à l'heure ne doivent pas attendre celui qui n'est pas à l'heure. Ouais. Alors je me mets à table avec mes invités et les gens arrivent après. Ah ouais. Et croyez-moi, ils n'arrivent pas deux fois en retard. Ouais. Et vous ne fermez pas la porte quand même, vous les laissez arriver? Je les laisse arriver, ils viennent pour la vaisselle. Quoi. D'accord. Alors, on doit apporter quoi quand on va dîner chez les gens? En général, on envoie des fleurs. Oui. Quand la personne est décédée, mais sinon, quand on vient dîner. Mais quand on a mangé chez moi, ça arrive souvent. Les gens décèdent. D'accord, c'est agréable. Non, sérieux. Non, quand c'est des amis. Quand c'est des amis. Il est long, là. Oui, il est drôle. Non, franchement, il y a des limites. Quand c'est des amis, on apporte quoi, Nadine? Si j'invite monsieur à dîner, effectivement, la veille, il m'envoie des fleurs. La veille. Elles sont parties, là. Je croyais que c'était le lendemain, moi. Non, elles sont déjà parties, moi. Non, je vais vous faire chez Nadine. Mais. Pas que je le fais des asperges. Mais vous avez aussi le lendemain, effectivement, le droit d'envoyer des fleurs. Bien. Alors, faut-il manger de tout? Ah, on est obligé. Ah oui. Même les diabétiques, bravo. Ah ben non, si vous avez un ami diabétique, la maîtresse de maison s'informe avant, ou on sait que non. Belle mentalité. T'appelles tout le monde. Allô, t'es diabétique? Non, c'est bon. Bien. Alors, question très importante. Oui. Est-ce que la télé peut rester allumée pendant le dîner? C'est une émission, comme tout le monde en parle, on a envie de la regarder. Une spéciale qui veut gagner des millions. Question pour un champion. Si je dîne avec vous, peut-être, oui. Ah oui? Oui, en tête à tête. En tête à tête, on pourra laisser la télé. Non, parce que je m'ennuierai peut-être et vous auriez intérêt. Vous n'allez pas vous ennuyer, Nadine, on va mettre XXL. Ah, bah écoutez. Bien. Est-ce qu'on peut faire du pied sous la table, Nadine? Mais comment? C'est même recommandé. Ah. Au fromage aussi. Hein. Ah, au fromage. Oui, on sent des pieds, surtout. Est-ce que la main baladeuse est autorisée? Ah ouais. Ça n'est pas, comment dirais-je... C'est pas interdit. Tout ce qui est un peu hypocrite sous la table, de toute façon, on peut le faire. Ouais. Vous êtes un homme. Mais vous est déjà arrivé de faire du plat à une femme en lui passant la main comme ça. Oula, m'allumez pas, Nadine. Il y en a un qui va se retrouver tout mal la semaine prochaine. Il va même pas comprendre. Vous pouvez mettre un compte chez moi, par contre. Ah! Un compte par rapport à quoi? Dans la banque Rothschild. Mais oui! Un compte chez les Rothschild. Mais oui! C'est vrai que c'est pas idiot. Est-ce qu'on aurait un découvert autorisé, Nadine, chez toi? De combien? Si vous payez en nature, peut-être. Ah. Oula, mais je vais claquer d'autres. Pas mal. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Tu vas leur faire ça? Non, je cherche mon sampler, mais je le trouve pas. Bon. Tu l'as oublié chez toi? Non, celui-là. Non, mais je le mets pas, non. C'est un peu too much, Frédéric. C'était quoi? Bien. Non. Nadine. C'était quoi, sinon? Bon, je te le demande, d'accord. Oh, non, mais c'est une cochonne, grave. Dominer la situation. Ça... Il a dit. C'est... Je t'entends pas! Tu comprends pourquoi je vais pas le mettre? Je le découvre! Ah ouais. Bravo, tu connaissais pas? Non. Bien. Alors Nadine, est-ce qu'on peut saucer avec son pain? Non. Ah, est-ce que saucer, c'est tromper? Alors.
Ah oui, il y a un truc. Est-ce qu'on peut dire tout le temps, Nadine? Par exemple, en société. Non, mais je suis surprise aujourd'hui par la génération des femmes qui vous disent ouais. Ouais, au lieu de dire oui. Bon. Oui. Quand vous dites à un homme qui c'est vous dit. C'est quelque chose d'assez grave. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Si un homme vous demande est-ce que tu m'aimes, elle répond ouais, je t'aime, au lieu de oui, je t'aime. Bien sûr. Ouais. C'est toute la différence. Non, elle ne sait plus se tenir. Et quelle est la personne ne sait plus se tenir, c'est le bordel. C'est pour ça qu'il y a la guerre. C'est pour ça qu'il y a des trucs. Non, mais plus sérieusement, madame. Plus sérieusement, Nadine. Je le pense franchement, sincèrement. Écoute-moi, quelle est la meuf? Ça va partir, je m'écoute. Quelle est la plus grosse gaffe qu'on puisse faire à un dîner chez toi? De ne pas venir. Ah! Ah, ça c'est une belle réponse. Une belle réponse et nous irons. Voilà. Demain, les fleurs sont parties. Hein, j'ai déjà dit. Moi, j'ai commandé une couronne, je me suis. Bernard Kouchner! Bonsoir Bernard. Bonsoir Thierry. Vous êtes l'homme politique préféré des Français, selon un sondage Ipsos Le Point. Alors vous étiez à 64. Plus maintenant. Ah bon? C'est un nouveau sondage qui vient de tomber. Et c'est François Bayrou. Alors ça va lui faire une surprise. Non, c'est je déconne, bien sûr. Il faut que je le règle, hein, c'est nouveau. Non, mais c'est bon, mais c'est branché directement sur l'UDF, c'est pour ça. Il était à 64%, et pendant l'été, vous êtes passé à 67%, c'est un véritable... La canicule. Ouais, c'est un véritable... D'abord, sur les conditions atmosphériques, sûrement. Et puis, deuxièmement, c'est peut-être que ce que je dis n'est pas complètement con. Ouais. Enfin, j'en sais rien, on ne sait jamais. Les gars, les Français apprécient, non? Oui. C'est un plébiscite. 67%, c'est énorme. Oui, ça ne sert à rien, mais enfin, c'est gentil de me le dire. Oui, le problème, c'est que pour être président de la République, il faut avoir une base partisane, et vous êtes plutôt un électron libre. Au PS, vous ne faites pas 67% de partisans, hein? On ne sait jamais, vous savez. Ouais. Le PS est un appareil extrêmement inventif et réactif. On ne sait jamais. Ça peut venir. Pierre Palmade, tu m'entends? Qu'est-ce que tu deviens, Pierre? Écoute, moi je trouve que ça démarre sur les chapeaux de roue, de la musique, de l'humour, c'est tout ce qu'il fallait pour partir. Pierre, est-ce que tu voterais pour Bernard Kouchner, président de la République? Moi j'adore mais qu'est-ce que tu m'emmerdes avec ces questions? On est, j'y comprends rien à la politique. Bon, il ne le fera pas. Ouais, j'adore le médecin. Allonge-toi, frontière. Pierre. Bien, donc au PS, faites pas 67% quand même, Bernard Kouchner, là. Hein. Je ne pense pas. Ouais, ouais. Hélas. Ouais, il y a Hollande qui vous cherche avec un fusil à pompe, vous êtes au courant quand même. Pas du tout, vous êtes son cauchemar. Vous êtes son cauchemar. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Chaque fois qu'il... Ah, bah, si, c'est vous marqué savez là, bien. Le cauchemar. Non. Est-ce que vous croyez une seconde que si c'est marqué, c'est que c'est vrai quand même? Bien sûr que non, c'est pas vrai, mais c'est marqué. Ah, ça, j'aime mieux. Ouais. Quand c'est pas marqué, c'est vrai. Alors, quand Hollande dit « je veux entendre le PS parler d'une seule voix », vous dites « oui, si c'est la mienne ». Non. Quoi, je dis, il a raison, mais c'est pas demain la veille. Ouais. Bien, alors, en tous les cas, non, c'est vrai qu'avec Hollande, ça barde, là, ça mais a non, commencé... Mais non, ça barde attendez, pas. Non, attendez, Bernard, ça a commencé avec les retraites. Vous avez dit que vous étiez d'accord avec le... J'ai dit que quand on avait cherché pendant 5 ans, et même 10 ans, puisque ça a commencé sous le gouvernement Rocard, à réformer les retraites, on n'allait pas se plaindre quand ça se faisait. Il avait qu'à le faire nous-mêmes. Hein. Bon, alors donc j'ai dit quelque chose d'essentiel et en même temps de dérisoire que tout le monde connaît. Je n'ai pas dit que j'étais partisan, comme il l'était, du projet de M. Raffarin. Mais réformer les retraites était une nécessité parce qu'il y a de moins en moins de gens qui travaillent et de plus en plus à la retraite. Alors c'est l'ABC. Bon, voilà. D'accord. Mais on aurait pu faire mieux. Ça surtout si nous l'avions... quand vous dites non, ça. Non, on aurait pu le faire mieux, surtout si nous l'avions fait nous-mêmes. Ouais. Et d'ailleurs, dans le programme de Jospin, s'il avait été élu, eh bien, il y aurait eu la réforme. Il y avait comme proposition la réforme des retraites. Alors, il y a Fillon, déjà, vous êtes un petit peu d'accord avec lui, ça énerve les socialistes. Beauvais, vous dites que c'est du populisme, du poujadisme, de la démagogie, ce qui énerve aussi, évidemment, les gens de gauche. Je ne dis pas ça complètement. Je dis que les réponses sont souvent démagogiques, mais que les questions, la manière de s'indigner et de vouloir changer le monde, mais non seulement familière, mais très sympathique. Ouais. Simplement, quand on voit son attaque contre l'Organisation mondiale du commerce, et qu'on voit qu'hier, il y a eu un succès formidable grâce à l'Organisation mondiale du commerce, parce qu'on va avoir des génériques pour combattre le sida dans le tiers-monde, je dis qu'il s'est trompé. Ouais. Mais ça ne m'empêche pas de le trouver non seulement sympathique quand il pose ses questions, quand il dit, à mon avis, des choses tout à fait antiscientifiques sur les OGM, qui sont là aussi une part de notre avenir. On peut se méfier, il faut faire attention, c'est le syndrome de précaution, tout ce qu'on veut, d'accord. Mais les OGM, c'est un peu comme l'insuline qu'on a faite à partir... Maintenant, l'insuline, c'est à partir des modifications génétiques. Et avant, on n'en avait pas assez. Donc, il ne faut pas dire...
toujours n'importe quoi. Bien. Mais il a des réponses formidables à d'autres questions. Kouchner, président. Kouchner, président. Kouchner, président. Ben, ils sont tous là. Hein. Non, alors on dit quand même Kouchner, c'est Brice Lalonde. C'est méchant, ça. Pour qui non, est-ce, que vous seriez prêt, est-ce que vous seriez prêt à participer à un gouvernement, disons, parapharin? Sauf en cas de danger national, ouais. Bien sûr. Pour une union sacrée, vous êtes disponible? Bah, Brice Lalonde, c'est quand même danger national. Donc, c'est un danger national, Brice, donc vous êtes toujours très gentil. Non, plus sérieusement, Julien Drey a dit, on ne peut pas être à la fois pour les Indiens et pour les cow-boys. Tiens, et ben voilà qu'il mène loin. Ouais. Voilà qui est une pensée politique que j'apprécie hautement. Ouais, ouais. C'est bien, ça résume un tout petit peu tous les problèmes métaphysiques dont nous avons à comprendre l'importance. Oui. Les Indiens et les cow-boys. Bravo, bah, c'est une philosophie qui ne me convient pas. Bien. Est-ce que... Est-ce que vous êtes toujours socialiste? Oui. Comme Tony Blair ou comme Léon Blum? Je ne sais pas, il faut prendre de... Le monde a beaucoup changé. Je crois que le 11 septembre a changé encore plus. Je pense que la mondialisation ne peut pas être un problème rejeté comme forcément hostile et dommageable et qu'il faut, avec l'OMC et le SIDA, par exemple, on vient de le voir, apporter une globalisation positive. J'aime bien le mot social-mondialisme, par exemple. Oui, ouais. Bien sûr, je suis socialiste. Est-ce que vous êtes pour la baisse des impôts de 3%? Écoutez, je pense que ce n'est pas le moment. Et je pense que ça avantage des gens qui n'ont pas besoin d'être avantagés dans un vous premier temps. Vous êtes d'accord avec Bayrou, là? Oui, pas seulement avec Bayrou, je suis d'accord aussi. D'accord. Aussi avec les socialistes. Ouais. Et je pense qu'on ne peut pas à la fois dire qu'on va réformer les urgences, dire qu'on va s'occuper des personnes âgées, en même temps baisser les impôts. Ouais. Alors ça, je ne comprends pas. Et de toute façon, pour ce que ça entraînera d'investissements futurs et de croissance peut-être, je n'y crois pas en ce moment beaucoup. Alors Bernard, vous avez remarqué qu'on n'a pas encore parlé de Christine Ockrent jusque-là. Je vous en remercie. Bon, voilà. Qui est le plus à gauche chez les Kouchner? Moi. Qui dort à gauche de les... Elle. Qui paye le plus d'impôts? Elle. Qui fait les courses? En tout cas, pas elle. Et moi, rarement. Qui couche ailleurs? Moi, j'ai un métier difficile. Qui reste le plus longtemps sous la douche? Moi. Qui se savonne pendant des heures? C'est moi qui la savonne. Je vois pas, franchement, je vois pas pourquoi ils applaudissent à un propos, même pas grivois. Magnéto, rien. Qui prépare le petit déjeuner, Bernard? Moi. Ah. Ah oui, ben oui. Qui est le plus soupolé des deux? Moi. Qui allume la télé pour regarder Tout le monde en parle? Christine. Ah. Qui dit le plus de mal d'Ardisson? Écoute... C'est très partagé. Oui, on les deux te détestent, en gros. Non, mais ça s'additionne et c'est, la somme est nulle. Tu t'en sors bien. Pas mal. J'accueille maintenant Christine Ockrent. Bonsoir Christine, c'est ça trop va chier. Très bien, il y a plein de beaux jeunes gens. Ah, il est pas à mal. À commencer par vous. Vous êtes bien aimable de m'appeler jeune gens, mais lui il est bien, hein, vraiment. Hein. Mais surtout qu'il nous a annoncé qu'il allait se laver les cheveux. Là. Oui. Jamais. Comment ça va? Très bien. Bernard, ça va? Très bien. Vous jouez encore au docteur avec Bernard? Bien sûr. D'accord. Donc Bernard formidable. Est toujours en tête dans les sondages, hein, Christine. Il est numéro un, Bernard Kouchner, toujours. C'est normal. Hein, incroyable. Vous serez peut-être un jour la première dame de France. Elle a déjà les tenues ridicules. Ben voilà. Donc... Oh ben, je vous remercie. Tout le monde ne peut pas avoir un petit pull. Ah, c'est ça, c'est comme un Iron Man, alors c'est la guerre. C'est un chat ou un chien. Bien. Alors on va faire une interview. Première dame de France. Ah bon, je croyais que c'était fini, là. Alors Christine, concentrez-vous, vous êtes peut-être la prochaine première dame The de France. The New Bernadette. Voilà. Merci. Si vous étiez la première dame de France, qui serait la seconde? Ah. Oh, il n'y en aurait pas, ce serait intolérable. Est-ce que ça vous exciterait de coucher avec un président de la République? Je ne dis pas que j'en ai déjà eu l'occasion et que j'ai décliné, mais ça ne m'exciterait pas outre mesure. Est-ce que...
vous n'auriez pas peur que Bernard devienne chauve comme tous les présidents de la République? Écoutez, non, je trouve qu'il maintient là aussi une forme exceptionnelle. C'est vrai. Là aussi. En haut comme en bas, il est bien tout partout. Ça pour dire qu'il joue toujours au docteur. Hein, c'est bien dit. Est-ce qu'on vous verrait faire de la pub à la télé pour votre mari avec des judokas et des pièces jaunes? Vous feriez ça? Des judokas, peut-être pas, parce que comment dire, les formats ne seraient pas très... Ouais. Mais des pièces jaunes, oui, pourquoi pas. Elles sont très utiles, ces pièces jaunes. Vous donneriez votre avis sur la politique du pays? Ah, ben, bien sûr. Ouais. Vous obligeriez votre mari à faire quoi si vous étiez première dame de France? Quelle serait l'amour toutes les semaines, déjà. Premier truc. Non, vous l'obligeriez à quoi, sérieux? Par exemple, la prolongation des soldes. Oui, voilà, des soldes permanents. Voilà, des choses importantes. Est-ce que vous changeriez les rideaux de l'Élysée? Pour les mettre, non. Je ne les ai pas vus de près depuis un certain temps. Oui, c'est vrai. Donc, oui. Non, et puis il faut faire quand même prendre soin de l'argent du contribuable. Ah, c'est bien. Ah, ben, justement, c'était ma prochaine question. Si vous étiez la première dame de France, est-ce que vous payeriez vos voyages en liquide? Ben non, parce que pour les payer en liquide, il faut avoir du liquide. Ouais. Et je ne sais pas comment on a du liquide. Oui. Tu vois, ils sont bien ces gens-là. Oui, ils sont bien. Ouais. Est-ce qu'il faudrait vous appeler madame la présidente? C'est l'usage, je crois. Ouais. Ah oui, d'accord, ça serait plus cri-cri, bien ici, là. Ah, ouais. Ah si, ça dépend des circonstances. C'est fini. Qu'est-ce que vous raconteriez à Madame Bush pendant les dîners officiels, justement? J'éviterais de lui parler de ses filles, qui sont deux jumelles absolument des pestes, que personne n'arrive à tenir. Elles tirent la langue aux photographes. Ah ouais. Oh là, ils ont une propension à picoler etc. Il veut imposer sa vision au monde entier, il n'arrive pas à élever ses filles. Non, les filles sont apparemment très mal élevées. Ah. Et alors la grand-mère, Barbara, qui est bien sous tout rapport, prétend avoir beaucoup ri parce que l'une des petites filles qui a dû monter sur scène à la convention avant-hier a dit « Ah, pour ma grand-mère, Sex in the City », qui est donc la série que tout le monde adore, elle croit que ça ne se fait qu'entre gens mariés et uniquement en ville. Ah, d'accord. Ben, elles sont sympas, les filles. Oui, elles sont sympas. Elles sont mieux que le père. Hein. Merci, madame la présidente. Merci. Tu vagues nude dans les pâturages, tu t'en vas te promener, belle des champs. Voici Evangélie. Evangélie, bonsoir. Et nous, on sent le pétrole. Ça, c'est une belle surprise. Alors, qu'est-ce que tu une belle surprise. Vous connaissez Massimo Gardia? C'est elle que j'ai préférée à la ferme. J'étais amoureux d'elle. Oui. Et un jour, elle m'a dit, je regrette, mais je suis très amoureuse de mon fiancé. Et voilà. Mon cœur est... Mais j'ai essayé de détruire, pendant tous les séjours, j'essayais de détruire son fiancé à ses yeux. J'ai dit, mais il n'est pas bon. Massimo, vous lui avez quand même mis la main au panier. Sans succès, oui, j'étais fou d'amour. Ah ouais. Pas la folie. La folie. Elle a dit que ça ne la choquait pas beaucoup. Elle a dit, c'est comme si mon grand-père m'avait touché le cul. C'est ça que tu as dit, non? C'est pas par rapport à l'âge, c'est plus par rapport à la relation qu'on avait. Moi, j'aimais beaucoup Massimo, je l'aime toujours énormément. Bien, vous faites votre première autobiographie à 24 ans. Ouais. Ça veut dire qu'il y aura une suite ou vous allez mourir bientôt? Oh non, merci. J'ai pas envie de mourir. Non, c'est plus que j'avais vraiment envie de faire ce livre depuis un petit moment parce que, bon, même si j'ai que 24 ans, j'ai vécu quelques déboires dans le métier de la chanson, notamment avec mon ancienne maison de disques. Donc, je voulais faire ce livre, mais c'est vrai que l'affaire m'a permis de le réaliser parce que personne ne me faisait forcément confiance avant sur un livre. Oui, alors ça s'appelle « Ma revanche, mon innocence ». Ça marche. Ça s'appelle comment ?« Ma revanche, mon innocence ». Et c'est publié chez City Édition. Parce que tu ne sais pas, Kat, c'est qu'il y a 16 pages de photos couleurs. Il y a 16 pages dans le livre. C'est génial. Et j'ai que 24 ans, c'est génial. Donc ça se lit vite. En 16 minutes. Et la préface, c'est de Franck Dubosc. Ça s'appelle « Ma revanche, mon innocence ». Alors, la revanche, c'est pour ceux qui se sont moqués de vous à l'époque de la ferme ou pour votre ancienne maison de disques, enfin c'est ça un petit peu? Ben, c'est vrai que c'est un petit peu tout. Dans le livre, je détaille un peu chaque période. Ouais. Il y a eu plein de périodes, il y a eu mon adolescence, là c'est un petit peu plus léger, mais j'ai pris une revanche sur tous mes camarades qui se moquaient de moi, qui disaient que j'étais maigre, que j'arriverais à rien. Plus tard, j'ai pris une revanche sur ma maison de disques avec qui ça s'est pas toujours bien passé, que j'ai dû quitter,
Ça a été très long pour qu'il manque le contrat. Et la ferme, évidemment, où j'ai pris ma revanche parce que personne misait sur moi, pas même moi. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et finalement, je suis allée en finale, première fille. Donc voilà, quoi. Voilà. Alors, ça, c'est la revanche. Alors, l'innocence, c'est à cause des photos à poil dans FHM, c'est ça, non ? Non, ça, c'est pas de l'innocence. C'est plus une envie que j'avais. L'innocence, c'est plus ce qui ressort dans la bouche des gens quand ils parlent de moi. Les lettres que je reçois, on dit qu'est-ce toujours qu'ils aiment mon innocence. Qu'est-ce qui ressort de la bouche des gens ? Mon trait de caractère. Ton trait de caractère. Ce que tu ne sais pas, Jean-Marie, c'est que Ève a été étranglée par son cordon ombilical. Ah, oui, c'est ça. Et que tout s'explique, c'est que son angoisse, sa voix, son anxiété, sa claustrophobie, votre claustrophobie vient de là en fait. Ça vient de cet tremblement primal. J'ai des fois l'impression de m'étouffer, j'aime pas être enfermée. Et je pense, c'est vrai que ça doit. Moi, je pense que la manière dont on est va avoir des conséquences sur la manière dont on vit. Donc, j'y crois. Voilà. Evangélie, vous racontez votre enfance, donc votre volonté d'être un garçon. Parce que c'est vrai, quand vous étiez petite, vous exigiez de votre maman qu'elle vous appelle Simon. Oui. Voilà, donc... On va connaître toutes mes tares, toutes mes petites lubies. C'est dans le bouquin. C'est dans le bouquin, oui. Et puis votre vocation de chanteuse aussi. Dès l'âge de 3 ans. Elle chante a cappella. Ah bon ? Ah oui, je peux chanter a cappella. Elle chante aussi à Melun. Vous chantez quoi à cappella ? Moi j'ai dit c'est où moi ? Bah, toutes les chansons, j'ai chanté à la ferme plein de chansons, du Francis Lalanne. Du Francis Lalanne. Ouais. Le problème du Francis Lalanne, c'est que c'était la chanson préférée de Pascal. Du bonheur, la solitude dîner. Ah j'adore ça, Laura Pausini, j'adore cette chanson. Ah c'est une de mes chansons alors, préférées. Alors allez-y, allez, silence, silence. Allez, nous on fait la ferme, Que ça c'est tout mi penserai. Se con li tuoi non parli mai, se ti nascondi come me, sfuggiri sguardi te ne stai, inchiuso in camera non vuoi, mangiare stringi forti a te, cuscino piange non lo sai, quanto altro mare ti farà la solitudine. Bravo. C'est dédié à moi, Italien. Voilà. Voilà, ça a commencé à l'âge de 3 ans. Evangélie chantait déjà ça à l'âge de 3 ans. C'est assez extraordinaire. Vous racontez votre premier garçon, Johan. Mon premier garçon, mon premier flirt, oui. Ouais. Oui, on peut dire. Mais c'est quoi cette histoire de stylo dans la bouche, là ? J'ai pas bien compris. C'était dans la bouche, ouf. Ça, c'est encore une lubie de gamine, c'est-à-dire que j'appréhendais tellement mon premier rendez-vous amoureux que mes copines m'avaient dit, si tu as le trac, que tu sais pas trop comment faire, entraîne-toi sur un stylo, c'est la même chose. Ah, j'avais pas compris. Pour la bouche, tu veux dire. C'était la grandette, c'était pas la pour embrasser, s'il fallait mettre la langue et je savais pas comment on faisait à 12 ans. Donc, je suis entraînée avec le stylo, voilà. Pour la choupinette ? Ah ben ça, c'est venu plus tard. Hein. C'est mieux, tu t'es entraînée avec quoi ? À 17 ans. Ah non, je n'ai pas eu besoin de m'entraîner, il n'y avait pas besoin de mode d'emploi, là. Donc, la première fois que vous embrassez un garçon, c'était à l'âge de 12 ans. Et la première fois que vous faites l'amour, c'est 6 ans plus tard. C'est très, très lent. À 17 ans et demi, ouais. Ben voilà, avec Michel. Avec Michel. Et vous n'avez jamais trompé Michel ? Jamais. Donc vous n'avez fait l'amour qu'avec un seul garçon dans votre vie ? Un seul homme, oui. C'est vrai, ça ? Bah oui, c'est vrai. C'est vrai, ça. C'est vrai, ce truc-là. J'avais 17 ans et demi, je voulais attendre le bon moment, parce que je suis comme ça, je suis très perfectionniste, donc je voulais pas que ça se passe avec n'importe qui, et ça s'est fait avec l'homme avec qui je suis depuis 7 ans, et j'espère que ça sera le dernier. Lui, en fait, il aimait pas tellement les femmes jeunes, ouais. Et pour le séduire, vous êtes déguisé en Vincent McDoom, pratiquement. C'est ce que je dis, oui, c'est vrai que j'avais mis des talons, j'avais essayé de me rendre plus femme, parce qu'en fait, c'est pas qu'il aimait pas les femmes jeunes, c'est qu'il était sorti avec une femme jeune, et c'était la seule femme qu'il avait vraiment aimée avant moi. Ça a duré 8 ans entre eux et ça s'est fini parce que c'était son premier homme à elle aussi et qu'elle a voulu aller voir ailleurs au bout de 8 ans. Bon, moi, ça fait 7 ans, j'espère que je n'ai pas suivi la règle. Mais du coup, il s'est dit plus jamais ça parce qu'il a énormément souffert. On espère. D'accord. Voilà. Ah, non, avec ça, ça risque pas. Elle raconte cette histoire. Ça a mis du temps quand même, hein, avant que ça marche. Il avait vraiment, il me voyait comme une gamine, quoi. J'avais 17 ans et demi. Au départ, j'étais en basket, je me maquillais à peine. Bien. Donc vous racontez. Bien. Alors, vous racontez vos galères aussi pour trouver une maison de 10. Vous finissez par en trouver une. Et vous dites cette chose terrible en parlant de votre ancienne maison de 10. Vous dites, c'est le même fonctionnement que les macs et les prostituées.
Vous savez que sorti comme ça, ça paraît gore, mais... Vous aviez l'impression d'être sur le trottoir, vraiment ? Disons de plus faire exactement ce que je voulais, c'est plus dans ce sens-là. J'ai l'impression que j'étais tenue par une laisse. Voilà. Et dans votre livre, alors vous racontez la ferme, donc Massimo Gardia, qui vous met la main au cul, mais joyeusement. Alors, tout le monde était méchant contre elle. C'est vrai. Les gens la détestaient, tout le monde la détestait. N'aimait pas. Moi, je l'ai toujours protégée au début. C'est pour ça que j'aimais beaucoup Massimo, c'est qu'elle chantait, qu'il ne me jugeait pas, contrairement à tous les autres, qui me portait un jugement, mais ça, j'ai toujours ressenti. Alors, on parlait de Céline Balitran. C'est qui Céline Balitran ? Alors, Céline Balitran, alors je t'explique. Céline Balitran, c'est la gonzesse de George Clooney. C'est l'ex de George Clooney. C'est son métier. Ouais. C'est une des rares. C'est son statut. Il y a un CAP, maintenant d'ex-George Clooney qui va partir de la sécurité sociale. Vous dites, en parlant de Céline Balitran, son joli sourire cache la mâchoire d'un requin, et elle vous trouve bête, faut dire la vérité, elle l'a dit suffisamment, elle dit que vous n'avez pas inventé l'eau chaude. C'est ce que j'ai pas aimé en fait, c'est que c'était tout dans le dos, devant moi elle était assez neutre, bon elle m'a jamais manifesté d'amour, loin de là, mais elle était neutre, et par derrière c'était vraiment des trucs pour me faire passer pour la nunuche, que beaucoup de gens ont cru au départ malheureusement que j'étais. Pas moi. Ah. Et tu as connu la moitié, parce que moi je sais qu'est-ce qu'il disait. Et encore, oui, j'ai pas tout su, ça c'est évident, mais les murs étaient fins, donc on trouvait pas mal de choses. Mais qui a volé l'orange Qui a inventé l'orange? Alors, elle parle aussi dans son bouquin de Maxime. Tu connais Maxime? Ah bah toi, tu rentres pas. Tu rentres pas. Moi, je rentre, moi. Toi, t'as les baskets, tu rentres pas. Ah oui, d'accord, c'est Maxime. C'était les playboys à la fête. Alors, vous dites, c'est le genre de mec qui fait horreur aux femmes, Maxime. Ça, je parle en mon nom, peut-être qu'il plaît à certaines, mais en mon nom, pour moi, c'est le mec qui fait horreur aux femmes parce qu'il est vulgaire, il respecte pas les femmes. Maintenant, dans le show business, il vous cause meilleur maintenant que vous avez fait la ferme et tout ça, non? Disons que je me rends pas trop compte parce que je traîne pas vraiment à Paris puisque j'habite en province. Je croise des gens qui sont sur les plateaux télé, mais c'est pas pareil que si je les connaissais mieux. Donc je sais pas du tout ce qu'on pense de moi dans le métier, mais bon, comme je sais que c'est un coup comme ça, un coup comme ça, un coup on vous adore, un coup on vous déteste, je m'en fous. Alors dans le livre, il y a un truc qui est très marrant, c'est vos phrases cultes relevées par Emmanuel de Brande sous le nom d'évangélisme. Ah, comme les bouchismes. Comme les bouchismes, exactement, oui. Alors ça s'appelle « J'ai dit, j'ai pas dit ». Alors vous allez me dire si vous l'avez dit ou pas. D'accord. Quelqu'un a essayé de traire la poule ou pas? Non, ça c'est pas moi qui l'ai dit. Non. Il y a un con c'est qui une l'a dit. Truie, c'est une truie, c'est une pondeuse, quoi. Ah, ça je l'ai dit. Parce qu'en fait, je veux dire qu'elle faisait beaucoup de bébés, c'est tout. On est un peu dans le trou du cul du monde, mais j'aime ça. Ça c'est moi, oui, on est un peu dans le trou du cul du monde, mais j'aime ça. Ah, c'est bien. Je ne disais pas avec second degré. Bien. Je vais la ressortir celle-là, moi. Demain soir, j'ai un dîner. Je vous écrirai au spectacle si vous voulez. Des fois, autant pisser dans un tonneau. Oui, c'est moi ça. Je préfère être vivante et en bonne santé que vivante et malade. Ça aurait pu être moi, mais c'est pas moi. Désolée. Je ne sais pas pourquoi. J'ai le cerveau monté à l'envers des fois. Ça, c'est moi. Ah, c'est beau, ça. Ça a bien été repris, ouais. J'ai une amie qui est décédée, mais pas de son plein gré. Ça, c'est elle. Alors ça, c'est la phrase, j'aimerais revoir le montage global un jour dans ma vie, parce que je comprends pas comment j'ai pu dire cette connerie. Elle est bien. Fait. J'en ai une, là. Ne pas avoir de micro ne te protège pas d'être filmé. Alors ça, apparemment, je l'ai dit, mais pareil, je devais être dans un état second. Ton correspondant, voilà. C'est Jean-Claude Van Damme, non? Vous comprenez des blagues. Moi, je sais pas. Hein? C'est ça. Blonde, on me soupçonne plus bête que si j'étais brune. Ça, c'est vrai. Ça m'agace. Ça, c'est vrai. On dirait que la barque, elle flotte. Ça, c'est moi aussi. Elle est bien. Génial. On a dit qu'elle flottait dans les airs, en fait. Tellement l'eau était transparente. C'est très, très drôle. Non, mais, il y en a des centaines. Elles sont dans mon livre, donc. Il y en a des centaines. Elles sont dans le bouquin. Attends. Dans le bouquin. Oui, j'ai écrit des spectacles de M. Bigard. Non, c'est pas vrai. C'est des brèves de comptoir. Ouais, exactement. Oh, c'est quoi cette grosse chose dans ton pantalon? J'aurais pu le dire, non, mais c'est pas moi. C'est sûr? Je serais certaine. Ouais. Pépin, qu'est-ce que tu fais chez les vaches? Tu n'es pas une vache? Ça, c'est moi. Je reconnais mon style. Ah, il y en a une autre qui est énorme. Un ami. On touche le fond, les gars. On y est. Ah non, c'est exceptionnel. Surtout hors contexte, c'est encore mieux. Il y en a une autre, là. Dis-toi que le ciel est en bas et que nous, on est au-dessus. Ça, c'est moi. Elle est belle, celle-là.
C'est génial parce qu'on ne veut rien dire. Mais si, dis-toi que le ciel est en bas et que nous, on est au-dessus. Oui, oui, non, mais je suis d'accord. C'est formidable, là, on apprécie. Non, mais c'est pas un reproche. Ce n'est pas un reproche. C'est qui disait des phrases un peu comme ça, qui parlait comme ça, Marilyn Monroe. Oui. Non, mais il faut lui dire un truc. Je ne ronfle pas, je me réveillerai moi-même. Ça, c'est moi. Parce que je me suis toujours demandé, les gens qui ronflent, comment ils font pour arriver à dormir? Quand tu ronfles fort. Ils sifflent, ils sifflent. Il le met. Ouais, c'est ça. Et là, on s'entend encore. Moi, j'ai dit ça à un copain. Il dit, t'as ronflé cette nuit. Moi, j'ai dit à un copain, t'as ronflé cette nuit. Il me dit, je sais pas, je dormais. Voilà. On se demande comment ils arrivent à dormir avec le bruit qu'ils font, quoi. La vie, c'est court. Et pourtant, une heure avec toi, c'est long. Ah non, c'est pas normal. C'est normal. C'est très beau, mais c'est trop poétique. Non, c'est pas beau, c'est pas forcément flatteur. Je vais me laver les dents parce que j'ai trop faim. Ouais. Au moins, ça m'évitera de manger. Ça, c'est moi aussi. Oui, parce c'est que... Génial, c'est énorme. Le fumier fume. Oui, ça, c'est moi. D'avoir côtoyé des cacas si longtemps, ça m'a donné des idées. C'est moi. Alors, quelles idées, c'est ça? Aller aux toilettes, en faire moi-même. Calme. Elle est géniale parce qu'elle dit, c'est moi. La femelle du mouton, c'est la brebis, hein, parce qu'ils se ressemblent quand même. Hein. Oui, c'est vrai. C'est moi aussi. Ouais, c'est du Pierre Dac, quoi. C'est du Pierre Dac. C'est-à-dire, un chapeau, c'est bien, mais des chaussures, c'est mieux pour marcher. Voilà. Bien, Camille. Et la dernière, mon rôle, ça va être de réfléchir à voix basse dans ma tête. Oui. Parce que le problème, c'est que je parle trop sans réfléchir. Enfin, ah oui, je parle ça, sans réfléchir, dans le sens où je dis tout ce que je pense. Et on dirait que ça ne se fait pas le tri, tout sort. Et c'est pour ça que des fois, j'ai des grosses boulettes. C'est des pensées immédiates et tout, mais c'est vachement bien. En même temps, il y a des choses intéressantes. Je suis spontanée, très ouais. Intéressant. Hein, Jean-Marie ? Merci. Je suis subjugué. Voici Guillaume Depardieu. Ça va ? Ça va. Alors, Guillaume Depardieu, acteur de cinéma, Tous les matins du monde, Cible émouvante, Bambi. Les apprentis, César du meilleur espoir, Paula X, Marthe, Podange, Aime ton père. Donc régulièrement à l'affiche au cinéma, mais aussi souvent Guillaume Depardieu à la une des médias. Prison ferme pour revendre d'héroïne en 1993, accident de moto en 1995, amputation de la jambe en 2003, puis altercation à Trouville. Avec un pistolet à grenaille, 9 mois avec sursis, 5000 euros d'amende. Enfin voilà, donc vous êtes un garçon à la fois qu'on retrouve sur les affiches débordé. Des films et à la une des médias. Et c'est pas fini puisque vous publiez chez Plon un livre d'entretien réalisé avec Marc-Olivier Fogiel. Ton ami. Mon ami. Donc un livre qui va faire grand bruit et qui s'appelle Tout donner. Alors le livre commence à votre naissance, vous dites je ne suis pas né normal. Ouais. Ma mère a pris un médicament, le Distilbène. Qui a été ensuite interdit à cause de ses effets secondaires. Il y a eu 300 cas de jeunes filles qui sont nées stériles. Et vous, vous avez eu des malformations corporelles, dites-vous, des os en plus. Oui, des trucs comme ça, ouais, des os en plus, un cerveau en moins, sexe bizarre. Ouais. Voilà, alors vous parlez aussi de vos rapports avec votre père. Vous dites les rapports avec mon père ne sont pas normaux non plus. Il travaillait tout le temps, je ne le voyais jamais. Il n'était pas compatissant de ce que vous viviez à l'école. C'est-à-dire qu'à l'école, on vous emmerdait à cause des valseuses, à cause d'un certain nombre de films que votre père avait fait. Et en fait, jamais il vous a dit « c'est pas grave, laisse tomber Guillaume, c'est des connards ». Il n'était pas compatissant. Non, mais c'est même pas ça, d'être compatissant ou pas. C'était, je sais pas, moi, je savais pas comment réagir vis-à-vis de ça. Donc, généralement, bon, ça donnait des soucis, quoi. Je me battais tout le temps, quoi. Vous dites « mon père, il m'a eu trop tôt ». Vous pensez que c'est ça le problème ? Oui, c'est lui qui le dit, ça. Hein. Oui, c'est lui qui le dit. Ouais. Mais je confirme. Oui. Gérard Depardieu, en plus, il ne peut pas trop vous aider parce qu'il n'est pas beaucoup allé à l'école non plus, donc... Oui, c'est assez... Ouais, mais c'est touchant, là. Ouais. Et alors, vers 13-14 ans, vous commencez à plus rien foutre. Vous commencez à fumer du shit, à sniffer de la colle, donc c'est quand même assez jeune. Ouais, vous trouvez ? Vous dites j'étais devenu quasiment autiste. Ouais, parce que j'aimais pas du tout le monde qui m'entourait. Je trouvais ça un peu ennuyeux. Et donc, bon, je me réfugiais surtout dans la musique. Vous écoutiez quoi ?
de tout, mais beaucoup de punk. Ouais. Ouais. Ouais, c'était l'époque. Mmh. C'était avant le hip-hop. Ouais. Et la nuit, vous preniez le dernier train pour Paris, vous allez à Paris, vous marchiez dans les rues pendant toute la nuit, le matin, vous preniez le premier train pour rentrer à Bougival. Vous faisiez quoi la nuit ? Je déambulais un peu dans Paris, quoi. J'apprenais, je m'inventais des identités, j'allais dans les bars, j'étais soit fils de notaire, soit fils de militaire, soit des trucs bizarres, enfin des trucs comme ça, mais à chaque fois j'avais le privilège de l'anonymat, donc c'est comme ça en fait que je me suis... D'abord j'ai compris qu'on pouvait, avec un peu de persuasion, et embobiner tout le monde, donc ouais. C'était assez intéressant, et puis ça m'a permis de découvrir plein d'univers différents. Vous disiez jamais que vous étiez le fils de Gérard Depardieu ? Non, jamais. Jamais. Ben non, sinon c'était pas drôle. Ouais. Alors à l'époque, vous avez besoin d'argent. Mm-hmm. Il vous donne pas d'argent, votre père ? Non. Non, vous êtes gigolo. Gigolo. Ouais, c'est le gros raccourci, là. Non, j'étais... c'est pas pour... pas que pour l'argent, c'est pour la, ouais, pour la curiosité aussi. Bien sûr. Ouais. Ouais. Donc vous êtes gigolo pour femmes, pour hommes. Ouais. Vous commencez avec des femmes mûres, vous aimez bien les femmes mûres. Ouais. Ouais. Donc là, c'était pas tellement pénible. Non, c'était plutôt... oui, c'est bien ce que je dis, c'était gigolo de luxe, quoi. Vraiment, ouais. J'avais le choix... Vous choisissez les clients. Ouais. Ouais, c'est toujours plus agréable. Ouais. Et puis avec des mecs aussi. Ouais, c'est arrivé, ouais. Vous racontez le premier mec. Le premier ? Ouais. 14 ans. Ouais. Mais c'est pas passé grand-chose la première fois. Non, juste préliminaire. Ouais. Et après, c'était plus sérieux ? C'est arrivé, ouais. Ouais. Et puis vers 18 ans, vous commencez à mettre le nez dans la poudre, ça va durer 6 ans. Vous dites, j'ai perdu 6 ans de ma vie là-dedans. Ouais, mais je le pense, ouais. Ça vous a rien apporté du tout. Si, mais ça m'a apporté justement, mais rétrospectivement, parce que je m'en suis sorti, mais parce que je suis costaud quand même. Ouais. Bon, mais moi j'en connais, tous mes potes de l'époque, ils s'en sont pas sortis, ils sont soit devenus fous, soit ils sont morts. Alors vous essayez tout, hein. Vous essayez non seulement l'héroïne, mais aussi l'héroïne mélangée avec la cocaïne, ce qu'on appelle le speedball. Le speedball. Ensuite, vous avez pris du crack. Mm-hmm. Vous n'aviez pas peur de vous niquer le cerveau ? Non, mais j'ai lu quelque part qu'on utilisait de toute façon juste un dixième de nos neurones dans toute une existence. Parfois moins. Et donc, bon... Non, mais j'avais pas une approche très quantitative des choses, c'était plutôt... C'est plutôt, fallait tout essayer, quoi. Ouais. Et puis un jour, en revenant de Hollande, vous faites serrer, vous finissez donc évidemment en prison. Vous en avez voulu à votre père d'avoir essayé d'intervenir auprès de Nicolas Bazire et de Balladur. Ouais. Vous auriez préféré finalement qu'il vous laisse là pour en chier un peu. J'aurais préféré qu'il soit pas là du tout, quoi. Ouais. Qu'il vienne pas en plus me discréditer. Moi, je voulais faire ma peine jusqu'au bout et il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Je veux dire, moi, je fais ma peine, même si j'estime que j'ai rien à foutre là-dedans. Justement, c'est motivant. C'est très motivant, ouais. Vous êtes arrêté 6 ans plus tard. Vous êtes arrêté comment ? Tout seul. Sans rien ? Non. Sans méthadone, sans... Non. Comme ça ? Ouais. Solide. Dur. Voilà, et puis ensuite, vous racontez dans le bouquin votre amputation suite à cette maladie nosocomiale. On vous propose soit d'avoir la jambe raide toute votre vie, soit de vous faire amputer. Ça fait un bon petit parallèle. Tu vois, les mecs qui sont malades, on les fout en tôle, et les mecs qui vont à l'hosto, hôpitaux, on les ampute, quoi. Ouais. Ouais. J'ai testé pour vous, ouais. Alors, votre père vous appelle, donc, après cette amputation, il vous appelle à l'hôpital, il vous dit « ça va comment ?» Vous dites « ça va très bien », une espèce de... Le sarcasme comme ça. Ça va très bien. J'ai fait un drôle de rêve, papa. J'étais entouré de filles toutes nues qui me suçaient le moignon. Ouais, j'ai vu tout de suite. Il est violent quand même. Hein. Il avait des limites au sens de l'humour. Vous dites, mon père, je l'aime et je le déteste pour les mêmes raisons, son impuissance. Non, mais c'est toujours pareil. De toute façon, les gens, on les aime quand on les aime vraiment. C'est on les aime aussi pour leurs défauts. Ben ouais. Il n'a pas été assez dur avec vous, vous pensez ? Franchement, ouais. Non, non, mais c'est une manière qui est autrement plus dure aussi de dire à quelqu'un, bah, démerde-toi, tu vas voir, à la dure, quoi. Moi, je trouve que ça m'a amené vers une liberté qui est vraie, c'est vrai. C'est vrai, ça, je dois le concéder. Je trouve que c'est intéressant de dire à quelqu'un, démerde-toi, de toute façon, tu vas bien être obligé un jour de te démerder. Donc, mais c'était peut-être un peu tôt, je pense. Vous découvrez même qu'il a une fille avec Karine Silla, votre demi-sœur. Il n'a pas osé vous en parler, vous l'apprenez le... Non, je l'ai appris le jour de sa naissance. Ouais. Parce que Karine Silla a appelé votre père devant vous. Ouais, pour dire que tout s'était bien passé, ouais.
Mais vous apprenez sa vie privée par la presse, en fait. Oui, bah, aujourd'hui aussi, d'ailleurs. Alors, vous parlez de votre mère aussi, Elisabeth Depardieu. Vous dites qu'ils sont en instance de divorce depuis 14 ans, parce qu'il ne veut pas lâcher sur le plan pognon, quoi, en gros. Oui, mais bon... Mais quel est le problème? Il est milliardaire, votre père, non? Franchement, c'est assez opaque, hein. Ouais. Non, je sais pas, parce que vous dites, quand j'étais petit, il ne me donnait pas d'argent. Ma mère, il ne veut pas divorcer parce qu'il ne veut pas lâcher de pognon. Non, mais quand j'étais petit, c'était plutôt d'argent. Un principe d'éducation de ma mère. Ouais. Et je trouve ça très bien, d'ailleurs. C'est-à-dire que moi, je n'avais pas plus d'argent que mon meilleur ami. Et bon, comme c'était une famille nombreuse, quatre enfants, c'est un milieu, bon... Ouais. Pauvre, hein. Donc moi, je trouvais ça très bien. Mais non, mais... Mon père, il n'est pas du tout pas généreux, c'est pas vrai, faut pas qu'on croie ça non plus. C'est quelqu'un qui a du mal à filer une pièce, par contre, il peut te filer une brique, si tu veux. Ouais. Alors, quand votre père a lu le bouquin, il vous a dit que certains passages n'étaient pas bien, qu'ils étaient un non, peu... Non, mais parce qu'il ne l'avait pas lu. Je le connais comment il lit. C'est comme quand il dit « je lis des scénarios ». Ouais. Non, non, bon, il avait feuilleté trois trucs. S'il voit un dialogue intéressant, il le prend. S'il voit un truc, et après il le lit. Mais bon, là, il avait juste parcouru trois feuillets, il a dit « oui, Francis ». Il m'appelait juste pour me dire qu'il trouvait ça impudique. Ouais. Et vous lui avez dit que vous le trouviez indécent. Ouais. Il l'a lu maintenant ? Je pense. Vous n'avez pas une nouvelle ? Non. Il vous répond dans Gala, vous l'avez lu ? Ah bah oui, j'ai eu des nouvelles par Gala, oui. C'est terrible ce qu'il dit, parce qu'en fait, il dit bah, « si ça l'aide d'écrire ce bouquin, tant mieux pour lui ». C'est ça que vous attendez comme attitude ou vous avez... Oui, attendu quelque chose de plus violent. Franchement, je m'en fous. Ouais. Ouais. Ça ne m'empêche pas de dormir, c'est pas ça qui me fait lever le matin. Quoi. Ouais. Maintenant que vous avez fait ce bouquin, vous vous sentez libéré de quelque chose? Ouais, je sens... En tout cas, on ne me posera plus les mêmes questions à chaque fois que je viendrai faire la promo pour un truc que j'ai fait, que j'estime qui est bien et qui mérite plus largement de l'attention plutôt que sur ma famille ou quoi que ce soit. Ouais. Comme ça, là, je l'ai fait aussi pour ça, quoi. J'ai trouvé bien mon intérêt là-dedans. Qu'on me fasse plus chier avec ma famille. Quoi. Julie Depardieu et Yann Moix. Julie Depardieu, Yann Moix, bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Vous êtes rencontrés dans un bar en 1996, tous les deux. Ouais. Et il vous a dit, je suis sûr qu'on travaillera ensemble. Oui, bon alors, moi J'ai rigolé, hein. Je me suis dit... Vraiment. Je ne savais pas qu'elle était Julie Depardieu, hein. Ouais. C'était une blonde que je draguais. Alors, vous avez dit, j'ai aucune admiration pour les gens qui réussissent. Je trouve au contraire beaucoup plus émouvant ceux qui ratent. Ouais. Oui, enfin, j'aime bien les gens qui réussissent, mais ça ne me fait rien. La réussite est la forme la plus subtile de l'échec. Ouais. Oula. Ouais, ça, c'est deuxième carte, ma fille. Je vais la noter parce que... C'est pour ça qu'ils sont copains, si tu veux, oui. Et vous dites, Julie, je me fous de plaire, l'enjeu, c'est de pas trop me détester. Oui, enfin, c'est pas plaire au plus grand nombre, en tout cas. Ouais, ouais. C'est plaire à une petite poignée à qui on a envie de plaire. Ouais. Voilà. Alors, vous voulez pas spécialement être une star, hein, vous non, dites non. Mon ambition, non, mais c'est... ça va, pour l'instant, ça va. Hein. Ça va très bien, là. Ouais, ouais. Mon ambition, c'est d'avoir des poules. Oui, j'en aurai trois. Je sais déjà les prénoms, je sais tout. Elles seront rousses. Et non, c'est mon projet, voilà, c'est avril. Pas d'enfants, vous voulez pas d'enfants? Bon, pas là, enfin là, non. Non. Ouais. Après? Peut-être, oui. Peut-être. Mais enfin, les poules, ça sera la transition. Vous dites que vous trouvez ridicule les actrices qui disent dans Paris Match ou dans Gala « Depuis que j'ai un enfant, je vis un rêve ». Oui, mais j'essaierai. Franchement, si ça m'arrive, je me suis fait un pari, donc c'est un pari idiot. Ouais. Je me suis dit, vraiment, si je le dis, là, je me filerai un gros gage. Je ne veux pas le dire, ça. Ouais. Parce que c'est une évidence, on le sait. Ouais. Donc, à quoi bon le dire? Et je trouve ça ridicule de... Moi, en tout cas, je ne le dirai pas. Ouais. Même si c'est vrai, je pas dans Paris Match, en tout cas. Voilà. Non, je ne le dirai pas, non. Ouais. Même si c'est vrai, même si ça m'arrache la gueule, je ne le dirai jamais. Alors, contrairement à votre père et à votre frère, vous défiez très très peu la chronique. Ah oui, non, ça vous êtes d'une calmitude absolument exemplaire. Non, mais c'est surtout que j'ai rien à dire. Enfin, pas au plus grand nombre, en tout cas. Ouais, ouais. On va essayer quand même, on va faire une interview. Allez. Quand on s'appelle Depardieu. Quand on s'appelle Depardieu, est-ce qu'on fait des pattes chaque fois qu'on tombe de vélo? Non. Non. Moi, si je faisais une pub, je ferais pour le ménage. Ouais. Parce que le seul truc en lequel je crois, c'est les produits ménagers, je pense. Ouais. Quand on s'appelle Depardieu, est-ce qu'on tient bien l'alcool? Ouais. Ouais. C'est de famille. Ouais. Est-ce qu'on fait son vin soi-même? Non. Moi, je... Non. Est-ce que quand on s'appelle Depardieu, on investit son argent un peu n'importe comment? Non, mais non. Pas quand on n'en a pas. Ouais. Est-ce qu'on a plus facilement des tables au restaurant? Non, parce qu'on ne dit pas son nom. Ouais.
On a plus facilement des restaurants. Peut-être. Est-ce qu'on a forcément un drôle de rire quand on s'appelle Depardieu ? Non, regardez, le mien est très correct. C'est vrai. Oui. Est-ce que quand on s'appelle Depardieu, on a parfois envie de porter un autre nom ? Oh oui. Oui, mais là, c'est un peu tard, là, maintenant. J'aurais dû le faire à 12 ans, comme on m'avait proposé. Ah oui ? Qui avait proposé ça ? Bah, mon père. J'accueille Philippe Gilbert. Bonsoir, Philippe Gilbert, vous êtes informaticien, vous vivez à Lussac-Saint-Émilion en Gironde, mais depuis de nombreuses années, vous passez plusieurs semaines par an au Sri Lanka, où vous étiez le jour du tsunami. Alors le 26 décembre 2004, vous êtes donc dans le sud de l'île de Ceylan, dans un bungalow que vous avez fait construire dans un village de pêcheurs près de Tangaul. Vous y vivez 4 mois par an. Vous êtes amoureux de Ceylan, vous êtes tombé amoureux de Ceylan. Vous avez des amis sri-lankais, notamment MH, parce qu'ils préfèrent qu'on l'appelle comme ça, et Kamina, sa femme. Ils ont une petite fille, Osandi, qui a 7 ans, qui joue avec votre petite fille, Juliette, qui a 4 ans. Voilà. En effet, Delphine, votre fille, et Jérôme, votre gendre, sont venus passer des vacances à Ceylan. Ce matin-là, votre gendre vous propose d'aller pêcher, mais avant, il va faire le marché à Tangaul avec votre fille. Il est 9h, vous surveillez les deux fillettes, elles dessinent. Et là, une touriste qui loue une chambre chez MH, votre voisin sri-lankais, est surprise par une vague que vous qualifiez de téméraire dans votre livre et se réfugie dans le jardin et vous l'aidez. À ce moment-là, vous avez le sentiment qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire ou vous trouvez ça presque naturel? Non, à ce moment-là, je trouve ça tout à fait naturel. Je suis habitué à voir la vague de temps en temps venir lécher le bord du bungalow. Donc ouais. Non, je ne suis pas du tout surpris. Pas surpris. Alors, l'eau passe la clôture du petit jardinet. Vous ne réagissez pas plus à ce moment-là. Vous rentrez dans votre bungalow pour ne pas être mouillé. Et là, le flot d'eau s'engouffre dans la pièce en fracassant tout sur son passage. Hein. C'est-à-dire que là, la porte d'entrée vole en éclats. Quoi. Là, vous comprenez qu'il se passe quelque chose de... Oui, là, à ce moment-là, je prends conscience, même si je n'ai pas conscience totale de ce qui va réellement se passer quelques secondes après, là, je commence à comprendre que ça n'est pas normal, en fait. Ouais. Voilà. Vous comprenez qu'il se passe quelque chose. Il y a un deuxième flot qui est torrentiel, dites-vous. Vous avez de l'eau jusqu'au cou et vous sortez du bungalow où vous êtes réfugié. Et dehors, la vision est absolument terrifiante. Il y a une vague monstrueuse. Et vous avez cette image, vous dites, j'ai l'impression d'être comme un Égyptien dans le film Les Dix Commandements, au moment où la mer Rouge se referme. Quoi. C'est-à-dire que vous êtes submergé par la masse d'eau. C'est ça. Et ma première pensée, ça a été, tu vas pas souffrir. Ouais. Ouais. Quand vous voyez un truc comme ça. Là, vous pensez que vous allez mourir à ce moment-là? Ah oui, j'en suis tout à fait persuadé. Je suis simplement rassuré à l'idée que ça va aller très vite et que je ne souffrirai pas. Hein. Ouais. Donc, c'est, pour moi, là, je suis mort. Hein. Heureusement, voilà, vous êtes transporté à 30 mètres de chez vous. Heureusement, vous accrochez à un cocotier. Et là, vous le prenez comme ça, quoi, comme une espèce de bouée de sauvetage. C'est le cas de le dire. Et vous laissez passer la vague et vous parvenez à continuer à respirer, donc à survivre. Tout ça se passe très très vite, hein. Vraiment très très vite. Et après, une fois que vous êtes accroché, c'est interminable. Ouais. Hein, alors faut que ça cesse. Ouais. Et puis ça cesse. Voilà. Et vos enfants étaient en sécurité, là ? La chance de ma fille et de mon gendre, c'est qu'ils étaient partis au marché ce jour-là. À une heure tout à fait inhabituelle. Hein. D'habitude, ils partent au marché beaucoup plus tard que ça. Là, ils sont partis. Et d'habitude, ils emmènent Juliette avec eux. Et là, je leur dis, vu l'heure, laissez Juliette, elle est avec Osandi, tranquille, laissez, je vais les garder. Quoi. Vous demandez donc où sont Osandi, la fille de vos amis sri-lankais et Juliette. Oui, il faut savoir que là, vu le spectacle auquel j'ai assisté, je n'ai pas le moindre doute sur le fait que Juliette et Osandi soient mortes. Hein. Elles ne peuvent pas avoir... Je vois la chambre où elles étaient. Je vois qu'il y a un bateau dedans. Donc, je n'ai plus de doute là-dessus. Alors, vous vivez depuis avec une espèce de culpabilité. Vous vous dites, évidemment, j'aurais pu la sauver. Alors, il y a une chose qu'on ne comprend pas bien dans le livre.
quand la vague arrive, est-ce qu'elle est sur la terrasse de votre bungalow, sur la terrasse du bungalow de votre voisin MH, ou est-ce qu'elle est dans une pièce de la maison de votre voisin MH? Elle est une dizaine de mètres derrière moi, même pas, enfin admettons une dizaine de mètres derrière moi, dans une chambre d'hôte, quoi, si vous voulez. Ouais. Elle joue avec sa petite copine au samedi, il y a 10 mètres. Ouais. 10 mètres. Vous l'aviez sous les yeux à ce moment-là? J'avais aucune raison à ce moment-là, avant que la vague arrive, de les surveiller de très près. C'est un endroit très, 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 très en sécurité. Ouais. C'est un véritable paradis. Donc, il n'y a aucune raison de les surveiller de plus près que d'habitude. Par contre, après, entre le moment où la vague m'est arrivée dessus et le moment où je me suis retrouvé 30 mètres plus loin avec accroché comme un con à ce cocotier, je veux dire, je peux même pas dire que j'ai pensé à ce moment-là au Sandy et à Julien. J'ai pas eu le temps. J'ai pensé à rien. Strictement à rien. Maintenant, il me reste un truc terrible à faire, c'est d'annoncer ça à ma fille, de revenir, si vous voulez, d'aller vers eux et d'affronter le regard de ma fille qui va me voir arriver, moi, vivant, tout seul, sans sa fille. Là, effectivement, vous les retrouvez sur le marché de Tangaule. Ils ne sont même pas mouillés, évidemment, puisque c'est à des kilomètres de là. Vous dites jamais, je n'oublierai le cri de Delphine, un cri dément, insoutenable. Oui. Rien d'autre à rajouter. Oui. Ça m'a marqué pour le restant de mes jours. Alors, ensuite, vous allez dans un hôtel qui est situé à 7 km de Tangaule, sur les hauteurs, un hôtel qui s'appelle le Eva Lanka. Et là, vous êtes choqué parce qu'en fait, les touristes, évidemment, ils ne savent pas ce qui s'est passé. Donc, ils profitent de la journée de vacances comme si de rien n'était. Et nous, on arrive là, enfin encore que ma fille et mon gendre étaient correctement habillés, mais en ce qui me concerne, j'étais en loque, en sang. Ça fait un drôle d'effet de voir qu'il y a des gens qui ont pu ne pas se rendre compte du tout de ce qui s'était passé. Alors, il y a une personne qui est concernée quand même, c'est Hélène Devinck de LCI, qui là, avec son compagnon Emmanuel Carrère, l'écrivain. Oui. Et elle vous parle et vous témoignez sur LCI de ce qui s'est passé, en fait, ce jour-là. Oui. Et ça a été le départ de tout. Ça a été, si j'ose utiliser des mots comme ça dans notre situation, ça a été une chance inouïe. Une chance inouïe parce que, si vous voulez, il est évident qu'on aurait de toute façon aidé les très proches amis, ne serait-ce que de cette sortie de ça. Mais là, le fait que j'ai été... par chance, le premier à témoigner, ça a tout de suite amené les médias vers nous quand on est rentré en France. Bon, c'est pas trop mon style de jouer avec ça, mais là, je crois que j'avais pas le choix. Ouais. Il aurait fallu que je sois très con pour ne pas jouer à ce jeu. Donc, on a laissé les articles paraître dans Paris Match. On a même été jusqu'à accepter qu'une photo de Juliette et Sandy soit diffusée. C'était pas de gaieté de cœur, mais je crois que c'était le seul moyen pour qu'on récolte la somme maximale nous permettant d'aider non plus une, deux, trois familles, mais quelques 50 ou 100 familles, puisque c'était notre objectif à partir de ce moment-là. Alors, ce que vous découvrez à ce moment-là, c'est qu'il est impossible de rapatrier le corps de votre petite fille, Juliette, pour la faire incinérer en France. C'est purement interdit. Oui. Donc, il faut le faire au Sri Lanka. Et un jour, vous irez jeter les cendres de Juliette dans un jardin botanique à Candy, près d'un massif de bougainvilliers. Voilà, alors là, vous commencez avec votre gendre Jérôme à échafauder une association pour aider les habitants de ce petit village de pêcheurs. Vous inventez ce qu'on appelle le kit de nécessité. Alors, c'est quoi exactement ? Vous savez, ça consiste... D'abord, on s'improvise. On n'a jamais fait humanitaire. Donc, vous arrivez avec un trac pas possible en vous demandant si vous allez être à la hauteur. Parce que c'est quand même... vous n'avez pas le droit de vous planter, là. Et puis, vous allez à l'essentiel. Vous distribuez des feuilles de papier dans le village et vous dites aux gens... en fait, vous prenez le... T'as besoin de quoi ? Prenez la commande, quoi. Voilà, t'as besoin de quoi ? On n'est pas les blancs sauveurs venant à la rescousse. Non. Là, on se fait tout petit. De quoi tu as besoin ? Et on s'aperçoit, ça va très vite, c'est en quelques jours, les besoins sont toujours les mêmes. Un lit, un matelas, et ça a pris une importance terrible après, vous verrez. Un moustiquaire, des ustensiles de cuisine... Ah là, vous dites, il y a des besoins. C'est vraiment élémentaire. Leur rendre leur dignité, en fait. Voilà.
Attention, la plupart des familles n'ont plus de toit, n'ont plus de... Mais au-delà du fait qu'elles n'aient plus de toit et plus de maison, elles mangent dans des feuilles de journaux et les enfants dorment par terre sur les ruines des maisons. Et ça, je l'ai vu de mes yeux, vu. Là, vous vous dites, il y a urgence. Alors, vous ne cherchez pas à vous organiser. Hein, genre ça, vous partez au quart de tour, vous foncez. Alors, vous faites des bêtises. Hein, vous mettez 4 jours à équiper 10 familles parce que vous pensez qu'il faut faire le tour des commerçants, etc. Ouais. etc. Puis après, on devient un petit peu moins bête. On se dit, on va s'organiser, on va distribuer des tickets aux gens. Ils vont aller eux-mêmes dans les boutiques. Puis tout ça se met en ordre. Il faut reconnaître aussi qu'on a là affaire à un peuple qui n'a pas du tout la mentalité des peuples occidentaux. On est sur des gens qui sont face à ce malheur d'une dignité déjà absolue, extrêmement réservée. Il n'y a pas de panique, il n'y a aucune scène de panique. Alors que, faut pas oublier que là, on est au bout de la première semaine, on sait qu'on va avoir 700 familles à équiper. On a mis une frontière, si vous voulez, Medaketia, mais c'est horrible déjà, ça, cette frontière. Ouais. De dire, toi, t'es de l'autre côté de la route, tu rentres pas dans le... C'est... Alors, voilà, vous vous mettez au boulot avec Jérôme pour essayer de les aider. Et en revanche, pas de trace d'ONG, vous dites, où sont les dons? Où sont les 20 tonnes de médicaments amenés dans cet Airbus 310? Ça a coûté 300 000 euros pour acheminer les dons. Vous ne voyez rien. Vous voyez des 4x4 flamboyants, dites-vous, des 4x4 neufs de la Croix-Rouge. Et vous dites qu'une de ces voitures vous permettrait, à vous, enfin en tous les cas aux gens du Sri Lanka, de reconstruire 100 maisons. Dans l'avion, on s'inquiétait de savoir comment on allait pouvoir, nous, tout petits, là, en arrivant à Medaketia, s'entendre avec toutes ces ONG sur place. Ouais. Parce que, comme vous, on a entendu qu'il y avait des dons faramineux, que toutes les ONG étaient là-bas, que... On s'est dit, comment on va trouver notre place, là Ah, ça n'a pas été difficile, on était tout seul. Ouais. On était tout seul. Quand je suis arrivé au début février, on était tout seul quand mon gendre est parti fin avril. Absolument personne. C'est alors incroyable, parce que... la France a envoyé 190 millions d'euros. Il paraît que l'argent est placé dans les 6 caves monétaires. C'est un véritable scandale, déjà. Ouais. Quand je lis, moi, dans Le Parisien, c'est M. Mattei lui-même qui le dit, qu'il a Mattei, reçu... patron de la Croix-Rouge, après avoir été patron de la canicule, je tiens voilà. à préciser. Il a 100 millions de dons. Ouais. Et à aujourd'hui, ils en ont dépensé 7. Ouais. Il y a quand même quelque chose d'absolument obscène à détourner de cette façon l'argent que les gens ont donné pour le Sri Lanka, la Thaïlande, l'Indonésie. Ouais. C'est absolument scandaleux. Oui, il y a 7% des sommes qui ont été données aux Sri Lankais. Le reste, ils ne l'ont pas vu. Voilà. Moi, je ne remets pas en cause la bonne foi de ces gens. Je dis c'est de la bêtise. Mm. Mais en même temps, c'est tout à fait scandaleux. Donc il faut demander des comptes à la Croix-Rouge. Bien sûr. Eh bien, on va appeler le docteur Robert Sebag. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes administrateur national de la Croix-Rouge. Votre fonction, en fait, c'est de faire la somme des dons reçus, de savoir comment l'argent est dépensé. L'émission sur le terrain, c'est moins votre truc, mais enfin, c'est quand même vous qui gérez le pognon. J'en ai fait une. Voilà. Alors, où est l'argent? Où est le pognon? Alors, ce que je peux vous assurer, il y a une partie de l'argent qui a été dépensée, et il y a une programmation, on a signé... 7 sur 100 en ce qui vous concerne, on est d'accord. Il y a 70 millions... Vous dites combien? 7 sur 100. 7 sur 100 millions. Voilà. Alors, où sont les 93 millions? Il y a 70 millions d'euros qui sont engagés aujourd'hui. Il y a 1000 maisons, 2 hôpitaux au Sri Lanka, en Indonésie, il y a un approvisionnement en eau qui se fait dans la région d'Ampara, dans la région de Galles. Vous le savez, il faut des bureaux, il faut une logistique. En Indonésie, on a plus de 50 personnes qui sont sur place. Il y a eu le tremblement de terre sur l'île Nias. On a été tout de suite là, on a remis 10 litres d'eau par personne et par jour, 160 000 litres d'eau à filtrer. Il fallait transporter le matériel. Alors, l'argent, il n'est pas dépensé en immédiat, il n'est pas dépensé comme ça, l'argent. Et pourquoi? Mais moi, parce qu'il vous faut... Pourquoi, vous, monsieur, avec votre... Il vous faut des récipiendaires, il faut des gens de confiance. Vous ne pouvez pas distribuer l'argent à n'importe qui. Vous connaissez ce pays comme moi. Je suis beaucoup moins dans le coup que Philippe Gilbert. Pourquoi est-ce que les braves pêcheurs qui ont eu tout détruit, on ne leur dit pas à chacun, on vous donne, je ne sais pas moi, 10 000 dollars acheter une barre. Alors, ouais.
Pour acheter un bateau, pour acheter... On est en train, ce qu'on n'a jamais fait, si vous voulez, d'avoir des partenaires locaux, des associations. Alors, on vérifie qu'elles sont pas... Vous êtes en train... Non, mais excusez-moi, mais c'est horripilant d'entendre des choses comme ça. C'est bien parce que votre discours, au moins, il est honnête. Vous êtes en train de faire un constat d'échec. Non, c'est pas un constat. Mais enfin, c'est incroyable. Si je retourne, je vais retourner au mois de juillet au Sri Lanka, à côté de Medak Yetiya, il va encore y avoir des gens qui vont dormir par terre, manger dans des feuilles de journaux, alors que vous avez 70 millions en banque. Excusez-moi, docteur. Docteur, mais attendez. Il n'est pas question de mettre ici en doute l'efficacité et la probité de la Croix-Rouge. C'est pas du tout notre propos. L'efficacité un peu quand même. Non, oui, mais, l'efficacité non, mais, quand même. En tous les cas, la Croix-Rouge a fait ses preuves depuis plus d'un siècle. Ce que je veux dire simplement, voilà, ce que dit Philippe Gilbert, il dit moi je vais retourner, parce que c'est un amoureux de Ceylan, c'est plus qu'un touriste. C'est un mec qui a construit une baraque là-bas, Gilbert. Bon, donc il va aller là-bas. Il va voir ces gens qui vont continuer à bouffer, dans des journaux, à dormir sur des ruines, alors que vous avez, je sais pas, des millions et des millions d'euros sur des placés en six caves monétaires. C'est ça qu'il comprend pas. Monsieur Ardisson, sur un sujet pareil, vraiment, je ne veux pas polémiquer, surtout pas avec vous. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a repéré un certain nombre d'associations locales. Vous-même, je le dis devant tout le monde, je veux dire, nous sommes tout à fait prêts sur votre association, parce que vous êtes quelqu'un de confiance, de votre village, vous avez vécu, vous avez construit, à financer un projet. Je le dis, c'est pas le scoop que je veux dire. C'est bien d'être prudent, vous avez raison d'être prudent, parce que l'argent, c'est important, mais c'est très très long, vous êtes submergé, excusez-moi du mauvais jeu de mots, par la bureaucratie, quoi. Mais la bureaucratie locale, faire des virements d'argent locaux, avoir les dédouanements, vous savez que même sur des médicaments, des filtreurs d'eau, on doit, à la douane, on doit payer un certain nombre de taxes, tout est contrôlé. Mais vous ne pouvez pas ruser une catastrophe comme mais celle-ci. Je ne ruse pas. Vous envoyez des équipes comme la nôtre, des petites équipes de rien du tout. Vous savez ce que je disais, gens, quand vous allez arriver à l'aéroport, vous allez pas dire que vous êtes une ONG, vous allez dire que vous êtes touriste. Ça nous permettait de rentrer tranquillement dans le pays. Si jamais vous disiez ONG, ils vous bloquaient et vous restiez 15 jours à Colombo. Nous, on passait comme touristes. Oui. On a ouvert un compte en banque tout de suite là-bas. On faisait virer l'argent là-bas. Je l'ai fait. On a monté des équipes avec des Sri Lankais. Payer même des gens, à la limite, avec tout l'argent qu'il y a, payer même des gens. Mais c'est ce qu'on faisait. Laurent Ruquier, c'est ce qu'on faisait. On donnait 1000 roupies. Non, mais 1000 roupies par jour à chaque Sri Lankais qui nous aidait. Franchement, c'est décevant. Je vais vous dire, nous, on a fait partie ici des gens qui ont donné. Et quand on voit rapidement, et quand on voit qu'ils ne sont toujours pas secourus, franchement, c'est décevant. Quand on aide les villages, ça enfonce le clou de l'inquiétude. On se demande toujours où va le pognon. Croix-Rouge, tout le monde a confiance en Croix-Rouge. Justement, il faut aussi juger les programmes qu'ils ont faits, qui ont lieu aujourd'hui au Sri Lanka. Vous n'êtes pas tombé sur les villages. Mais je le dis et je le répète, votre association... Mais non, écoutez, vous connaissez comme moi le Sri Lanka, la côte est énorme. Je veux dire, vous ne pouvez pas remettre en question. On va construire 1000 maisons, on va construire 3 centres hospitaliers. Il y a 25 personnes. Mais il y a aussi les maisons en Thaïlande, on est aussi en Indonésie, on est aussi dans un certain nombre de pays où il n'y a eu personne, en Somalie, parce que la Somalie a été touchée, on n'en a pas parlé. On ne parle pas de la Somalie. Non, mais... Ce qui est urgent, c'est des lits, des matelas, c'est des moustiquaires. Voilà, donc aujourd'hui, pour résumer la situation. Ça coûte 3 francs 6 sous. Tu vois ce que je veux dire, c'est en roupies. Mais je ne comprends même pas pourquoi vous ne payez, même avec l'argent qu'il y a eu, pourquoi vous ne payez pas des gens, tout le monde serait d'accord pour engager des gens, payez-les. Il y a des gens qui sont au chômage en France, payez-les, envoyez-les là-bas. Mais voilà, mais voilà. C'est ce qu'on fait pendant ce temps. Mais je vous assure qu'on envoie. C'est terrible parce que j'ai l'impression de tomber effectivement dans le poujadisme et dans le café du commerce. Mais oui, mais malheureusement. Mais là, c'est pas du tout. Et pendant ce temps-là, ce sont les banques qui sont du pognon avec l'argent qui est dessus, sur les comptes. Mais pas du tout. Bah oui. Écoutez. Comment ça, pas du tout? Les six caves monétaires, ça rapporte du pognon aux banques. Comment ça, pas du tout? Vous pouvez pas déverser sur un pays 25 millions d'euros comme ça tout d'un coup, donc tout l'argent, je peux vous assurer, c'est par le comité de la charte, l'argent qui n'est pas dépensé, tous les intérêts sont reversés au programme Asie. Vous savez très bien que les périodes de reconstruction, ça va durer longtemps. Encore une fois, on vous dit qu'on ne met pas en cause le but au bout du bout. Je vous dis,
C'est pas la, on vous connaît, la Croix-Rouge, mais non, je sais, c'est formidable. Non, mais là, je peux pas non plus. Il y a c'est très mal organisé, quand même. Il y a des volontaires. C'est pas un problème d'organisation. Vous êtes débordés. Vous êtes. Non, mais on peut pas faire n'importe quoi. On a aussi des comptes à rendre. Les gens accepteraient. Mais je suis d'accord. Mais quand vous avez des partenaires comme monsieur, on est tout à fait prêt, je le redis, à aider spécifiquement son village. Mais c'est pas lui spécialement. C'est lui. Mais il y a des vous pourriez avoir des témoins. C'est pas une vraie réponse. Nous, naïvement, on pensait que la Croix-Rouge avait une vision d'ensemble plus. Bien sûr. S'il faut faire un livre pour que quelqu'un vous aide, ça sert à rien. C'est bien gentil de dire ça là maintenant sur ce plateau. Mais c'est pas ça. C'est une réponse. Vous pourrez avoir des témoins. C'est pas une réponse honnête, ça. De village. C'est pas une réponse honnête. Mais vous pourrez avoir des témoins de village. Sous prétexte, monsieur, ici, qui va faire un bouquin, vous allez dire, on est prêt à vous aider, il faut aider tout le monde, c'est tout. Monsieur, monsieur, on pourrait avoir ici en face des villageois dans lesquels nous sommes présents. On a fait des milliers, des milliers. J'espère mais, et qui vous dirait, j'espère. Merci à la Croix-Rouge. C'est une bonne blague, merci. Heureusement qu'il y en a, j'espère. Merci à telle organisation. Bien, je veux dire. Alors, de toute façon, on va y passer la nuit. Qu'est-ce que vous, parce que c'est ça qui est important, vous habitez là-bas, vous y allez plusieurs mois par an, vous êtes encore une fois vraiment Sri Lankais d'esprit, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire? Qu'est-ce que je pense qu'il faut faire? Moi, je crois que je viens de m'exprimer suffisamment sur le sujet. Tout simplement, il faut que l'argent qui aujourd'hui dort dans des banques soit utilisé d'une façon ou d'une autre. Alors, c'est, comme le dit fort justement Laurent Ruquier, c'est par exemple payer les chômeurs en France, et tant pis si on fait du poujadisme, parce que là, il y a des urgences en plus. Bon, ou tout simplement le distribuer. Il n'y en a pas besoin d'autant que vous en avez à des petites associations comme nous qui vont au moins essayer de faire l'essentiel, c'est-à-dire de ramener très vite ces villages à l'île. Parce que quand vous dites mon village, Je dis votre village. Je peux vous assurer que j'ai fait la route de Colombo à. Je sais où vous étiez. Hein, vous étiez plutôt sur la côte est, d'accord ? Bien. Baticaloa aussi. Voilà. Mais toute la côte qui est là, je peux vous dire que les gens n'ont pas été aidés du tout. C'est-à-dire toute la côte entre Colombo et Tangal et en Mantota n'a pas été aidée du tout. À Gaulle, par exemple, ça n'a pas été. Non. Ce qui a été fait dans ces villes, c'est la plupart du temps, on a travaillé sur le plan hôpitaux. Ouais. Voilà. Là, il y a eu beaucoup de choses de faites. Donc ça, je remets pas ça en question. Mais c'est pas parce qu'on construit un hôpital qu'il faut laisser les gens dans la merde au bord de l'eau, vous voyez ? Ouais. Bon, voilà. Et surtout, ce qui me choque, c'est que c'est des sommes faramineuses dont on entend parler, alors que nous, avec 100 000 euros, c'est une goutte d'eau, on a redonné à 700 familles la dignité élémentaire dont ils avaient besoin. Voilà, merci. Voici les chimelles. Gérard, bonsoir les filles. Bonsoir. Qu'est-ce que tu penses? Bonsoir les filles, Gérard. Franchement, tu veux pas dire qu'on se fout de ta gueule dans cette émission? Ça, c'est vrai, je peux pas le dire. Énorme qui arrive. Je peux pas le dire, c'est vrai. Alors, qui est Victoria alors? Moi. Victoria. Non, tu es Bomba. C'est mon deuxième prénom. C'est mon deuxième prénom. C'est ton deuxième prénom. Gérard Victoria. Ah oui, d'accord. Bien, Victoria, c'est vous, donc 25 ans, 1m70, 63 kilos, 95 C. Oui. Belle poitrine, très très jolie poitrine. Je les ai fait rétrécir. Pourquoi? Ils étaient plus gros avant. Ah, oui. Qui est Axel? C'est moi. Axel, bonsoir, 23 ans, 1m76, 66 kilos, 85B. Comment tu sais? J'ai le coup d'œil. C'est incroyable. 85B, c'est ça. Stage. Gisèle, 24 ans, donc c'est vous évidemment. 1m68, 57 kilos, combien? 85C. Non, 90B. C'est pareil, c'est des. J'ai fait un stage, un super stage sur ça. On va commencer par les origines, on va faire tout, hein, il faut qu'on sache. Et tu donnes les mensurations, mais tu donnes pas les autres mensurations Non. Vous êtes de quelle origine? Française. Française, voilà. Et vous? Colombienne.
Et vous? Je suis brésilienne. Brésilienne, ah. Hein. Brésil. La chaleur du Brésil. L'amour. Oui, alors? Brésilienne. Cette voix, c'est... Ah, il a une voix. Je suis jalouse, attention. Hein. Vous avez pris conscience à quel âge que vous étiez une femme dans la tête? Un an. J'avais un an et je pense que je suis une gonzesse. Mais toi, t'as pas eu le courage. La différence avec elle, c'est que toi, t'as pas eu le courage d'aller jusqu'au bout. Exactement. Voilà. Exactement. Hein, t'es resté un garçon. Je toi. Suis une femme. Ouais, mais t'es resté un garçon. Avec ma tête définitive. Voilà, ta tête de garçon. Et ta voix de garçon. Bien sûr. Voilà. De crooneuse. De crooneuse. Voilà. Je suis une crooneuse. Ouais. Une gagneuse. Et c'est une gagneuse aussi. Alors, vous, à quel âge vous avez pris conscience que vous étiez? Oh, jeune. Très jeune. Quel âge, à peu près? Environ vers 5-6 ans, j'aimais bien. 5-6 ans? Ouais. Et vous ne compreniez pas pourquoi vous avez été un garçon? Non, j'ai eu comme modèle une poupée mannequin que j'adorais et que voilà, j'ai voulu lui ressembler. Ouais, c'est pas mal. Hein. Vous lui ressemblez. Et ça vous? Va, merci. Bah, c'était pendant l'adolescence. Ouais. Les premiers émois. Ouais. Quand on comprend l'amour. Vous aviez des érections pour des garçons et pas pour des filles, en fait. C'est ça. Ouais. Non, mais oui, disons les choses. Oui. Bah oui. Oui, un chat est un chat. Une chatte est une chatte. Ça ne sera pas coupé au montage. S'il te plaît. Non. Hey, tu as été le plus. Attendez, les enfants. On la garde, on la coupe. On la garde, bien. Quelles ont été les réactions de vos parents? Regarde-moi avant de parler. Quelles ont été les réactions de vos parents? Très bien, parce que bah, depuis l'âge de 5 ans, justement, ouais. Me déguiser, en fait, enfin, ouais. Ils m'ont aidé dans ma... Vos parents vous déguisaient? Oui, ma mère, je m'amusais beaucoup avec ma sœur. Et... Ah oui, d'accord. Donc, parents complices, oui. Et vous, quelles ont été les réactions de vos parents quand vous avez dit, bah, maman, je suis une fille, quoi? Bah, elle était, je pense, un peu choquée, parce que bon, elle a mis au monde un garçon, et puis... Ouais. Elle m'a quand même donné sa bénédiction. En fait. Ouais. Alors, c'était quoi la réaction de tes parents? Vas-y. Bon, c'était un peu difficile au début, mais après, c'était... Ça baigne. Ma mère, je lui m'appelle Gisèle, sans problème. Bon, bah, ça tombe bien, ma c'est ton prénom. Ma petite fille, ma belle-fille. Oui, si tu veux. Ma petite fille, ma belle-fille. 06, 07. Ça commence. 82. Bien. Est-ce que vous avez déjà eu, à l'époque où vous étiez garçon-garçon, est-ce que vous avez eu des expériences avec des filles? Oui. Non, moi non. Vous non? Jamais. 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 Jamais fait d'amour avec une fille? Non. Et vous? Raison, c'est également. Jamais. Et vous? Jamais. Jamais. C'est dégueulasse. Ouais, tu regardes. Et alors, comment ça se passe avec les garçons aujourd'hui? Bon, pff, comme ça. Gérard. Non, mais est-ce que. Non, normal, quand tu. Non, mais. J'y arrive pas toujours, mais quand j'y arrive. Quand tu rencontres un garçon, est-ce que tu lui dis, voilà, j'ai l'air d'être une fille, mais en fait, ah, mais moi, je suis un bon. Garçon? Oui. Ouais. Même c'est avec un mec super bourré. Ah, oh, la vérité, elle est bourrée. Non, comment ça se passe, enfin. Sérieusement? Vous dites aux garçons, vous, comme vaut Gisèle? Oui, il faut mieux. Bah oui, faut mettre sincère. Parce vous que dites, nous, voilà, c'est... je suis un garçon, quoi. Pas, je suis un garçon, mais. Non, transsexuel. Ouais, je suis un transsexuel, je ne suis pas une vraie fille. Ouais. Vous voyez, les gens. Le mec fait super. Voilà. Ça y est, j'ai trouvé. Hein, je suis sûr. Voilà. Hein, Gérard? Il n'y a pas de problème. Allez, voilà, c'est bien ce que je pensais. Est-ce que... Bejouve, Brasil. Quand est-ce que vous allez faire l'opération pour devenir vraiment des filles, sérieusement là? Bah, c'est-à-dire que là, ce n'est pas la priorité. Ouais, ah bon, pourquoi? On pense comme des folles, on travaille. Il y a le travail. Ouais. Vous avez vraiment envie de le faire? Oui. Oui, oui. Bah, et, sinon, on serait... Et ça je pense où, qu'on après, serait pas là. Qu'est-ce qu'on en fait? Bah, ça dépend. Des boucles d'oreilles, des bijoux. Genre. Non, mais attendez, non, je vais vous dire, non, je vais vous dire un truc. Non. Des boucles d'oreilles. Est-ce qu'on peut dire que votre sexe vous gêne? Oui, oui. On va le dire comme ça, oui. Il vous gêne. Le mien aussi. Ça me gêne. Merci. Le mien aussi, dit Gérard Darmon. Pour d'autres raisons. Non, mais. Ça doit être terrible pour vous, parce que trouver un soutien-gorge à sortir un slip kangourou, ça doit être impossible, non? Ah ok, les détails, donc tu veux te rendre dans les détails. Non, sérieusement. C'est une technique à avoir. C'est une technique à avoir. Mais alors, est-ce que c'est plus agréable de se toucher les seins ou de se gratter les couilles? C'est des trucs qui me passionnent. Gisèle, c'est qu'est-ce qui est plus agréable, sérieusement? Je préfère les seins. Tu préfères te toucher les seins que de gratter les couilles? Voilà, c'est tout, bah, disons les choses, oui. Toi, pareil. Ah, c'est du venin, ça. Il faut toucher les seins. Voilà, tu préfères, non, mais c'est vrai, toi aussi, oui. C'est humain.
C'est humain, toi aussi. Ça dépend le réveil. Ah, il est matin, le préfère se gratter les couilles, c'est marrant, ouais. Ça vous arrive encore de vous bourrer la gueule avec des potes? Je n'aime pas l'alcool. C'est fini, ça. Moi, non, j'aime pas l'alcool. Alors, regarder des matchs de foot à la télé en buvant de la bière ça, et tout. Ça, oui, j'aime bien. Ah ouais. Oh, ah, quand même, t'as gardé ça. Les mecs, j'adore. Mecs, ouais. La petite érection du matin, ça reste ou... Non, j'ai plus. Non. Non. Il faudrait que tu dormes avec l'une d'entre nous. Ce matin encore. J'ai plus. Non, mais est-ce que vous laissez encore, par exemple, les chaussettes traîner dans le salon comme un mec? Non. Non. Ça n'a jamais arrivé. Jamais. Jamais non plus. J'avoue, toi j'avoue. Toi non plus. Ah, les, comme vous êtes aux toilettes Je crains le pire, là. Comme ces demoiselles. Femmes. Vous essayez. Comme voilà. Des femmes. Comme des femmes. Tu vas pas tout garder, tu vas couper. Je peux te dire un truc. Ça, je garde tout. Ça, c'est du bon. Allez. Ce qui m'embête, là, Gérard. Ce qui m'embête, c'est le regard de Volga. Parce que on dirait que tu m'en veux, là. Non, parce que mais je suis pas en train de te tromper. Non, je vous en veux parce que je viens d'apprendre que vous laissez traîner vos chaussettes dans pas le salon. Tout. Non, pas du tout. Non, je suis pas. Non, pas du tout. Alors, si y a un mec qui a ordonné, tu verras, c'est moi. Frédéric, est-ce que je suis. C'est la conseillère artistique de l'émission, Frédéric Arnoux. Est-ce que je suis un garçon désordonné? Je confirme que non. Voilà. Oh. Merci, Frédéric. Bravo. Merci. Bien. Alors. Sérieusement, est-ce que l'homme qui est en vous, parce qu'il y a toujours une partie d'homme en vous, est-ce que l'homme qui est en vous s'énerve quand vous mettez 2 heures à vous préparer? Oui, forcément. Il y a un moment où t'as envie de sortir, tu vois, bon. Bah, il répond pour nos trois. Ah, il a répondu, c'est oui. Assez naturel, Romain. L'homme qui est en elle s'énerve quand la femme se prépare pendant 2 heures. Et alors, est-ce que la femme qui est en vous, parce que c'est une dimension femme, s'énerve quand, par exemple, vous regardez du foot à la télé? Ça dépend si les joueurs de foot sont beaux. Ah, bonne patience. Bonne réponse. Pardon. Bonne réponse. Et est-ce que l'homme qui est en vous adore les films porno? Oui. Yes. Tu vas te calmer, hein. On t'a mis la bière à côté de toi, hein, en même temps. On t'a vraiment mis. Mais qui n'aime pas le sexe? Ouais. Moi. Menteur, c'est pas vrai. Et maintenant, on passe au musée. Cet homme a décidé de prendre tous les risques. Tous les samedis soirs, il va relever un formidable défi. Vous tenir en haleine pendant 1 heure. Pour vous empêcher de zapper et conserver son ardimat, il est prêt à tout. Tous les moyens sont bons, même la qualité. Plateau d'Ardimat. Je sais que bon nombre d'entre vous seront très étonnés de voir mon visage ainsi masqué par ce qu'en termes professionnels nous nommons une mosaïque. Mais d'un commun accord avec la direction de la chaîne, nous avons décidé de lutter contre cette mise en valeur excessive des vedettes de télévision que l'on dénonce à juste titre dans vos journaux. Je crois que face à cette scandaleuse tarification, il était temps de réagir. Halte au nombrilisme, Ardimat l'a fait. Je vais maintenant vous rappeler les principes de mon émission. Pendant un peu plus d'1 heure, vous allez voir des documents exceptionnels que j'ai choisis pour vous.
J'espère qu'ils sauront vous plaire, car comme on vous l'a assez répété, si vous zappez, je suis viré. Je sais que beaucoup d'entre vous verraient la chose sans trop de regrets, notamment Monsieur Georges Chaussat de Nantes. Mais il y a Zap. Vous connaissez tous Zap. Je sais. Les Français aiment beaucoup les animaux. Moi aussi. Hein, mon petit Zapounet. Il est joli, hein? Ah, il est très joli, très bien. Il est très bien toiletté. Hein? Hein, mon petit Zapounet? Vous avez compris. Si l'Ardimat descend en dessous de 15%, je bute le club, c'est vu? Hein, mon petit Zap? Alors soyez gentils et regardez mon émission jusqu'à la fin. Toujours avec moi, le professeur Rollin. Bonsoir, professeur. Tout de suite, une remarque. Mettez-y un petit peu plus de nerfs. Vous avez oui. l'air à moitié endormi ce soir. Vous savez, pour faire de l'audimat, il faut que ça swing, comme on dit. Jean-Pierre, Irène et Jean-Pierre, mes téléspectateurs moyens, alors comment ça va? Bien, très bien. Fidèle au poste? Ah oui, toujours fidèle, Thierry. Hein. Mais pourtant, ça a été difficile, hein, parce que maintenant, on est assez demandé avec Jean-Pierre. C'est vrai, hein, on a vraiment fait des pieds et des mains pour se libérer. Hein, enfin, bon. Merci d'être là. Ok, elle est bonne. Bravo Josie, hein. Écoute, même moi qui étais au courant, j'y ai cru presque. C'est un métier, hein, Thierry. Formidable. Hein, bien foutu. Grand professionnel. Hein. Ça, les incidents de plateau, ça marche toujours. Ça fait de l'audience, c'est sûr. La petite babale. Mais là, cet abruti d'Ardisson, là. Qu'est-ce qu'il y a? Que je raconte que je dise deux mots. Faut vraiment être dingue pour faire des émissions comme ça. Petite babale dans la tête. Vous n'avez rien à foutre dans la télévision. C'est pas étonnant qu'on parte en brioche, hein. Non, mais c'est pas vrai. Quoi? Un abruti pareil. Si j'avais un mec comme ça, je l'égorge, moi, dis donc. Et je serais acquitté, en plus. Vous allez laisser cette bestiole. Petite babale dans la tête. La babale, c'est toi qui devrais l'avoir, la babale. Si les gens regardent pas... Et toi, dans la tête, je te le dis, moi. Hein. Je la filerai quelque part, tu verrais. Mon bébé, mon petit bébé adoré. Dites rien, vous la laissez m'insulter sans rien dire. C'est très bon pour nous. Plus vous vous engueulez, plus l'audience monte. Ah bon? Et Madame Serdeau, vous savez qu'il le fouette, le chien. Je le fouette, le chien. Parce que les chiens, ça me dégoûte. Ça me révulse. C'est dégueulasse, les chiens. Ça pue, les chiens. Des connards comme toi, ça me dégoûte. Ça pue, les chiens. Et toi, tu pues pas, abruti. Mais dis donc, la vieille. Non, mais qu'est-ce que c'est? Je vais te renvoyer sur ton boulevard, moi. Je vais te dire un truc. Ça va pas être le clan des veuves, ça va être le club des mortes. Hein, parce que je vais te buter, moi aussi. Et moi, je vais te foutre une bonne tarte dans la gueule, je vais te dire. Connard, sale con, connard. Con, ça va. Faut la foutre aux ordures, ce mec. Faut renvoyer sur le boulevard. Non, j'espère qu'au moins c'est bon pour l'audience, parce qu'elle m'a pas raté, là. Ah oui, mais Thierry, ça valait la peine. Hein. Vraiment, ah bon? C'est tout à fait bon pour l'audience. Ah bon? Il faut souffrir hein, pour faire de l'audience. Là, c'est bon. Thierry. Ouais. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous n'avez pas l'air dans votre assiette, là. Je sais pas, non. Je pensais à la vie, là. On est enfermés dans ce studio tous les samedis soirs. Je oui. C'est pas contre vous, mais la vie est courte, hein, quand même. Thierry. Mais non, mais là, si se trouve, je sais pas, moi, si ça se trouve, je suis en train de rater un truc, truc super au bistrot du coin, puis je suis là, moi, ça me fait flipper, quoi. Il pourrait se passer des trucs dans la rue. Oui, je comprends bien, enfin. J'y vais, moi, allez, j'y vais. Non, Thierry, ben non, ça ne se fait pas, écoutez. Thierry, si vous avez besoin de vous dégourdir les jambes, vous pouvez quand même patienter une heure le temps de finir cette émission. Non. Vous avez 167 heures dans la semaine pour vous promener. Maintenant! Non, j'y vais, non. Franchement, non, j'en peux plus, là. Non, allez, j'y vais. Thierry, c'est pas raisonnable, écoutez. Les gens sont devant leur poste, ils vous regardent. Thierry, allons. Thierry! Thank you.
Un café, s'il vous plaît. Un café, s'il vous plaît. Oui, ça va. Putain, je suis tiré hardisson quand même, merde. Putain, mais je suis tiré hardisson, merde. C'est bon, c'est bon. Ça va, oh. Ça va bien. Ouais, ça, je me réveille complètement. Là. Ça fait une semaine que j'étais là. Et maintenant, on applaudit Francis Lalanne. Bonsoir. Francis Lalanne, bonsoir. Francis, comment se passe cette tournée à travers la France? Oui, elle se passe bien. Elle se passe bien. Thierry, l'Ardimat est descendu en dessous de la barre des 15%. Sans rancune, Zap. On voit rien de personnel. Zap, ah, tu es là, mon Zapounet? Tu es là, Dieu soit loué. Je vais vous montrer un truc qui va vous plaire, c'est plus un télo, c'est une interview de Jacques Derrida. Enfin. Ouais, vous allez voir. Comment vous pensez aujourd'hui le rapport entre philosophie et littérature? Et est-ce que finalement, les parcours qui ont été les vôtres et dans la philosophie et dans la littérature ne vous conduisent pas à penser que l'écriture littéraire finalement résout des problèmes que la philosophie pose sans être capable de les résoudre? Alors, j'ai essayé de rassembler là, enfin, c'est tout simple, les références essentielles. Littéraires qui sont les vôtres. Et quand on fait cette bibliothèque, on se dit qu'il y a quand même quelque chose en commun. Et c'est sur quelque chose en commun que je voudrais vous entendre. Artaud, Bataille, Joyce, Blanchot, c'est Paul Celan. Au fond, qu'est-ce qui rassemble ces écrivains? Qu'est-ce qui fait leur... pourquoi sont-ils dans votre panthéon? Oh, c'est certainement pas un panthéon. D'abord, c'est ouvert. Ensuite, j'hésite à répondre à cette question-là parce que si j'y répondais, je dirais, voilà, ces gens-là ont quelque chose en commun. Et ce qui m'intéresse, c'est ce qu'ils ont en commun. Ouais. Alors, pas mal, hein? Eh bien, écoutez, Thierry, c'est une très bonne surprise parce que ce document est très intellectuel et pourtant, la courbe n'a pas cessé de monter, comme quoi, contrairement à une idée reçue, eh bien, la culture, ça peut aussi payer sur le service public. C'est formidable. Allô, professeur? Oui, Thierry, oui. Mais je fais mon bonsoir d'ici ou quoi, là? Faites votre bonsoir normalement, Thierry, puisque tout est normal. Hein, pas vrai, les amis? Ouais. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Bienvenue au studio Bonaparte pour Ardimat. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous dire que, comme toute émission qui se respecte, nous allons vous offrir des cadeaux, des tas de cadeaux. Ce soir, vous allez vous partager 100 téléviseurs Teamsai à télécommande vocale. Pour gagner, il suffit d'appeler le 47 28 02 47 pour élire votre télépotige préféré parmi les 15 que nous allons vous présenter tout au long de l'émission. Les 100 premiers gagneront donc un téléviseur Teamsai à télécommande vocale. Les 1000 suivants recevront la cassette du film Malcolm X de Spike Lee qui sort cette semaine sur vos écrans. Et c'est quel film qui sort cette semaine, Thierry? Malcolm X. Ouais. Bonsoir. Votre nom? Maureen. Prénom? Maureen. Ah pardon, c'est Dor. Ouais. Votre âge? 22 ans. Profession? Touriste à Paris. Touriste à Paris. Oui. Et vous l'êtes potiche chez nous?
Oui. Ça vous intéresse? Oui, pourquoi pas. Quitte à être petit dans d'autres endroits, autant être petit chez la télé. Est-ce que vous... Oui. Oui? Ah bon? Oui. Mais à la télévision, en direct, devant les caméras? Ça dépend lesquelles caméras. Toutes ces caméras-là? Oui. Vous... Oui. Vous êtes d'accord? Oui. Professeur? Si elle est d'accord, Thierry, elle est d'accord. Bon, bah écoutez, mettez-vous à côté du président Laurent, vous êtes présélectionné. Merci. Et maintenant, mesdames, messieurs, je voudrais vous montrer des images absolument incroyables. Putain, mais qu'est-ce qui m'arrive, là? Thierry, t'es bloqué dans la mémoire de Tram. Bouge pas, on va te dégager. Bloqué dans quoi? Bah, cherche pas, c'est compliqué. Ça y est, les techniciens sont là, surtout, garde ton calme. Mais t'es marrant, toi, t'as vu la gueule que j'ai en plus, putain. Ouais, ces trucs-là, ça se bloque tout le temps, putain. Un coup de pompe et ça repart. Aïe! Aïe! Oh là là, ça a l'air sérieux. Qu'est-ce qu'on fait? Faut envoyer la bécane chez Ampex, hein. Et les mecs, vous êtes gentils, je vais quand même pas y passer la nuit, hein. Putain, t'as vu ma gueule, je sais pas, moi, démerdez-vous, appelez la fête télé. Bonne idée. Professeur, chute d'audience catastrophique. Et maintenant, notre troisième invité, Claire Chazal. Claire, bonsoir. Est-ce que ça t'embête quand on t'appelle Mémédéa? Est-ce que ça t'embête plus qu'avant? Oui. Ouais. C'est vrai que lorsque tu prends l'avion, maintenant, tu gardes les factures? Ouais. Et pourquoi tu ferais pas comme Christine O'Krent ou Anne Sinclair, t'épouserais pas un ministre, Claire? Très bien, merci. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, bienvenue au studio Bonaparte pour Hardy Mat. Thierry, je vous interromps, il y a un petit problème pour l'émission de ce soir, et je vous dis tout de suite, c'est de ma faute. La semaine dernière, samedi dernier, vous avez dit « je m'en branle ouais. », vous vous en souvenez, ouais. Grossièreté que j'ai été obligé de sanctionner, puisque ouais. nous sommes sur le service public, par un extrait du documentaire culturel « Venise, cité des doges ouais. ». Mais, et c'est là mon erreur, je vous en ai mis 13 secondes en me fiant au barème 92 que j'avais sous les yeux. Or, j'ai reçu entre-temps le barème 93, qui, lui, est de 15 secondes pour d'accord. je m'en branle. Il y a par conséquent un reliquat de 2 secondes de Venise qu'il faudra diffuser à un moment ou un autre de l'émission. Alors, c'est comme vous voulez. Écoutez, je préfère prendre ma punition tout de suite à ce moment-là, professeur. Comme ça, on en sera débarrassé, d'accord? Très bien. Alors, allons-y. Je préfère. Allons-y. Chevalet planté sur un quai moussu. Elle sort un disque, elle vient faire sa promo à la télé, tout ça est parfaitement normal. Voici notre cinquième invitée, Gloria Lasso. Alors Gloria Lasso, bonsoir. Quand est-ce que tu as fait l'amour pour la première, pour la dernière fois? Ouais. Ouais, ouais. Mais ton accent, Gloria, tu le fais exprès comme Jane Birkin ou c'est naturel? Ouais. Et le titre de ton album, c'est bien « Comeback de Yasmin », c'est ça, ouais. Oh, Gloria, ça va? Dites-moi, tu te moques de moi non, ou quoi? Non, excuse-moi, non, pas du tout. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Bienvenue au studio Bonaparte pour Hardy Mat. Je tiens à vous faire part de remarques qui m'ont été faites selon lesquelles je manquerais un petit peu d'enthousiasme. J'aurais une attitude un petit peu crispée, je serais pas très souriant, contrairement à nombre de mes collègues. Sachez que j'en suis conscient et que je suis prêt à faire tous les efforts nécessaires pour vous satisfaire. Oui, c'est bien de le dire, Thierry, c'est très bien. Ouais. Quels efforts? Bah des trucs, par exemple ça, regardez. Ça, c'est drôle. Qu'est-ce que c'est que cette cochonnerie? C'est une chaussure de clown, professeur. Ah oui, en effet, c'est Royal hein? Top. Ouais, c'est Royal Top, ça envoie le bois. Hein. Il y a simplement un petit détail qui vous a échappé, probablement. Ouais, non. Vous voyez ce que vous avez devant les pieds? Ouais, le bureau. Gros bureau, ouais. Voilà. Ouais. Ce qui fait que la chaussure ne se... Elle se voit pas. Elle ne se voit pas. Ouais. Alors pour la drôlerie, mon cher Thierry, vous repasserez. J'y arrive pas. Je serai jamais de Chavannes, j'y arrive pas. Ah, j'ai une... Remarquez, j'ai un autre truc, vous allez voir.
Regardez. Hop. Ah, oui, non, oui, en effet, c'est également rigolo, ça, hein. Le top, ça se voit pour le coup comme le nez au milieu de la figure. Alors là, hein, ça c'est marrant, vous voyez. Hein? Oui, oui, mais il ne suffit pas de se déguiser en clown, encore faut-il faire le clown, Thierry. Bah, oui. Ah, mon petit Zapounet, c'est qu'il veut pas mourir, mon Zapounet, hein? Non, hein? Il veut rester en vie, mon Zapounet. Oui. Ah! Il m'a léché, dis donc. Ça, c'est bizarre. Ah oui. Ça, Zap ne vous aurait pas léché, c'est pas un lécheur. Hein. Ah non. Oula, non. Oulala. Oulala. L'audience, professeur. Oui. Mon Dieu, je regarde mon ordinateur. Elle est en train de baisser. Et si elle baisse trop, il va falloir que vous le tuiez, monsieur Ardisson. Oh là là. Oulala. Bon, je m'en vais à l'usine à torpilles à Saint-Tropez. Vous avez été démasqué, monsieur Corti. Je m'en vais. Je ne sais pas ce qui vous arrive, mais vraiment, vous les traitez comme quantité négligeable. Qu'est-ce que vous voulez? Que j'aille leur servir la soupe aux invités? Bonsoir. Oh, vous avez fini, là? Oui. Salut, Jacques. Bonsoir, Christina. Bonsoir. Maurice. Bonsoir. Oh, merde. On est en retard? Ah, ouais. On voulait choper la sortie de scène et tout. Ah ouais, mais ça fait rien. Tout en plus, on dit toujours que je traite mal mes invités. Là, je t'avais amené les soupières pour te servir la soupe, en plus. J'ai pas l'air con. Merci. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah, je sais pas, on peut aller au Val d'Isère, on peut aller... Au Berkeley? Au Berkeley, oui. On va au Berkeley. Bon, alors on va au Berkeley, alors. Okay. On va boire un coup. Allez, Maurice. Bah, viens avec ta soupe, toi. On passe au blind test. Et au platine, j'accueille Monsieur Philippe Corti. Ils m'ont lâché. Philippe, oui. Est-ce que tu serais venu tout seul ou quoi? Alors, j'ai même fait beaucoup mieux, Thierry. Oui. Nous sommes à l'époque de la mondialisation. Oui. D'accord? Oui. L'Angleterre! Oui! On est diffusé dans le monde entier. On est diffusé grâce à TV5 dans 87 pays. En Inde aussi. En Inde aussi. À Bombay. Oui. Tu dis. C'est le retour ou pas? Ouais. Tu dis, mesdames, messieurs. Thierry, oui. On est diffusé à La Réunion. Oui. Nadia. Oui. Nadia. Royal. Philippe Corti, Royal.
Bonsoir, mademoiselle. Un bisou, un bisou. Voilà un garçon qui ne vient jamais les mains vides. C'est bien Philippe Corti. Bonsoir, mademoiselle. Public. On est diffusé en Espagne, à Madrid. Ah, bien sûr, oui. Clémence. Bonjour, un jour il va me casser ta porte pour avoir ton carnet d'adresse. Alors, vous connaissez le principe du blind test, mes amis. Tu as eu raison de mettre tes lunettes, Marina, parce que c'est le moment. C'est pour écouter ? Oui, c'est le moment important. Écoute, donc, comme ça sent bon. Je veux l'interprète. Oui. Attention. Et on peut donner un indice. Si les gens ne trouvent pas. C'est un spécial Italie. C'est un spécial Italie, voilà. Richard Cocciante ! Ben, il n'y est pas. Voilà, bien fait. C'est bien comme exemple parce qu'il n'y est pas, ça tombe bien. Et attention, si quelqu'un souffle ici, le point va là. Quoi ? Et si quelqu'un souffle là ? Quoi ? Ah oui, il va là, oui, d'accord. Oui. Ah oui. Et d'accord. Je te préviens, Barzotti, il est belge. Hein. Il n'est pas là. Mais il n'y est pas. Nous ne faisons jamais d'erreur dans le blind test. Jamais, jamais. Alors attention, Laurent, tu es prêt ? Tout le monde est prêt, Momo ? Amore mio. Philippe ? Oui. Guy A. Lepage. Non, l'aveugle. Qui va présenter une émission au Québec qui va s'appeler... Comment on parle ? Laurent Baffi. Tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Bien. Paris. Alors attention, on se concentre, Thomas Langman, on se concentre, mes enfants, Monsieur Dubosc. Attention, Philippe, morceau numéro 1, je veux l'interprète. C'est Dieu Bolloré. Révélation. Révélation. Je vais te dire, un blind test de Corti, c'est ce qu'ont les mecs qui sont kamikazes, quand ils se sont fait sauter pour l'islam, ils ont droit à ça, voilà. C'est vrai. Et nous, mais on l'a sans. Est-ce qu'elles sont vierges ? Oui, elles sont bien sûr. Bah, on vérifiera à tirer. Ah oui, ça on va vérifier tout à l'heure. Philippe, alors numéro 1, donc c'est Laurent Baffi qui marque le point. Comme d'hab. À toi, Philippe, numéro 2. Oui. Agathe. Andrea Bocelli. Oh merde, c'est lui qui m'a dit. Pavarotti ? Non. Amélie ! Eros ! Ouais ! Ah oui ! Bravo ! Momo ! Momo le turbulent ! Momo le turbulent ! Bravo ! Révélation ! J'ai dit ! J'ai dit quoi ? J'ai dit. Non, ça va mal tourner, ça c'est fini. T'as dit quoi ? Ah, ça danse le slow. Non, je le connais, Lucas. Oh. Alors, attends, je le connais. Ça danse le slow, le sait là. Déjà. Non, ça c'est... fait. Alors, ça fait. Je le connais. Deux hyper points bien. Pour l'équipe de Vas-y, Laurent Baffi. C'est bien ça. Hein? Oui. Et zéro point, pour l'équipe de Marina Foïs. Zéro point. Et deux points pour l'équipe de Laurent Baffi, mais c'est pas grave, tu peux te rattraper, Marina. Mais on peut pas, on a dit tous nos chanteurs italiens, on les a tous écumés. Il y en a un autre, mais il est au fond de mon cerveau, faut qu'il revienne. On va revenir. Attention, Philippe. Thierry, tu as vu, je ne fais plus rien. C'est elle. Toto Cotugno. Non. Barzotti. Oui, je connais que... Barzotti. Barzotti. Felicità. Massimo Ranieri. Ah oui. Felicità. Encore Frédéric François. Je crois que c'est Albano et Romina Power. Voilà. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bien sûr ! Bravo ! C'est la fille de Tyrone Power.
qui s'appelle Romina Power. Ouais, absolument. Ouais, mais on n'avait pas dit les duos. Marina, nous, on cherchait un nom seulement. Hein. On n'a pas dit les duos. Hein. Non, mais c'est connu, ça. Ouais. Non. Oui, c'est connu. On aurait pu le trouver. Tout de suite à eux, mais on a... Bah, le point va là, puisque ça a été trouvé là. Ah bah non, c'est pas soufflé. T'es nul. Le point va là. Elle ne l'a pas soufflé. Le point va pas. Ah, le point va du côté où ça a été trouvé. Ah bah oui. Oui, ça n'a pas été soufflé. Bon, d'accord, Frédéric. Alors, allez. Donc le point va là, Amélie. C'est Frédéric qui décide. En même temps, c'est logique. C'est moi qui les ai trouvés. Ouais. Bon, chez moi. Bon, attention, continue. Philippe Corti. Diamant, oui. Frédéric François. Amour, tu la me tues. C'est ça. Franck, tu peux danser le slow. Non, je vais chercher. Serge. Bravo. Serge, à qui tu donnes le point? À Bafi ou à Marina? À Marina. À Marina. Oh non. On avait dit. Il a raison. Moi aussi, je l'aurais donné à Marina. Tu vois, c'est marrant. Attention, Philippe, go. Bien, Toto Cutugno, bien. Savez, c'est comme le 7 à la boule, à un moment donné il sort. À un moment Toto ça sort. Cutugno, attention, Philippe. Salut, Tano. Ouais, la vie. Révélation. Ouais. 3-3. C'est très bagarré ce soir. Ah, 3, mais 3-3 pour qui? Le Rital 3-3. Est populaire. Hein. Je sais pas l'ordre. Je t'adore, Philippe. Oh, il essaye de me demander les titres. Et ah ouais, avec Thomas, c'est un producteur. Ouais, mais il sait, tu sais moi que... C'est un producteur. Je suis sûr que t'en as pas un de Poupo. Ah. Non, mais il y en a un, deux. Paolo Conte. Ah, tu verras. Comme Brida. Orlando exige le clip, Thierry. Ah, Orlando, il peut exiger ce qu'il veut, non, on s'en fout. Non, elle est pas italienne, elle est égyptienne. Alors, on a des Miss Roussos le prochain. Bah oui, mais enfin, elle est égyptienne d'origine italienne, quand même. Oui. Bah oui. Genre, Dalida, oui. J'aime bien quand c'est bien dirigé, bien sûr. C'est des chansons italiennes, ça peut être un Américain. Alors. Bafi, on devrait lui demander les dates quand c'est comme ça. Ouais, date de sortie. Trop fort. C'est pas impossible. C'est pas impossible. L'original est de 54 en plus. Philippe. Oui, madame. Saskia. Frédéric François. Non. J'adore ça. J'adore cette chanson. C'est une femme qui chante. Laura, elle est belle. Laura. Oui. Laura. Ouais, oh, Laura. J'adore ça. Laura Pausini, la solitudine. Bien, on continue. Philippe Corti. Madame. Paolo Conte. Fora la mort. Rincon. Paolo Conte, non. Dino Rota. Ouais, ma vie, ouais. Bravo. On peut applaudir fort. Ouais, on peut applaudir. Alors, on a vu. Bafi impérial, 6 pour Bafi, enfin pour l'équipe de Bafi, parce que c'est vrai que Momo aide un peu quand même. Oui, c'est vrai. Et 3 pour l'équipe de Marina Foïs, Franck Dubosc et notre ami Thomas Langman qui a plus de succès avec double zéro. Et lui, il n'a pas de prénom.
Rachid, oui, il a un prénom, mais il a rien trouvé, Rachid. Si, bah, moi non plus, j'ai rien trouvé. Oui, Frédéric François, mais il a aucune chance d'y arriver. Thierry, en rappelons. Parce qu'il n'y a pas Frédéric François, je peux te le dire dans le blind test ce soir. Rappelons la règle, Thierry. Rappelons la règle, ils peuvent jouer aussi. Ah, ils peuvent jouer de ce côté-là. Oui, bien sûr, ils ont le droit de dire des trucs. Tu as raison, Philippe, c'est important de le dire. Attention, Corti. Rachid Jaltani, contre la cour. Rachid reste sur le côté légèrement. Rachid est bon, sur ce coup-là, je dois dire, Mélina, il a planté ma fille. Ouais, Rachid trop fort. Mélina, Saskia, très fort. Elles connaissent fort, tout. Fort. On a, je suis désolé, mais enfin, on n'a pas les prénoms là. Ah si, Saskia. On a les prix. Pardon. Saskia. Chano. Saskia. Ah. Mélina. Mélina. Judy. Comment il fait? Clémence. 80 euros, là, tout à l'heure. Nadia. D'accord, merci Philippe. Je fais les portables, c'est après. Voilà. D'accord. Bon, on continue, Philippe, attention. Numéro. Paolo Conte. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Alors, grâce à Thomas Langman, on est à 6-5. 6 pour l'équipe de Laurent Baffi, 5 pour l'équipe de Marina Foïs. Alors, on continue. Attention, Corti. Oh là là là, bravo! Oh là là, Marina! Bien, dur. Là, et à un moment donné, il faut s'arrêter. C'est plus un jeu, c'est de l'humiliation. Je suis désolé, ah, on veut pas ça. Ah non, c'est bien. Alors là on est à 6-6. Voilà. À la fin du par équipe, on est à 6-6. Ce qui veut dire que l'équipe de Laurent et l'équipe de Marina font match nul. Yes. Un petit peu comme la France contre la Croatie jeudi dernier. Ah, ouais. Tu te rappelles jeudi dernier? Un jeudi dernier. Incroyable. Ouais. Heureusement qu'on n'enregistre pas le jeudi parce qu'on aurait raté le match. On était baisés là. Ça, c'est con. Non. Heureusement qu'on est en direct, non? Ça, c'est la force du direct. Voilà, la magie du direct. Faut rien dire sur les Anglais. Hein. Ouais, non, mais les Anglais sont très bien. Ils ont battu le record des Italiens pour boucher le champagne. Tiens. Pif, paf, tac. On a gagné, on a perdu. Donc, à l'issue du par équipe, on est à 6-6. Et maintenant, on passe au chacun pour sa gueule. Ok, j'y vais. Merci. Attention, il n'y a plus d'amis, il n'y a plus d'équipe, hein, c'est clair. Donc, maintenant, c'est chacun pour soi. Corti, à toi pour le banco. Saskia. Hey, Franck. Hey. L'aveugle, le mec aveugle. C'est lui l'aveugle. C'est sourd. Le mec aveugle. Stevie Wonder. Red Charles. Vous connaissez que lui. On connaît que lui. Vas-y. Pani. C'est moi. Il est pas italien, lui, pas de moi. Quand vous, il chante en italien. Pas Panini. Oh, sœur, je me fais chier. On peut quand même passer Panini. C'est bon. Panini est d'origine italienne, je suis sûr. Je crois que le point est légal parce que Panini paye ses impôts en Italie, donc je pense que ça. Attendez, Catherine. Attendez. Catherine Barma adore cette chanson et voudrait que tu passes la révélation un petit peu plus longtemps. Catherine adore. Qu'est-ce que ah oui, mais moi, il suffit de me dire. C'est Catherine. Ouais, ben, mon temps, c'est la chef. Hein. Ben, c'est la chef. Voilà. C'est tout. Tu vas pas te faire... Hey, Franck, le slow. Oh mon Dieu. Bien, donc, le banco a été remporté par
Mr. Rachid. Et voilà. Il était même pas prévu au début. Ah. Bravo. On passe au Super Banco. C'est très, très, très difficile, Laurent. Je pense que peut-être Agathe Godard peut trouver, parce que c'est notre époque, chérie. C'est l'époque où on écoutait des trucs comme ça, chérie. Ah. Vas-y. Même la radio était en noir et blanc. Ouais. Go. Ouais, Mohamed. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Bobby Solo, il a dit. Alors c'est un spécial rebeu parce que le premier c'est Rachid, le deuxième c'est Mohamed et vraiment... C'est la discrimination faciale. C'est les rebeux qui viennent piquer les bancos des Français, je sais. Bien, alors on passe au méga banco maintenant. Ah, c'est hyper dur. Ça va à peu près jusqu'à quand le banco? Jusqu'au l'ultra banco, mais de toute façon tu trouveras pas, cherche pas. C'est très très dur. Corti. Americano, americano. Claudia Cardinal, Sofia Loren. Ouais. Et je l'adore. Je le crois pas. Il a fait des fiches avant. Le mec, il a quand même été au grand banditisme pendant des années. Moi, j'ai des potes qui connaissent pas la musique. Toi aussi, t'as fait de la prison. Bien. Donc, c'était Sofia Loren. Et là, je vois que ça fait quand même 2 pour Momo. Momo, le turbulent, qui marque 2 points. Momo, le boxeur, qui marque 2 points. Et là, on arrive maintenant à l'ultra banco. La personne qui trouve ça repart avec toutes les filles. Non, franchement, je pense que je vais jouer, je vais me défoncer. Bien. Alors attention, tout le monde est bien concentré, c'est très 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 difficile. Moi j'ai du mal. Agathe, tu dois trouver ça, merde. Elle dort. Mais non, voilà. Non, je dors pas, mais c'est dur. Ouais. Attention, Philippe. Énorme tube dans les années 60. 60. In the 60. Dalida? Cinquetti. Oui, l'homme de ma vie. Qui s'est dit la lame? Il l'a dit. Dis-le, Cinquetti. L'homme de ma vie, voilà. Un dieu vivant. Voilà. Je vais faire comme Jacques Martin. Le dimanche, Jacques Martin était content. Oui. Voilà. Là, Laurent, tu es un dieu vivant. Merci. Dieu existe. Il est sur le plateau ce soir. Merci beaucoup. Merci, Laurent, ma vie. Merci à vous. Merci. Comment c'est une sortie, moi. Voilà. Donc, à l'issue des chacun pour sa gueule, Rachid 1, Momo 2. Bravo Momo. Merci, bravo Momo. Et le plus difficile a été emporté par Laurent Baffi. C'est l'ultra méga banco, voilà. Parce que le monde est injuste. On l'a pas dit, on le dit maintenant. On le dit maintenant. Pourquoi Laurent? Non, c'est à toi de le dire. Pourquoi Thierry? Remets-toi dans l'ambiance. Parce que la vie est injuste, Laurent. Il faut qu'on parle du méga banco, tout ça, que c'est pourri. Que c'est quand même terrible ce banco où franchement c'est chacun pour sa gueule et... Et pourquoi c'est comme ça, Thierry? Parce que la vie est injuste, Laurent. Ouais, on l'a moins bien fait que d'habitude. Ouais, hein. Le fait de le faire après, ça nous a bloqué, je trouve. Voilà, c'était Tout le monde en parle. Marco se n'è andato e non ritorna più. Il treno delle 7:30 senza lui. Cuore di metallo senza l'anima, nel freddo del mattino grigio di città. A scuola il banco è vuoto, un Marco è dentro me,
è dolce il suo respiro fra i pensieri miei. Distanze enormi sembrano dividerci, ma il cuore batte forte dentro me. Chissà se tu mi penserai, se con i tuoi non parli mai, se ti nascondi come me, sfuggi gli sguardi e te ne stai rinchiuso in camera e non vuoi mangiare, stringi forte a te il cuscino e piangi e non lo sai quanto altro male ti farà la solitudine. Mannai, nai, nai, nai. Diario una fotografia, agli occhi di bambino un poco timido, la stringo forte al cuore, sento che ci sei, fra i compiti di inglese e matematica, tuo padre i suoi consigli, che monotonia, lui con il suo lavoro ti ha portato via, di certo il tuo parere non l'ha chiesto mai, ha detto un giorno tu mi capirai, chissà se tu mi penserai, se con